Et salut à toutes et à tous, on est en live pour la suite de nos aventures sur The Elder Scrolls Online en compagnie de Désastre. Coucou Désastre. Salut, bonjour à tous. Et de Bob Lennon. Bonsoir, je suis là avec des accessoires conaniques. Conanesque, conanien, on ne sait pas. Est-ce que ça se dit? Ça ne fait pas de sens. Dans tous les cas, nous sommes là. Oh là là, j'avais pas vu Krayn, ce costard absolument sublime. C'est pour aller avec la nouvelle monture que j'avais eue, c'est pour ça. Oh là là, avec le gros chien noir juste à côté. En plus, là là là, le maître du manoir ici dans l'environnement orc à Orsinium dans une taverne. Oh oui, il y a le clodo, il est réapparu. Ah, il est revenu, ouais. Ah oui, il était mort, il avait été assassiné juste avant le début de cette VOD. Voilà, il est revenu pondérer sur sa vie. Son sens. Toujours une chope à la main. C'est ça, exactement, c'est pour ça. Avec une capote sur la tête. Sortez... Et qui c'est qu'il avait tué alors? Un gars dans le public, juste derrière, celui qui fait des flammes sans doute. Non, mais ce que je veux dire, c'était... Ou non, c'était elle, peut-être, je ne sais pas, c'est pas important. Dans tous les cas, braves gens, tous ceux qui sont à la caverne à regarder en live, n'hésitez pas, venez vous asseoir autour de la table, parce que là, on va discuter de ce qu'on va faire durant cet épisode. Apparemment, il s'est passé des trucs, Désastre. Oui, tout à fait. Alors depuis quelques jours, on a accès à la quête prologue qui donnera accès ensuite au prochain DLC Murkmire. Donc Murkmire, ça sort le 22 octobre sur PC et le 5 novembre sur console. Attends, Murkmire, tu veux dire le territoire des Argoniens? Eh oui. Oh, pas l'acteur, moi. Et oui. Intéressant, intéressant. Oui. C'est la toute première fois depuis Arena qu'on aura l'occasion de visiter les lieux de vie des Argoniens. Exactement. Le Hist, les arbres, les espèces de pédoncules dégueulasses qu'ils utilisent comme maison. Et on va peut-être en apprendre plus du coup sur la culture. 10 000 $, on n'en apprend rien de plus. ça je le parie direct. Voilà, direct, je mets l'argent sur la table. C'est quand même 10 000 $ de paris, hein, c'est pas... Non mais je réfléchis même pas, tu vois, c'est garanti, c'est garanti. Y a pas de... On me demande si tout le monde a accès à cette quête prologue, je pense que oui. Hein. Oui, c'est l'accès, il se fait dans la boutique à couronne. Ouais. À initiateur de quête, c'est super simple. Voilà, les conservateurs cyrodiliaques ont besoin de vous, gratuit. Exactement. Bon bah très bien. Mais le DLC qui sera potentiellement gratuit si vous vous connectez tous les jours du mois prochain. Oh là là, c'est ça. C'est ça, ouais. Le DLC est gratuit si on se connecte tous les jours du mois prochain, c'est une récompense. En fait, le DLC, voilà, il sera en récompense journalière du mois de novembre. Et on pourra l'avoir à partir de 24 jours de connexion, donc à partir du 24 novembre, si on se connecte tous les jours. Sympa! Ben très oui. Très sympa, je trouve. Je veux dire, pour simplement une petite connexion, machin, si t'es étudiant, c'est pas trop dur à faire. Ah, ça va. Ouais, ça va, hein. Ça va, ça, je trouve ça très honnête. 24 jours, bon, c'est long, mais si tu fais ça tous les jours en diligemment, ça se fait. Tu mets ton réveil, quoi, tu te connectes 3 minutes par jour, tu prends ton bonus, tu te casses. Non, c'est sympathique. Très sympathique, très sympathique. Mmh. Mais bon, cependant, le marais noir, quoi. Quel plaisir, quel régal. Vous savez que techniquement, le marais noir, bon, j'ai pas envie de dire que c'est interdit, mais c'est à la fois interdit, mais aussi personne n'y va parce que c'est juste infréquentable. Mais on en parlera quand on y sera. Bah après, chez les Altmers aussi, ça devait pas être ouvert, c'est ouvert. Oui, mais tu peux te déplacer sur les routes. Chez les Altmers, ils te tiennent à l'extérieur parce que le pays... En fait, chez les Altmers, c'est un peu la Corée du Nord. C'est-à-dire, tu vas, le pays, il a des routes. Tu vois, il a une structure, il y a un restaurant, il y a des hôtels. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux y aller. Ouais. Chez les Argoniens, t'y vas... c'est l'Éthiopie si tu veux, mais pas les grandes villes. Tu vois, c'est genre, c'est le bayou. C'est le bayou, il n'y a pas de route. Enfin, Enfin voilà quoi, c'est... c'est juste pas... Il y a des sentiers qu'ils ont l'habitude d'utiliser, eux, c'est peut-être moins... moins des routes que nous on peut fréquenter. Je veux dire, les Argoniens, ils ont des cités, ils ont des cités sous-marines. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas, c'est le Yémen, on me dit sur le chat, exactement. C'est pas. Du coup, là, c'est plus l'Amérique du Sud, donc c'est complètement invivable pour un non-Argonien. Tu vois, en fait, c'est pour ça que... Enfin bon. Mais du coup, ça risque d'être intéressant, ça me semble formidable. Mais asseyez-vous, tous ces gens-là qui sont autour de nous, autour de la table, en regardez de loin. Asseyez-vous à la table. Alors moi, je me lève justement. Ah bah, d'accord. Ah bah, attends, avant d'y aller, est-ce qu'on peut, avant d'y aller, donc faire cette quête formidable où il nous demande d'enquêter sur ce prochain DLC absolument fou. En même temps, je vois pas ce qu'ils veulent qu'on enquête sur le marais noir. Je veux dire, c'est des arbres, c'est de la boue, c'est à peu près tout. Enfin, pas justement. C'est compliqué. Il va y avoir plein de surprises. Il passe des petites choses. D'accord, mais ça risque d'être compliqué. Hein, je vous préviens, parce que c'est comme trouver une aiguille dans une bottes de boue en fait, ça va être compliqué c'est pour ça. Avant de faire ça, je vous propose d'aller voir les baraques, parce que grâce à vous, il y a 2 semaines, on avait fait une vidéo en vous disant oui, faites les espèces de mini-quêtes sur Summerset, si vous faites ça, vous aurez tous les récompenses de fous furieux, et vous l'avez fait. Vous l'avez fait, vous avez été suffisamment nombreux pour le faire, donc on a tous gagné la monture et l'habitation absolument formidable, la grande villa psychique. Et je vous propose, voilà, et je vous propose d'aller la visiter. Juste pour montrer la monture. Et pourquoi pas le pet aussi. Excusez-moi. Oui, c'est une bonne idée. Alors, le petit poney, il est où? Poney mascotte psychique, elle est là. Et alors ça, c'est un poney. Voilà. Oh, il a des tresses, c'est trop stylé. C'est quoi? C'est le fonceur d'escorte psychique, c'est ça? Ah ouais, il me semble. Doute, ouais. C'est ça. Hop. Donc, voilà, le petit poney tout mignon. Et... le cheval qui a quand même la classe. Il est plutôt sympa le cheval. C'est quand même un gros cadeau hein, parce que la maison, le pet, le cheval, ça c'est des milliers de couronnes. Et le DLC gratos si tu te connectes hein, une fois par mois, enfin une fois par jour. Je sais pas ce qu'ils ont là mais. Ah mais c'est le voilà c'est ça. Je sais pas ce qu'ils ont mais. C'est l'opulence. C'est ça c'est ça. Le jeu va devenir free to play. Ça y est, c'est la pauvreté. C'est fini, c'est la mort du game. Tu vois, c'est terminé. Les serveurs de Star Wars ferment, enfin voilà quoi, je parle mal. Logiquement, est-ce que vous pouvez vous TP dans les maisons? Bah vu que c'est les maisons, si vous les ouvrez, logiquement, on pourra tous aller dans la même maison. Ouais, on peut aller dans la même. Est-ce que qui veut ouvrir sa baraque? Vas-y. Bah de toute façon, elles sont vides, donc autant on peut aller n'importe. Moi, la mienne, j'ai entreposé plein de trucs à la con. Donc autant aller. Attends, autant aller dans une brute. Je vais y aller et je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Ça me coûte pas d'argent pour une fois. C'est rare. <laughs> En tout cas sympa, juste à l'extérieur de la taverne orque, il y a un gars qui est en train de dégueuler avec l'autre. T'es sûr... RP. Oui mais c'est sympa, c'est RP parce que t'as un PNJ qui est là, vous avez assez bu, j'ai bu ce qu'il faut, dégage. Moi je trouve que ça fait ambiance, je trouve que ça fait ambiance. L'ambiance c'est important. La grande villa psychique. Lorsqu'Arteum a été extraite de Tamriel, quelques îles voisines l'ont accompagnée, dont le site de la grande villa psychique. Ah, on me dit qu'ils ont annoncé une série d'events pour prochainement choper une monture Indrik. Ils sont super généreux en ce moment. Ouais. Mazette, Mazette, réglage, accès visiteur par défaut, visiteur, voilà, voire même décorateur. Voilà. Tiens. Faire de votre maison, faire de cette maison votre résidence principale. Voilà, c'est fait. Donc là, normalement, ça devrait marcher. En cours. Voilà. Impeccable. Et fou là là, effectivement. Il était joli ce pet, mince, j'ai pas pu voir ce que c'était. Il y avait un pet tout enflammé avec de l'armure. Ils se foutent pas de notre gueule. Hein. On va mettre la véritable apparence de notre armure. Voilà. C'est juste parce que, voilà, ça correspond mieux à l'ambiance. Mais d'où Jésus, quoi. Oh là 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 là. Ah ça charge, ça charge. Non, mais non, c'est pas la bonne maison, je suis dans ton ancienne maison. Ah merde, mais Désastre il y est. Donc c'est ça. Parce que j'ai voyagé sur toi au lieu de visiter la résidence. Dans la... ouais, ah pourtant j'ai changé la résidence principale, il y a Zigma, ça fait plaisir. C'est pas grave, je vais voyager vers toi. Alors juste pour, il y en a qui demandent là pour l'Indrix, du coup ils sont comme des petits fous. Si j'ai bien compris, il va falloir participer à 4 events différents, les 4 prochains je pense. Il y a le festival de la sorcière, l'anniversaire de je sais plus quel DLC, le festival de la nouvelle vie, anniversaire de Clockwork et un autre, enfin je sais plus. Et si on participe aux 4, on aura une monture Indrix. C'est quoi la monture Indrix? C'est juste pas moi, c'est Jimi Hendrix. Ouais, c'est ça, c'est la monture Jimi Hendrix, mais je me disais, mais non, les Hendrix, c'est quoi? C'est les sortes de cerfs, non? C'est pas ça? Ouais, c'est les espèces de cerfs. Oui, les cerfs magiques de Summerset chelou. Exactement. Ah, d'accord, c'est la maison qu'ils ont filée. Exactement. Ouais, donc ça, c'est gratos. Tout le monde a ça. Ah putain, les mecs ils déconnent zéro. Hein. Une villa énorme. Quittez la maison, il y a même un téléporteur là, juste là. Ouais, ça fait quitter la maison, le petit pédilude. On peut aller dans la flotte. La taille, quoi. Ah ouais, c'est énorme. Et même l'intérieur et tout. L'extérieur est vraiment gigantesque. Ah, ils se sont foutus de la gueule de personne. Hein. 700 emplacements avec Ezo+, me disons. Exactement. Oui, et 24 joueurs. C'est combien une grande maison, normalement? Eh ben c'est ça, c'est le max. C'est les plus grandes. Ouais, c'est gigantesque. Oh, il y a une petite... Absolument colossale. Il y a une chute d'eau là. Ouais, il y a une fontaine. C'est ça, ça, mais il y a des fontaines, chutes d'eau, il y a tout ce que tu veux, c'est absolument mais mirifique et merveilleux. Ça rend extrêmement bien. T'as de quoi caler des... Alors c'est vide, hein, il faut caler des plantes et des trucs comme ça. Je me demande, est-ce qu'il y a moyen dans l'aménagement de la meubler? Non, il n'y a pas moyen. Non, de toute façon, elle est vide comme ça. Ouais, la roulade là qui plonge, c'est beau. Non, c'est beau, hein. C'est beau, ça se fout pas de ta gueule, hein. Et puis tu peux faire le grand tour et tout, hein. Enfin... C'est pas une maison, c'est une cathédrale. J'avoue. Mais c'est vrai, l'intérieur, ça fait une cathédrale. Je suis pas encore allé dehors pour l'instant, je suis un peu en train de visiter le... dedans, je veux dire, je suis encore... C'est quoi, 700 objets, ça me paraît presque peu. Ah ben oui. De toute façon, tu peux jamais en mettre assez. Toujours, ouais, voilà. On en met toujours plus, hein. 700 objets, ça me paraît presque peu, parce que c'est tellement grand, pour meubler tout ça, il faut mettre des arbres. Déjà, rien qu'en arbre, t'en claques pour 200, à mon avis. T'en claques pour 200 en fleurs, en arbres et en décoration extérieure. Décoration extérieure, tu montes jusqu'à 275. À mon avis, déjà, de ça. Et là, c'est beau, cette petite chute avec les nénuphars. La question, c'est est-ce qu'on peut monter en haut de la chute, à ton avis? Mon avis, non. Ouais, tu dois pouvoir, mais il faut des aménagements, je pense. Oui, oui, tu sais, en stackant des trucs, là. Ouais, il y a moyen, je pense. S'il y a un mur ou si on peut aller en haut. Oh. Oh là 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 là. J'ai hâte de savoir. Il y a bien des gens sur le chat, que ce soit ou les vôtres, qui ont essayé. Ah, il y a obligatoirement il y en a qui ont essayé. Et par contre on appréciera aussi la géographie de l'île d'Arteum avec le ciel absolument magnifique et les multiples cascades. Oh là 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 là. C'est vrai que c'est un beau cadeau, hein, franchement. Ah, c'est beau, hein. Ah non, là, et attends, on n'a pas vu l'intérieur. Allons voir. C'est un des plus gros cadeaux que j'ai vu sur un MMO fait à des joueurs, quoi. Eh ben putain. Oh, il y a de la viande mystère par terre. Ah, la prends pas. Quelqu'un qui dit oula, oulala, j'ai frôlé le décès. J'ai pris la viande mystère. Quelqu'un qui dit trop hâte de pouvoir mettre mon unique tabouret au milieu de la ville. Ah, j'avoue, hein. J'avoue, par contre, tous les joueurs, surtout quand tu vas voir un décorateur d'intérieur dans tes eaux, je trouve ça un peu décevant d'ailleurs, parce que quand tu vas voir un décorateur d'intérieur dans tes eaux, il te propose 3 branches d'arbres, 2 pierres et un tabouret. Ouais, ça dépend lesquels en fait, il y a des objets spécifiques en fonction des zones. Ouais, mais c'est la plupart du temps c'est des caisses ou c'est des lits de paille. Ça te propose pas de vrai matériel en fait. Tu peux me dire oui, mais les autres joueurs peuvent te le vendre et tu peux le crafter, c'est vrai, mais quand même il devrait avoir des aménités de base quand même, des aménités de base. Par contre la lumière est juste merveilleuse et ils ont raison. Ouais, c'est une cathédrale, hein. Ouais, t'as vu ça, c'est un peu bas, mais le plafond un peu bas, putain. Faire les toiles d'araignée, Sigma a tout compris. Voilà, il a trouvé l'emplacement, quoi. Chaton, il sait, hein. Il sait, il sait. Ça ressemble d'ailleurs, ça a l'air d'être calé d'ailleurs sur la salle du trône. Ouais, dans le, de Summerset. Dalinor. Ouais. Exactement, Dalinor. Par contre, là c'est pété. Putain, les colonnes sont cassées et tout un peu. Quel dommage. Il y a un petit pédilieu au fond et tout. C'est... Oh, j'avoue, par contre, les thermes, quoi. Oh, avec les étagères à bouquins. Oh là 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 là. Là, il y a des portes. Est-ce que c'est des portes qu'on peut ouvrir ou pas? Normalement, oui. Sud de la ville. Ah, bah, ça t'amène. Ouais. Oh là 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 là. Là, c'est juste... 2 pièces différentes de chaque côté. Absolument 5. Absolument, absolument dingue, hein. C'est quand même absolument dingue. Pièces. Mais c'est plus grand que toutes les grandes villes là que j'ai visitées. Attendez, salon, étendard, sofa. Suite. Attendez, attends. Bon, ça c'est un peu chelou là. Pourquoi ils ont mis une encadrure de porte Je sais pas. Il y a quelqu'un de mort peut-être de l'autre côté. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai foutu de mes chaises, ça se trouve, je n'ai plus de chaises. Tu peux mettre que 700 objets, ça suffira pas pour meubler tout ça. Ouais, j'avoue. Bah, il faudra faire le style épuré. J'avoue, j'avoue. Ah, après, tu peux, il faut des objets qui prennent de la place. Enfin, il y a moyen, mais c'est vrai que. Ah, il y a moyen, mais complexe, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est toujours un peu le problème. Voilà, j'ai mis un banc. Bon, il y a de quoi faire. Incroyable. Voilà. Ah, il y a encore un truc. Wow. Il y a de l'étage, hein. Attends, il y a les pièces. Je crois que c'est fini. Et El Nord de la Villa Psychique, quoi. C'est sympa. Moi, j'aimerais bien un petit bassin comme ça chez moi. Je trouve ça cool. Tu te lèves, tu te dis allez, oh, je peux. Vous avez vu qu'il y a un étage aussi. Enfin, il y a des petits étages de chaque côté. Ouais, oui, non, mais c'est juste absolument fou. Mais ils ont juste absolument fou. Ils ont pété un plomb. Je sais pas. Ah, les gens, ils vont plus jamais vouloir acheter de maison après celle-là, c'est bon. Ah ils ont la plus belle maison de base. J'avoue, hein. Bah, franchement, Murkmire, il y a une maison, elle est oufissime. Et... Encore? Ah oui? Ah ouais, ouais. Celle qu'on va visiter après, là? Ou non, non elle est sur le PTS, mais non, non, la maison du chasseur est très bien aussi. Et elle a la particularité qu'à l'extérieur, normalement, on peut rester en forme de loup-garou à l'infini. Oh, intéressant. Oh. Est-ce que tu pourras claquer ta forme pour montrer si ça marche ou Ah oui, de toute façon, elle sera aussi utile que les fois où je l'utilise, donc oui. Merci beaucoup, Panamiam, pour les 4 mois de soutien. Des bisous. Non, mais gros bisous à vous trois, nous dit-il. Ouais. C'est ça, c'est quelqu'un sur le chat qui nous fait la réminiscence, qui dit, c'est comme la fois où vous avez dit, quand t'as désastre dans la flotte et un mec qui vient et fait, que fait cet esclave dans l'eau? Ah, c'est le proprio. J'avoue, c'est exactement ça, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Ils sont ça TP où ça? Craqué. Alors normalement, t'arrives à Arteum, mais logiquement, ça te ramène à la zone où... Depuis où t'as TP dans la maison. Ouais, donc ça nous ramène à Orsinium. C'est pour ça. Est-ce qu'on... Je vais me retrouver dans ton autre maison peut-être. Oui, oui, voilà, c'est bêtement. Est-ce que on peut se téléporter du coup à l'autre maison? Ça doit être dans le collection. Ouais. Ouais, ou directement dans la boutique. Ouais, dans la boutique. Dans la boutique. Boutique. Donc c'est clairière du chasseur. Tout à fait. Ah oui, mais vous pourrez pas le voir du coup. Non, ouais, on sera pas ensemble, mais on peut. Ouais, bah. Ah oui, pour la transformation, exact. Ouais. Ah oui, c'est vrai, bah tant pis. On ne pourra que te croire sur parole. C'est ça, c'est ça. Ah, j'ai pas été derrière la villa, mince, apparemment, j'ai pas visité un endroit. Ah, tant pis. Écoute, il faut laisser un peu de mystère. Un truc qu'on pouvait voir derrière, parce que il faut laisser un peu de mystère, et de plus, j'ajouterai que tous les joueurs de Teso ont maintenant cette maison, donc ils la connaissent par cœur. Là, c'est juste pour faire rêver les gens qui nous regardent et qui rêvent. Voilà. Enfin, c'est toutes les personnes qui ont Summerset. Et les gens qui achètent Summerset maintenant, c'est plus possible ou non, il me semble que non, il fallait l'acheter avant. Oh la baise intercontinentale. Ouais. Oh là 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 là. Bon, moi je le vis bien. Moi ça y est, j'y suis, hein, je suis en train de visiter, on arrive dans une sorte de tour. Ouais, une sorte de clairière, il y a même un portail de la clairière utilisé. Ça, c'est là, ça amène dehors en fait. D'accord, parce que pour l'instant c'est juste l'intérieur d'une caverne. Irsi n'a jamais eu beaucoup de goût, hein, si je puis me permettre. Ah, s'il y a un petit sous-sol avec de quoi mettre des tables et un feu, mais c'est pas... C'est pas... En fait, là, c'est normalement... Oui, j'avoue, c'est pas... Ça fait petit, là. C'est la maison du chasseur, en fait, donc c'est la maison du chasseur de loup-garou. D'accord. Et là, normalement, c'est ici que tu chasses des bestioles. Voilà. Parce que tu vis éternellement dans la chasse, et donc tu te fais jamais chier. Ah, j'aurais dû... Attends, faut appuyer sur F5. Je sais pas si vous avez mis le meublé. Ah. Ah oui, c'est vrai qu'on peut, ouais. Aperçu. Eh ben, ça rajoute des pierres, ça rajoute des fleurs. Oh, par contre, il y a une statue d'Ersine derrière. Pour voir. Et vous regarderez ça rajoute des ciel dehors. Oh là, ouais, la grosse lune. Hein. Là, pour le coup, c'est clair que la transformation en loup-garou, elle est un peu là. Hein. J'avoue. On se croit avoir Denfell. Oh, le plan d'Oblivion qui a été créé à 3 bornes de ma serre. Hein. Ah putain. J'aime pas beaucoup comment c'est meublé. Ah bah oui, forcément, c'est sûr que c'est la chasse. C'est pas la chasse où tu cours après... Ouais, c'est ça, c'est pas la chasse où tu cours après des papillons là, c'est sûr. Salut Juggernaut. C'est vrai que c'est grand et c'est spacieux. Ouais, si vous aimez les grands espaces, si vous voulez avoir une petite forêt personnelle... Voilà. Et je trouve que l'atmosphère est sympa. Fait. Oui, par contre, j'avoue, ouais. Bon, on va tester le loup-garou. Vas-y. Allez, dis-nous. Ah, mais j'ai pas accès à mes skills en fait, si. Si, non. Alors, après, si, moi je peux les faire. Ils apparaissent pas dans ta barre, mais. Est-ce que dans l'aperçu, vu que c'est un aperçu, est-ce que ça va fonctionner? On va voir. Non, ça marche pas, je peux pas. Si, va dans tes skills compétences. Ouais. Il est pas réglé sur une touche de barre, si? Si, bah si, justement, j'ai essayé la... Attends, j'ai pas fait le bon. J'avais peut-être pas la bonne barre, on va essayer. Ah. Non. Ouais, où est-ce qu'il est monté ton ulti? Ah, il est peut-être pas monté mon ulti. Eh ouais. Ah, t'as peut-être pas l'ultra. Simplement. T'as peut-être pas l'ultra. Petite statue d'Irsine, bof. Enfin, oui, mais... si, il a l'air d'être bon, hein, je pense. Non, à mon avis, on peut pas, hein. Si j'appuie là, il se passe rien. Oh, tu dois pas... Écoute. Alors on me dit il faut aller voir la statue d'Irsine, je crois. Il y a une statue à aller voir. Ben juste là, oui, c'est le portail vers l'entrée. Il y a une statue, une grosse statue effectivement. C'est quoi la grosse statue? Quand t'arrives dehors, elle est derrière toi. Les gens me disent que c'est la statue de la cruelle miséricorde, by the way, avec la lance du même nom. D'accord. Bon, c'est stylé. Et du coup, je vais voir la statue. Ah non, mais rien. Il ne peut se passer grand chose. Non, non, ah non, il est juste faut aller voir la statue. Bah, je ouais, voilà. Quel... rapport avec. Moi qui voulais me transformer, je demande la permission à Irsin. Ah, pour ça, hein. Le mec qui essaie de se transformer alors qu'il y a la lune qui fait la taille. C'est la lune de Majora's Mask en fait. Et le mec il est là. Non, je vous jure, d'habitude j'y arrive. C'est qui pousse. Ouais, je peux pas sortir. Ah, attends. Alors les gens disent normalement il suffit d'avoir son ult. D'accord, bon bah. Bah ouais, mais j'ai l'impression. Enfin, là quand j'appuie sur mes skills, donc sur K, il a l'air. Attends, est-ce qu'on voit s'il est chargé ou pas? Appuie sur K, oui, c'est là où je suis depuis tout à l'heure. Hein. Normalement, il est là. Il est donc sur R, j'ai essayé 1000 fois R. Peut-être qu'il n'est pas chargé. Ah, il est sans doute pas chargé. Et qu'il apparaît chargé quand j'appuie sur K. Ouais, qu mais qu'en fait, qu'il ne l'est pas. Je pense que ça doit être ça. Mmh, tout s'explique. Tout s'explique. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est quand même joli. Hein. C'est quand même joli, c'est quand même stylé. Mais je suis content d'avoir gagné la maison psychique. Voilà. Tout à fait. Là, ça rend bien. C'est vieille. La musique est sympa aussi ici. Hein. J'avoue, c'est l'ambiance. Hein, c'est pour faire la maison psychique. Il y a des écoute, partout, pour tous ceux qui sont fans des loulous-garous, je trouve ça pas mal. Bon. Alors après, du coup, la map. Où est-ce qu'on va du coup? J'ai envie de sauter ici. Putain, c'est grand en plus la carrière du chasseur. Oh là là. Attends, je suis pas mort. Oh là là. Attends, je suis en train de sauter au bout de la, la clairière là. Ça se trouve derrière Fayez. Hein ça se trouve... Oh là, le jeu il triche. Qu'est-ce qu'il y a? Le jeu il triche. Il a triché. Oh là là, il m'a fait une mort automatique. Ah. Ah, et oui. Ah. J'étais en train d'arnaquer le jeu. Ah. La tricherie absolument dégueulasse. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Du coup, où est-ce qu'on se téléporte pour la fameuse quête de machin chouette? Il faut la prendre déjà. Ouais, déjà, faut la lire, ouais. Ah, putain, on va quitter la maison, on va lire en dehors. Ou attends, est-ce qu'on n'ouvrirait pas des caisses d'abord? Ah oui. Attends, prenons la quête d'abord. Ok. Ouais, prenons la quête. Je suis en train de charger. C'est ça, c'est ça. Mais je veux dire, dans l'ordre, dans l'ordre. Après, on... C'est voilà, dans l'ordre, dans l'ordre. Elles y sont toujours les caisses d'Halloween? Bon oui, je pense. Oui, c'est Halloween pas passé. Les conservateurs cyrodiliaques ont besoin de vous. Oui, j'accepte. Très bien. C'est dommage, j'aurais bien voulu continuer Orsinium, mais good enough. Je suis là. Tu es où? Quel est donc cet endroit? Je sais même pas où je suis. Non. Mais je suis jamais allé là. Ah, si, j'ai déjà dû aller là. Les conservateurs cyrodiliaques ont besoin de vous. Je l'utilise. Très bien. Moi, je vois le papier. Oui, non. Fermé. Ça y est. Ouais. Retour. C'est dans ton inventaire après? Ouais, c'est dans vos inventaires, dans l'endroit où il y a les deux cubes. J'utilise. Voilà. Voilà. Désastre aussi. Quelqu'un veut le lire? Bah, désastre. Désastre, lis le papier. Ah oh, non. Je n'osais pas le dire. Parce que j'ai les flènes qui se ramènent pour la quatrième fois. Merci et bim. Parce que ta voix nous fait marrer, mais t'as le droit à un joker si jamais t'as pas envie. Vas-y. D'accord. Alors, attendez, parce que là, j'ai une grosse alerte. Je cherche mes lunettes. Attention, ça va utiliser ton joker par défaut. Et il n'y a que deux lignes. Merci, Poupourama pour le don, merci beaucoup. Vas-y, vas-y. Alors, les conservateurs cyrodiliaques, principale société de recouvrement, restauration, préservation et restitution des antiquités argoniennes, à leur légitime propriété à Tourbevase, cherchent à recruter l'élite. What? Hein? Attends, il y a une société qui se base pour rendre des antiquités aux Argoniens? Merci Poupourama. D'ailleurs, je trouve que, je sais pas ce que t'en penses Bob, mais vu que là ça concerne les Argoniens, je propose de laisser Désastre lire toutes les quêtes des livres. Alors, moi, et tous les livres bien évidemment. Moi honnêtement je suis pour, le truc c'est que moi ce que je veux le voir c'est lire Nagva, Gvakva, Citis, qui fera beaucoup rire. Désastre qui dit encore il y a quoi, il y a 2-3 jours, ah c'est cool, j'aime bien nos rendez-vous, sauf quand vous me faites faire des trucs. Non mais attendez, est-ce qu'on peut s'intéresser à ce papier? Les conservateurs cyrodiliaques, donc de l'Empire, enfin pas de l'Empire mais de les impériaux quoi. Les impériaux qui s'intéressent pour récupérer des artefacts argoniens et les rendre aux Argoniens. Ouais, parce qu'il me semble que c'est fait après, j'ai pas envie de dire là, parce que je l'ai déjà fait, alors je vais rien dire. Mais... Bon, écoute. Ah là là. Oui. Y a pas de souci. Bon, bah, continue à lire le feuillet. Continue à lire le feuillet. Vas-y. Hop. Si vous attachez de l'importance à l'histoire et cherchez à corriger les erreurs du passé, les conservateurs cyrodiliaques veulent vous rencontrer. Allez chercher Concordia Mercurius au gué de Vulkel, au gué de Davon ou à Daggerfall. Aidez-nous à coiffer la concurrence au poteau pour préserver la culture argonienne. Putain, les Argoniens ont une culture? Première nouvelle. Eh ben écoute, allons, vas-y, je t'en prie. Allons voir Concordia. Vendu. Okay, bon, bah, alors Concordia, on va la voir en quelle ville du coup? Parce que j'imagine il y a une ville pour chaque faction. Moi j'aimerais bien aller la voir à Filante, parce que c'est joli. C'est joli. Est-ce qu'on a un TP pour Filante? Je paye mon TP. Ah, c'est cool, merci. Parce que Daggerfall, voilà quoi. Oh là là. Merci encore bon. Pour Ama. Merci beaucoup. J'essaye de comprendre où on est. J'économise. Ah si, elle a sorti là-bas. Daggerfall d'ailleurs qui, comparativement à Daggerfall du jeu Daggerfall, hein, voilà, le deuxième jeu de Elder Scrolls, est dans ce jeu ridiculeusement petite. Mais on leur en veut pas en même temps, c'est l'imitation d'un jeu joli en 3D comparé à ce qu'à l'époque Daggerfall avait été fait. Daggerfall n'avait pas été généré aléatoirement, hein, ça n'avait pas été généré procéduralement, ça avait été fait à la main entre guillemets, hein, avec le palais qui fait 300 km de long et la ville qui est gigantesque avec 10 millions de maisons et tout ceci. Mais vraiment, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Daggerfall, le deuxième tome des Elder Scrolls, hein, le deuxième jeu des Elder Scrolls, plutôt que de vous inviter à y jouer, je vous invite à trouver quelqu'un sur YouTube qui fait ça bien, un anglais hein, ou quelque chose comme ça, et à en mater un peu. Et vous allez voir que... Bah, non, parce que le problème c'est que d'y jouer c'est chiant, parce qu'il faut installer les jeux, il faut mettre des patchs, c'est compliqué, c'est un très vieux jeu, et ça n'attirera pas tout le monde. Mais pour ceux qui sont intéressés par l'ambiance, je vous invite, ne serait-ce que vous donner un aperçu et de jouer ou de regarder Daggerfall. Voilà, c'est toujours intéressant. Demain sur YouTube, on verra. Premier épisode de Daggerfall par Bob Lennon. Non. Déjà, tu sais que si je vais m'attaquer à ça, je ferai Morrowind d'abord. Et ensuite. Oui. Non, Daggerfall, non. C'est juste ça. Daggerfall, non, les enfants. On va dire. Putain. Daggerfall. Est-ce qu'on peut TP sur toi? Bah, oui, vous pouvez taper sur moi. Daggerfall, si je suis à la retraite YouTubique et que je deviens un petit streamer dans un coin. Peut-être dans 20 ans. Hein. Carrément dans 20 ans. Non, mais voilà quoi. Benza a tenté Daggerfall avec quelques années. Mister MV aussi, mais voilà. Ah, et ça a donné quoi? Ça a donné que les gens regardaient pas? Bah non, mais c'est pas. Oui, déjà d'une, oui, mais c'est pas. On s'en fout. C'est intéressant quand même, je veux dire. Oui. C'est pour ça. Mais surtout, bon, les dialogues sont super. Les donjons te prennent un peu au sérieux. Alors les gens disent qu'ils étaient terribles les donjons. Mais les donjons sont effectivement immenses et angoissants. Mais ils te prennent au sérieux. Genre si t'as pas de carte, hein, si t'as pas planifié, si t'as pas de sort de lévitation, t'es mort. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, bah voilà quoi. Faut y aller, mais pas y aller avec une demi-molle. Ça passe pas. Du coup, j'ai été transporté à Sephora. Qu'est-ce que... Ok, c'est bugué, c'est vrai qu'on a des caisses à ouvrir aussi. Oui, c'est pour ça, c'est pas grave. Écoute, je paye 900 balles. Quoique, non, attends. TP sur des... Ouais, TP sur moi. Oui, mais c'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Bah, t'as dû le faire trop tôt. Ouais, peut-être que tu l'as fait tôt. Et du coup, tu t'es re-TP à l'endroit juste à côté. Non, je refuse que vous ayez raison. Parce que si vous avez raison, ça veut dire... C'est dangereux les téléportations. Si vous avez raison, ça veut dire que... Ça veut dire que c'est de ma faute et ça veut dire que j'ai tort. Et j'aime pas ça. Donc voilà, déjà... C'est sûrement un bug. Les gens me disent dans Daggerfall tu peux devenir un sanglier garou, tout à fait, ainsi qu'un ours garou. Un sanglier garou. Bon, ours garou, ça, un werebear, ça me choque moins. Sanglier garou. Ah bah un werebor. Un werebor. Ouais. Boire. Je réfléchis si j'en ai déjà vu dans des dans d'autres trucs. Ah bah c'est voilà. Probablement oui. Dans le World of Darkness, t'as 1 million de were différents. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vas bien avoir des wereboards, t'as des weresharks. Les gens, ils sont là, lol, des girafes garous. C'est les mecs qui clament haut et fort que One Piece, c'est le meilleur manga du monde. Ah bah, elle est juste là. Quelqu'un qui te demande des bonus ne sont pas activés. Je regarde Buffy en ce moment. Alors quelqu'un dit: j'ai attaqué Morrowind et j'avoue je galère, hein. 20 heures de jeu et level 5 mon gars, j'ai à peine quitté Palmora et je suis pauvre. Très frustrant, mais quelle ambiance. Ah bah là pour le coup oui. Mais en même temps si tu connais les mécaniques du jeu, tu peux leveler et aisément te déplacer dans Morrowind. Je pense pas que j'en chierais autant qu'un nouveau joueur sur Morrowind si je m'y remettais. Je sais ce qui marche et ce qui marche pas. Déjà rien que savoir où est le staff de lévitation, voilà c'est fini quoi. T'as pas besoin du staff, enfin oui bon d'accord. Oui mais quand tu sais où il est de base, voilà. Moi je l'ai trouvé par hasard hein, là dans mon dernier. Mais tu pexes là, et puis t'as des tas d'objets d'évitation, t'as l'anneau de lévitation constant, et t'as les bottes de vitesse aussi, absolument indispensables. Et enfin, ah les bottes de vitesse, il y a autre chose, c'est que tu vois plus bien ou il y a un truc comme ça. Oui tout à fait, mais c'est contrable. Il suffit de caster une luminosité ou une cécité sur toi-même. Et en fait, quand tu passes le threshold de la cécité, quand tu deviens tellement aveugle que t'es aveugle, tu recouvres la vue en fait. D'accord. Ça fait aucun sens, mais c'est comme ça que le jeu est mal codé, donc tu peux en outrepasser. Il y a une pierre. Ça me dit qu'il y a une pierre là, pas très loin. La dame. Oh. Merci Poupourama, merci beaucoup. Est-ce que il y a la pierre de la dame juste à côté de Daggerfall. Et j'aimerais compléter mon zodiaque. En plus, elle est pas loin de ça. C'est joli, moi j'aime bien ça comme ça. Je préfère l'ambiance du château. C'est vrai. Alors, moi, plus y vivre ça. Ce Daggerfall, il me choque un peu parce qu'en fait, il y a des pentes et des micro-collines. Alors que dans Daggerfall, bah, c'était plat. Tu vois, ah ouais, c'est tout plat. C'était plat à l'infini. Bah oui, forcément, l'environnement 3D. Ah oui, oui, c'était pas encore ça. Ouais. Voilà, exactement, c'est pour ça. Donc, il y avait peut-être des petites pentes, mais c'était insignifiant. Mais du coup, tout était plat et du coup, voilà, ouais, ça me choque bêtement. Merde, comment on passe ça? On peut sans doute en faire le tour. Mais excuse, hein, je vais récupérer ça parce que ça me paraît. C'est quand même une des pierres des constellations et ça me paraît... Voilà. Voilà. Donc là, juste à côté, il y a des lumières. On fait le tour des bandits des fiasses. Voilà. On fait le tour par la gauche. Papy nous emmène à l'autre bout du monde. Ah, je suis désolé, hein, je m'attendais à ce que ce soit plus en ligne droite, mais voilà, on la voit, elle est là, elle est là. C'est à cause de la... de la montagne. Voilà, on a la dame. Enfin, super. La pierre de la bénédiction de la dame, qui est, je crois, la résistance physique et magique. Tout à fait. Je pense que on a déjà un buff par défaut ou pas? Ou pas forcément? Non, en fait, non. Là, juste ça rajoute. Il n'y a pas de buff particulier. Ah merde, ça veut dire qu'il faudrait que je le prenne idéalement. Ouais. Non, normalement tu peux en avoir qu'un seul d'actif. Ouais, voilà, ça dépend si vous avez déjà une pierre ou pas. Ouais, ouais. Eh ben, c'était ma question. Ah, où est-ce qu'on voit si on avait déjà une pierre? Mais ah, tu fais ici. D'accord. Ah, je pensais que tu demandais parce que dans tes os, si t'as un bonus, en fait, tu peux pas cumuler le même bonus. Je pensais que tu demandais. Voilà, bénédiction le guerrier, moi, donc je fais plus de dégâts, donc c'est mieux. Très bien. J'aurais dû garder, je pense, mon ancien. C'est très bien comme ça. Bon, c'est pas très grave. La chute. Oh, j'ai aucun dégât. Ah non. C'est bon. C'est bon, tout va bien. Donc, mais pas mal du tout. Nous avons donc récupéré la dame et nous sommes donc à Daggerfall. Est-ce qu'on sait où se trouve Concordia Mercurius? Elle était pilotépée où on était au tout début. C'est pas par là, ouais. Même pas dans la taverne, rien. Putain, le RP de ce jeu. Non, juste à côté du TP. Il nous a fait partir du PNJ, du pied du PNJ. Je suis vraiment désolé. Alors qu'on pouvait lui parler et ensuite aller chercher la dame. Et aller ouvrir des caisses. Désolé, voilà. Je suis désolé. Maintenant, arrêtez-vous. Désolé. Pas désolé. Je suis The Elder Scrolls Online olé, voilà. Ne cassez pas les couilles. C'est pas mal ça. C'est en accord avec l'image que t'as mis. Non mais nous sommes désolés, voilà, c'est ce que BDJ va dire à chaque fois qu'il sort. Moi j'aime bien. Ah d'accord, mais en fait elle se fait gang. Après minuit, c'est pour les plus de 18 ans. Par contre, elle est vraiment fringuée comme une impériale, hein. J'annonce. Ah tu la vois. On lui parle. Ouais. 3, 2, 1, kick. Vous devez être là pour le feuillet. J'ai besoin d'aide. Si un fief évorien ne vous fait pas peur, reprenons. Je représente les Conservateurs Cyrodiliaques, une société consacrée à la récupération des trésors argoniens perdus. Putain. Vas-y, Bob. Faut y croire. Hein. Bon, c'est bien parce que mes amis m'ont demandé. Et en quoi avez-vous besoin d'aide? Notre groupe est composé de ma sœur et moi, avec quelques associés. Nous préparions une expédition pour rapporter les antiquités que nous avons récupérées à Tourbevase, au cœur du Marais Noir. Mais la concurrence est soudain devenue agressive. Agressive? Attendez, attendez, attendez. Vous avez mentionné que vous avez une sœur. Vous parlez donc du fiefé vaurien dont vous veniez juste de nous parler. Lui-même, Margus Darius. C'est un contrebandier qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Il était membre de notre groupe, jusqu'au jour où il a disparu avec toutes nos recherches. J'aimerais que vous vous introduisiez dans le refuge des hors-la-loi voisins, pour savoir ce que Margus prépare. Très bien, nous chercherons Titus Magnus pour vous, madame... Maria... Mercurius. Oui, non, c'est des noms romains, à un moment, voilà, c'est pour ça. Alors, que dois-je chercher? Que dois-je chercher dans le refuge? Non, je plaisante. Très bien. Que devons-nous rechercher dans le refuge de ce hors-la-loi? Parlez à quelques-uns des malandrins qui mènent leurs affaires dans le repère. J'en connais quelques-uns de réputation. Cherchez Greta, une négociante en renseignement, Urzashi, un trafiquant d'antiquités, et Ishundir, un contrebandier de trésors historiques. C'est marrant, je peux deviner de quelle race ils sont simplement avec leur nom. C'est adorable d'avoir ça. Parlez-nous de Margus Darius. Margus nous avait contactés sous des abords amicaux. Je pensais honnêtement qu'il désirait rendre les trésors argoniens à leurs propriétaires. Il a travaillé un moment pour nous, mais a bien vite révélé son vrai visage. Excusez-moi. Pardon, pardon. Non, non, mais c'est... Non, mais elle est jolie, hein. C'est la candeur, ça fait plaisir. C'est-à-dire... Margus convoitait ses antiquités. Il est de tempérament brutal et possède un certain talent magique. Je m'inquiète pour mes associés. Mais je pense que Margus s'intéresse avant tout aux reliques antérieures à la tombée de la nuit. À la tombée d'Abba quoi? La tombée de la nuit désigne le lent déclin de la grande civilisation Saxe-Lille. Il y a de cela très longtemps, les Argoniens construisaient des pyramides appelées Xanmirs, et étaient beaucoup plus avancés. L'essentiel de nos recherches a trait à des reliques dangereuses de cette époque. Oh merde! Bon bah j'ai perdu 10 000 pièces d'or. Non, 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 non! C'était des 10 000 $! Tu as parié IRL! Allez, 5 chacun, on n'en parle plus. Non mais j'avoue, hein, mais j'avoue. Mais là pour le coup, honnêtement, là d'habitude j'ai envie de faire mon Stéphane Bern et vous sortir le lore et tout ça et tout ce que tu veux. Mais là... Oh, des pyramides argoniennes, ça fait rêver. Je sais pas si on aura ça, mais si on trouve un genre, je sais pas, une excavation et tu vois juste... Première fois que j'entends parler de ça. J'avoue, j'avoue. Hein. Et du coup, la prochaine maison de Murkmire, bah, c'est une pyramide Xamir. Ça ressemble à une pyramide Inca, Inca, Maya, Aztèque. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Non mais je... Dans l'idée. Non mais voilà, ça... Est-ce que ça ressemble à une pyramide allemande, espagnole ou française? Oui, c'est ça. Oui. Très bien, merci. Non, mais pyramide d'Aka, pyramide égyptienne, tu vois, rien que ça déjà. Voilà, non, pas égyptienne. D'accord. Mais ouais, bon, d'accord. Bon, ça doit pas plus. C'est pas plate. Je sais pas si vous voyez, mais derrière Concordia Mercurius, il y a une espèce de goupil. Non, c'est juste chez toi. Ah, c'est chez moi, mais il y a un goupil, il est adorable. Bon. Les conservateurs cyrodiliaques recherchent des reliques dangereuses? Non, pas spécialement. Mais même un marteau peut servir pour le bien ou pour le mal. Margus cherche l'une des reliques antérieures à la tombée de la nuit. J'en suis certaine. Je dois simplement trouver laquelle, avant qu'il ne se produise un drame. Avec votre aide, nous pourrons éviter un désastre. Ah non. Non, du tout. Avec notre aide, le désastre est assuré, oui. Ou alors on fait un marché, on peut en éviter un mais pas deux. Très bien. Quel est le rôle des conservateurs cyrodiliaques exactement? Nous sommes des enquêteurs historiques. Nous cherchons et étudions des antiquités volées à la patrie argonienne. Lorsque nous les trouvons, nous les apportons au Marais Noir. Enfin en théorie. Il nous reste encore quelques objets à récupérer avant de faire le premier trajet. Et vous comptez restituer tous les objets que vous trouverez aux Argoniens? Les plus importants, du moins. Nous aurons tout de même besoin de fonds pour financer nos opérations. Nous conserverons quelques objets pour ouvrir un musée au Marais Noir, à terme. Ainsi, tout le monde pourra profiter de ces trésors culturels. Un musée au Marais Noir. Tu sais que pour qu'un musée marche, faut qu'il y ait des visiteurs en fait. Elle voit dans le futur, elle sait déjà qu'elle est dans un investisseur qui va y avoir. Ah bah oui, oui, elle voit dans le futur, c'est sûr. Un centre commercial, il y a tout déjà. T'as raison, elle voit dans le futur. D'ailleurs, elle est l'école du mysticisme, si tu veux. Tu vois, elle a pas de mystère. Oh putain, alors que, tu vois, elle aurait ouvert un musée, alors pas à la cité impériale, mais peut-être dans un truc, peut-être un hub un peu plus alentour, peut-être, alors pas à Morrowind parce que ça se vendrait pas, tu vois, mais peut-être, ou même si, à Long-Sanglot, hein, à Long-Sanglot, son musée il marche, tu vois, là où il y a Almalexia. Mais bon, ou des trucs comme ça, tu vois, je suis sûr que ça se fait, mais enfin bon, mais chez les Argoniens ça me paraît foireux, quoi, ils vont te payer quoi, en mouche? Enfin bon. Pourquoi se concentrer exclusivement sur les antiquités argoniennes? Ma sœur Famia s'est piquée d'histoires argoniennes lorsqu'elle était à l'université. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, ces histoires m'ont intriguée, et je me suis à mon tour intéressée au sujet. J'ai hâte de la rejoindre à Tourbevase. Eh ben ma belle, j'espère que tes vaccins anti-tétaniques sont à jour, parce que sans déconner. Vous avez parlé d'une expédition à Tourbevase. Dès que nous aurons récupéré les dernières antiquités argoniennes de ma liste, nous organiserons une expédition vers cette région du Marais Noir. Ma sœur est partie devant pour installer un camp de base et entamer le contact avec les indigènes. Ah, vous allez vraiment leur rendre les objets, en fait? Nous comptons restituer la plupart des objets à leurs légitimes propriétaires. Nous avons choisi Tourbevase, car nos recherches indiquent que c'est le point d'origine de la plupart de nos objets. Il faudra sans doute d'autres expéditions pour retrouver leurs propriétaires respectifs. Bon, je vais être sincère, hein. Je trouve ça complètement con, mais c'est tellement pur... Moi j'aime bien. Ouais. T'as pas envie de dire non, t'as envie d'aider quand même. Au cas où. Non mais au cas où. Tu vois, moi j'annonce, je sens que tout le monde va mourir. Mais si ça marche, je serais content d'avoir aidé, tu vois. Non, non, l'idée est pas. Par contre, elle fait la gueule quand même. Hein. Non, elle a une voix sympa, mais elle fait la gueule. Elle a un peu, j'avoue, elle a un peu une resting bitch face. Hein. C'est pas pour ça. Mais en tout cas, la tenue lui va très bien. Je trouve ça très joli. C'est pour ça. Pourquoi voulez-vous que nous infiltrions le refuge des hors-la-loi? Je suis peut-être novice en matière de commerce d'antiquités argoniennes, mais Margus et ses sbires me connaissent très bien. Ils me renverraient chez moi ou me planteraient une dague entre les côtes avant que la porte ne soit fermée. Évidemment. J'ai besoin d'une personne sans affiliation aux conservateurs cyrodiliaques. Enfin, elle est optimiste, hein. Je pense qu'il la réduira en esclavage. Hein. C'est pour ça, mais enfin bon. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire en nous attendant? J'ai d'autres agents à superviser et coordonner. Margus nous a déjà raflé quelques antiquités sous le nez. Je dois m'assurer que cela ne se reproduise pas. J'ai aussi d'autres pistes à suivre de mon côté. Nous nous retrouverons ici. Bon bah, elle est mignonne, Concordia. Et sa sœur qui s'appelait Taria, quelque chose. J'ai pas suivi. Ah bon. C'était pas un truc genre Foma? Ah, Faria, peut-être. Non. Bon, c'est pas grave. On a rien écouté, mais on sait maintenant. Désastre, t'appelles comment la sœur? Je ne sais plus. En tout cas, elle était bonne. Il a encore un tibia qui dépasse, tu sais, en train de manger. C'est ça, c'est ça. Alors attends, du coup, où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve dans... Tu appuies sur... Attends, quel... C'est quoi le raccourci? Non, c'est F3. C'est J, c'est J, ouais, ok. Quoi, F3? Et du coup, l'examen... Ah mais d'accord. Ah bien joué, ouais. Bon, bah, F3, on ouvre une caisse. Allez, désastre, est-ce qu'il te reste des caisses? Ouais, j'ai des caisses au Roboros. Ah, moi j'ai 17 caisses à l'Ojack, je veux bien t'en offrir aussi. Oh là là, à la prochaine. Non, attends, j'offre. Et les grands mires, c'est plus aztèque le style, je viens de regarder. Ah putain, j'ai plus que 800 couronnes. Ah, c'est la pauvreté. Ah, tu peux pas lui offrir des... Si, je suis sûr que ça se fait. Où est-ce qu'on achète les caisses? Ouais, je pense que ça sera pas assez avec 800 couronnes. J'ai des caisses. Au revoir, mon ami. Caisse à couronne. 400, je peux lui en offrir 2. Non, mais je vais lui en offrir un pack de 4. Ah, c'est honnête. C'est propre. Alors. C'est quoi, j'en offre une quand même, comme ça j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. En cadeau. Désastre. Désastre, il y a D-E-S-A-S-T-R-E, il y a pas d'accent. Désastre. C'est fait, je t'en ai envoyé une. Merci beaucoup. La bromance, la bromance, la bromance. Après tout, il faut savoir que nous sommes sponsorés. Par contre, la seule condition, c'est que t'aies des trucs maximum aussi bien que moi. Pas mieux. Oui, Max, oui, d'accord, faut pas que j'ai mieux quoi. T'as le droit à 2 parchemins d'XP, pas plus. Ah putain, mais si on va au Marais Noir. Merci beaucoup, Rama. Si on va au Marais Noir, toute ma tenue elle est pas. Ah oui, il va falloir faire un point. Ah non, 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 il va pas falloir, sinon on n'y arrivera pas. Disons que c'est une souquette. et on va la faire, sinon on va pas s'en sortir, d'accord? Voilà. Non, sinon on n'a pas fini, c'est pour ça. Donc les caisses, moi j'ai... F3 aujourd'hui. Allez, vas-y. Je suis sûr. On ouvre. Vas-y, on y va. Allez, on ouvre. 1, 2, 3, vas-y. Allez, chaton. Sauce-moi. Sauce-moi, chaton. Oh, il n'y a qu'une bleue. Oh là là, il me sauce. Alors, de la merde, Oh, chasseur de trésors, mais je l'avais déjà. Quel dommage. Oh oui. Oh oui. Qu'est-ce que t'as eu? J'ai eu le crâne flamme d'Allojack décoratif. Je suis en feu. Merci beaucoup Spoking pour les caisses, merci beaucoup. Oh quel régal. Ah là mais du coup tu vas avoir plus de caisses que nous. Bon, j'en ai 17 hein, donc tu peux y aller. C'est un peu nul celle-là. Allez vas-y on sort sauce une. Allez c'est parti. De la merde. Oh. J'ai eu un tatouage. J'ai eu un tatouage utérien mais pour le front. Donc c'est pas top. Ah j'ai eu la citrouille à creuser moi, l'imote. Oh stylé. Ah, ouais je l'avais pas. Et toi du coup Krayn? Nul. Ah bah une troisième. Allez une troisième. On va en ouvrir plein, faisons-nous plaisir. Pas de raison. Ah il y a une violette. Oh là là. Oh un soutien-gorge. Ah non bah tant pis. Tu mets pas un parchemin d'expérience. Attention, attention. Parchemin. Oh, vipère des récifs à cornes. Et moi j'ai gagné un laquais d'araignée d'eau dorée, c'est-à-dire un larbin araignée. Je la prends. Familier pacifique. Larbin araignée? Oui, bah une petite araignée quoi. Ah, oui d'accord. Ah, c'est cool ça. Ouais, j'ai une micro spider. Alors je sais qu'il y a des arachnophobes, mais moi j'adore. Ouais. Ah, la 5ème carte. C'est ça, Ouh. Je l'avais pas lancé parce que j'avais plus d'espace dans mon inventaire. Oh le sac. Vas-y, dis-nous. La légendaire. Ah, l'imote où on explose la citrouille avec une masse. Lol. D'accord, vive la légendaire. Une dernière. Allez, une dernière. Encore ouais, attends, j'arrive. Attends, je suis pas là. Hop, retour. Moi j'ouvre la caisse à Ouroboros parce que j'en ai une. Y a pas de raison. Allez, voilà pareil. Allez. Ouais. Allez. Il me reste plein d'Allojack mais... Oh y'a rien. Alors moi j'ai rien. Oh j'ai rien. Oh sublime. De la merde. Pareil. Excellent. Formidable. Super. Oh, ça fera des cristaux. Allez j'en ouvre une dernière dans votre dos. Allojack. Oh là là mais comment tu oses. J'en ai 14 encore. Ça sauce. Attends. Jongler avec des citrouilles, je l'ai déjà. Vigueur de monture, c'est bien. Oh, et j'ai déjà tout. Je suis dégoûté. Vous pourrez échanger les gemmes. J'en ai ouvert une aussi, du coup. Oh, il y a une dorée. Oh là là. 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 Attention. Mec, s'énerve pour rien. Motif artisanal à couronne l'ombre ébène. Ah, pas mal. Entier en plus. C'est tout le. Ouais, tout. Oh, cool. Cool. Moi, je prends. Je prends. Comment on donne du candy? J'avais une émote. C'est pas mal ça. J'avais une émote pour donner du bonbon parce que là il y a un mec qui en demande. Ah je sais plus comment. Attends je vais regarder. Donc j'ai la garde d'abat et ombre ébène. Il faudra que j'utilise. Ah c'est bien ça. Pas mal les motifs. Alors hop. Slash trop treats, ouais ok. Normalement on est bon. C'est bon je suis content. Bon, y a pas des... Merde. Y a pas des gens qui disent « Ouah, je suis trop jaloux tout ça, donc ça doit pas être fabuleux. » Putain, j'y arrive pas. Voilà, enfin... Non mais, Bon. Utiliser. Bah, en Breben, je crois... Enfin tiens, voilà. Prends tes bonbons. Voilà, casse-moi pas les couilles. Ramasse-les. Voilà. Nique bien. Voilà. Tout ce qu'il y a à l'intérieur du chapeau, voilà. Prends tes bonbons et tire-toi. Donc du coup... J'ai mis 4 ans à les sortir les bonbons mais ils ont pas voulu. Excellent. Je sors la vendeuse si jamais vous voulez vendre 2-3 trucs et faire de la place. Moi je l'ai fait avant le live, j'ai été professionnel. Non non, ça, je sais pas. Le mec il y croit pas une seconde. Arc de level 20. Putain mais c'est ouf. Ouais, merci beaucoup pour Pourama encore une fois, tu me régales, merci. On s'en fout, moi je vais tout vendre, ça y est je décide. Aller au refuge du Orlalo, au guet de Vulcaine, mais on doit aller au guet de Vulcaine, si loin que ça. Non mais c'est une des trois, donc on peut aller à celle qui est juste à côté. Ouais, je me disais aussi, ça me paraissait absurde. Ouais. Les receleurs là, juste à côté. Bah écoute, j'y vais. quelque chose qui vient d'être. Il n'y a plus rien à vendre. Et là, on a ça à vendre. Ça à vendre. Bah voilà, 103 sur 152. Je suis bien. C'est large. Alors, c'est où? Vous me dites que c'est juste à côté. Ouais, c'est un peu en contrebas. Refuge de hors-la-loi de Filante, tout à fait. Allez, au refuge de hors-la-loi. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Si on saute derrière l'endroit où on était, c'est une mauvaise idée. Oui, ouais, ça pique. Ouais, ça pique. Plie les genoux, plie les genoux. Ah, c'est ça. Je suis pas du tout allé au bon endroit. Tu vas traverser vers l'eau, je pense. Effectivement, ici, on peut demander des informations de la part de Miss Monde. Le but, c'est de nager ici. Alors, on va voir si ça passe. Ah bah tiens, t'es à côté, donc oui, ça doit être bon. De quoi j'ai foiré? Non, j'ai rien foiré, c'est bon. C'est sympathique ici. Sympatoche, sympatoche. Du coup, je vous attends. Moi, je suis dans le repère des hors-la-loi. C'est quoi, sur un bateau? Je suis un grand mage. C'est parce que c'est juste à côté du port. Grand mage. Je lance des sorts pour les nobles et les rois. Alors bon, il peut y avoir une erreur ici ou là. Tu vas parce que le truc m'a dit que pas du tout là-bas. N'avait pas besoin de ses sourcils après tout. Vous vouliez pas. Alors pourquoi? Moi ça m'indique pas là. Ça t'indique où? Peut-être c'est par rapport à ta faction. Ouais, il y a des chances que ce soit moi, faut que j'aille dans ma faction. Non non, mais tu peux le prendre dans n'importe lequel. D'accord. Parce que ton marqueur de quête, si par exemple t'es jaune, ça t'amène chez les jaunes. D'accord. Ouais, ça doit être ça, je pense. Ah. Alors pour les gens qui parlent sur le chat, je sais bien qu'ils coûtent pas cher sur G2A, mais G2A c'est un peu le démon, donc on va éviter d'encourager G2A. Bon, pour les jeux online c'est particulier, mais en général je préfère que les gens ils craquent leur jeu plutôt qu'ils achètent chez G2A. Et beaucoup de développeurs préfèrent que les gens craquent leur jeu que d'acheter chez G2A. C'est vrai, hein, c'est vrai. Impeccable. Bon, du coup voilà Ishundir, on lui parle. Allez, 3, 2, 1, kick. Mille salutations, voyageurs. Nous recevons peu de visites de courtoisie. Vous voilà dans un nid de vipères. Mais ne craignez rien, et Ishundir prendra soin de vous. Approchez et faisons affaire. Vous êtes Ishundir le contrebandier? J'ai une question à vous poser. Entre rouge-garde? Je préfère marchand que contrebandier. Oh. Mais comme vous voulez, je transporte des antiquités rares et précieuses sans poser de questions. Et on me considère comme le principal expert en reliques argoniennes hors du Marais Noir. Mais que puis-je pour vous? Que pouvez-vous me dire sur un certain Margus Darius? Ah, je connais bien Margus. Nous travaillons tous les deux dans les antiquités. D'ailleurs, il m'a contacté récemment. En tant que consultant, vous comprenez. Alors, je sais ce qu'il fait en ce moment. Je serais ravi de vous en faire part en échange d'un simple service. Je propose de lui casser la gueule. Exactement. Je n'ai pas de temps à perdre. Parlez-moi de Margus ou je vous forcerai à me répondre. Oh, quelle agressivité! La violence est inutile, mon ami. J'ai dit que j'allais m'occuper de vous, et vous pouvez compter sur moi. Margus s'est associé à une bande de hors-la-loi. Il réside dans une caverne, comme un goire enragé. Parlez-moi de cette caverne. La caverne s'appelle le Creux Sans Soleil, et elle n'est pas très loin d'ici. J'ai un dernier secret à vous confier, voyageurs. Alors, écoutez-moi bien. Margus et ses associés sont dangereux. Je vous conseille la prudence. Et voilà qui conclut notre transaction. Au revoir. Une bonne transaction, des infos contre la promesse de pas le frapper dans la bouche. Pas mal. On est bien, on est bien. On aurait presque dû alterner, ça aurait dû moi qui aurais dû parler à l'autre et toi qui parles à lui. Écoute, est-ce que tu veux que je fasse les intimidations pour la suite? Et est-ce que tu veux faire les persuasions? C'est convaincant. Je t'invite à parler à Effregar pendant une seconde, tu vois, elle est marrante. Elle est juste là. Ici. Allez, cause-lui, cause-lui, je lui ai causé, elle sert à rien. Mais... Elle a la classe. bien le bonjour. Ah, elle a pas dit imbécilité de pacte vert. Oh là là, stylé. Oh. Mais en fait, là on est... Il y a d'autres choses à faire, il y a plein de quêtes, je vois ici. Oui, il faut parler en fait... alors ça, ouais, parce que tu fais partie de la guilde des voleurs, mais il faut parler aux associés. Donc ça, c'est Grita, c'est une Bretonne. Mais là, c'est un truc de la guilde des voleurs ici. Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est un repère des hors-la-loi en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Donc du coup, Grita, 3, 2, 1, clic. Si ce sont des renseignements que vous cherchez, vous êtes au bon endroit. Ah, je suis la négociante la mieux renseignée du refuge. Mais si vous travaillez pour la garde, je ne sais pas de quoi nous parlons. Appel suspect ça, madame. Hein. Enfin bon. Désastre. Ah, ok. Je cherche des informations sur Margus Darius. Eh bien, les informations, c'est mon affaire. Et je connais mon affaire. Ce qui me rappelle que je ne donne jamais rien gratuitement. Surtout pas des informations. Oh! Rendez-moi service, puis je vous dirai ce que je sais sur Margus Darius. De quel genre de service parlez-vous? Le meilleur genre. Celui qui bénéficie à vous autant qu'à moi. Yes! Permettez-moi de marquer une maison sur votre carte. Vous trouverez à l'intérieur une caisse qui contient une veste élégante. Je suis assez coquette et je veux cette veste. Rapportez-la moi et je vous parlerai de Margus. Ah, c'est pas du sexe. Oh. Oh. Bon, bah tant pis. Eh ben, on ira lui choper son truc. Mais en attendant, il faut qu'on parle à quelqu'un d'autre ici. Oui. Une troisième personne, je sais pas où se trouve. Là, elle est à l'étage. Vous aussi, elle avait toujours l'icône comme quoi. Ouais, alors en fait, c'est assez... Je sais pas si c'est drôle, mais la quête est un petit peu buggée. Ah bah, elle est buggée à ce point, donc c'est pas grave, on se démerdera. Mais là, il y a Ursashi, qui, comme par hasard, est un Khajiit. Ok, 3, 2, 1, kick. Le marché noir est fermé. J'ai des inventaires à cataloguer, et mon assistant n'est toujours pas revenu. Je l'ai envoyé récupérer un paquet, et il n'est jamais revenu. Allez déranger quelqu'un d'autre, de grâce. De grâce, non, chaton. Range tes croquettes. Est-ce que le marché noir vend des antiquités argoniennes? Vous ne comprenez pas les sous-entendus, vous, hein? Pour répondre à votre question, ce marché achète et vend certains objets historiques. Nous possédons une liste fournie de collectionneurs fortunés et sommes toujours à la recherche de reliques spécifiques. Pourquoi cette question? Je cherche un collectionneur appelé Margus Darius. Vous voulez que je vous parle de Margus? Intéressant. Très bien. Rendez-moi service et je vous dirai ce que vous voulez savoir. Retrouvez mon assistant et ramenez-le-moi. Ou au moins, dites-moi si je dois en engager un autre. C'est difficile de trouver du bon personnel. Mmh, tu te crois malin pour un félin, hein? Très bien, il est où ton assistant? J'ai envoyé Argar dans de vieilles ruines. Il devait rendre réception d'un paquet auprès des voleurs avec qui nous faisons affaire, pour me le livrer. Je vais indiquer leur emplacement sur votre carte. Allez voir ce qui lui est arrivé. Je vous parlerai de Margus Darius à votre retour. Bon. Au revoir. On voit très bien. Ça fait deux choses. Est-ce qu'il y en a un troisième ou pas? Non. Alors, acquérir une veste élégante. Mais attendez, assembler des renseignements sur Margus Darius. Mais on s'en branle, il nous a donné la... Eh oui, c'est ce que je vous disais juste avant. En fait, là, c'est la première fois qu'on fait la quête, on se tire les cheveux. Mais faut juste sortir en fait et on aura... On en saura un peu plus. Mais surtout, on s'en branle parce que on sait qu'il est dans une caverne. Eh oui, mais on sait pas où. Ah bah oui. Mais il nous a donné le nom. La caverne qui voit pas le soleil. Ou un truc comme ça. Non? Eh oui, mais on ne sait pas où elle est. Mais il nous a pas donné ce détail. Mais il faut lui casser la gueule. Il sait, je suis sûr. Faut chercher une caverne où on voit pas le soleil. Quoique, une caverne dans laquelle on voit pas le soleil, dans The Elder Scrolls, c'est rare. Ouais, il y a toujours un petit... Ouais, il y a toujours un ray de lumière, tu vois. C'est pas... C'est pour ça, c'est pour ça. Du coup. Bon. Tout va bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors moi, ça me dit encore de prendre le bateau pour aller à l'autre bout du monde. Ça me dit que Malware's Beat anti-malware est prêt à mettre à jour. Très bien, très bien. Bon, désastre, quoi que toi qui as déjà fait la quête. Alors, attends. Une heure de live, on a visité des baraques, on a tourné en rond, on a dit de la merde, on a parlé à tout le monde. Enfin, on avance, allons-y. Faut qu'on aille ici, là. Si vous ouvrez votre map, je vais vous montrer. Ok, je la vois. Ah, le ping! Bien joué et bien vu. Voilà, ici. Oh. Très bien vu. Très bien, et bien allons-y. Je le vois quand tu dézoomes, mais pas, je l'ai plus. Pas grave, je vais te si, si, moi j'ai vu la maison, j'ai reconnu. Celle qui est légèrement penchée là, entre les trois. Hop. Donc là, on va chercher quoi? Le costume ou l'assistant? Le costume. Probablement le costard, l'assistant il doit être dans une caverne ou paumé quelque part. Exactement. Ok, si j'ai suivi les indications correctement, c'est là. Ah bah d'accord, temps de chargement. Ah, ah c'est bon, c'était un start. Ah non mais pendant une seconde en fait, il y avait plus de texture en fait. Cette maison là, désastre? Ah oui, oui, oui. Et du coup, okay, faut la déverrouiller? Tout à fait. Oh, j'ai pas de crochet. Ah, t'es sérieux? Attends, non, bouge pas. T'es où? T'es où? Et interagir, inviter au duel, échange. Très bien. Alors, où est-ce qu'on les trouve les crochets déjà? Là, c'est bon, attends. C'est pareil, pile. Ok. Voilà, démerde-toi avec ça. Merci. Très bien. Du coup. Bon, il y a des gens dedans, mais ça c'était avant. Ah. Bon, tu me diras. On n'aura plus de problème. Ah. Très bien. Donc il y a des paniers, il y a des paniers de pommes, des vaisseliers, carottes. Elle est où la veste? À l'étage. Tu montes les escaliers, c'est juste en face. Caisse. Voilà, on a. On peut piller d'autres trucs. Oh putain, il y a Bertrand. Ah merde. Il y a quoi? Il y a un mec qui s'appelle Bertrand là. Ça arrive à plein de gens. Non, non, mais j'essaie d'être discret parce que je veux voler. Je suis en train de piller son. Je suis en train de piller son merdier en fait, c'est pour ça. Oh attends, un baudrier en soie d'araignée. Ah non, seulement 19 $. Ah mais il m'a vu. Bon, il m'a vu, mais il a pas le. En fait, il a l'air de s'en branler les couilles. Très bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Vas-y, pipi chez lui, y'a aucun problème. Non mais mec, il y a 800 000 personnes chez lui, sans contre-fou. Très bien. Et est-ce qu'on peut faire une pierre de coups et aller chercher le larbin de l'autre? Ah bah oui, ça serait bien. Désastre. Alors attendez. Et du coup, comment t'as fait pour le trouver la première fois vu que c'est pas indiqué? J'ai fait J et M montré sur la carte. Mmh. Et là, je fais pareil, je mets un ping, je dézoome et c'est très malin, très malin. J. Là, il faut aller tout au nord de la map. Moi, ça me met encore sur le map de... Ok, ouais. Est-ce que c'est là... Attends, comment tu mets un ping? Est-ce que c'est là? C'est ça? Alors attends. Voyons. Ah non mais non, attends, je suis pas dans la... Si. Non, je suis pas dans la bonne du tout. Là, moi, ça... Ah non mais moi ça me met à... Ça me met à... au guet du quel, moi. Ouais, c'est ça en fait. Mais ah, ça me met pas là où des as voudraient qu'on aille. Alors attends, ouais. Est-ce qu'on est toujours à Daggerfall ou est-ce que je suis toujours sur le pays à Daggerfall? Ok. Par rapport au gros arbre au nord, ça se trouve où? Ça se trouve tout au nord-nord, c'est au-dessus du symbole de cercueil du vampire. Voici celui-là. Je l'ai pas moi. Ici là. Tout en... Putain, je vois pas. Hein. Oui. Prends la carte de Glennon. Ah, attends, si, je vois. Croissant, c'est vers là. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est très loin. Ouais. Ok, effectivement. Bon bah, on prend la route et on roule ou Ouais. Ben, j'ai pas de TP perso. On peut prendre l'oratoire, moi je l'ai. Ah, tu l'as? Ah, moi j'aurais dit on fait la route. Prendre la route, j'aime bien aussi. Ok, je vous suis. Tu es où? C'est déjà TP? Non. Bon, par contre, si on est à Daggerfall, il faut qu'on ait le style de Daggerfall. Et pour ça, fort heureusement, c'est très facile. Désastre a déjà une armure bretonne. Parfait. Il suffit d'avoir un matos breton ou même rouge garde, c'est valide. Voilà, donc tu peux y aller. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. Alors attends, déguisement. Moi, j'ai ce qu'il faut. J'ai un truc qui s'appelle soit le chevalier de la garde du lion, ce qui fait entièrement l'affaire. Alors. Apparence. Excusez-moi. Chasseur, chevalier de la garde du lion, ah oui. Ou chasseur de trésor qui fait parfaitement l'affaire aussi. Chasseur de trésor, ouais. Encore une fois, t'as pas vraiment à... Tu veux lequel? Tu veux chasseur de trésors ou chevalier de la garde du lion? Moi j'ai pris costume de noble, parce que c'est un costume. Moi je suis un chevalier de la garde, il me semble. Bah, le costume de mariage ça passe du coup, non? Ça bien. Oh, noir. Un peu trop noir, ouais, j'avoue. Très spécifique aussi. Hein. Bah, je peux mettre le noble aussi, on l'a pas de la même couleur au pire. Ouais, c'est pas mal ça. Bah, mets le costume de l'autre et je vais mettre le chevalier de la garde du lion ou chasseur de trésors, on s'en fout. En plus, mon garde du lion, il a une couleur citrouille dégueulasse. Qu'est-ce qu'on va mettre comme monture avec ça? Bah, un cheval, hein, je pense. Ouais, ouais, il faut rester vanilla. Hein. Cheval classique. Un cheval classique. Un cheval alaisan, tu vois. Ouais. Merci de te faire en couleur cette semaine. Je regarde. On a un cheval de, un cheval impérial. Je vais voir quoi ressemble le cheval impérial. Celui que j'ai. Ah oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un cheval pas. Mais j'ai plein de chevaux. T'as plein de chevaux. Oui, t'as plein de chevaux. On a tous beaucoup de chevaux. On aime les chevaux. Ouais. Ça ressemble à quoi le palomino? Il ira peut-être plus avec ma tenue. Voilà, on a un marron, un blanc, un noir. Ah voilà. Ouais, parfait. Voilà. Un brun. Parfait. Ben voilà, super. Attendez, je viens juste d'acheter des teintures. Ils sont quand même coiffés bizarre, les chevaux, ils ont tout d'un côté, ça fait hyper chelou. Touc. Voilà, très bien. Ok, bon, je suis bien, j'aime bien ma tenue comme ça. Très bien, et eh bien écoute, allons-y. T'as semblé entendre une maudite crier, elle est en train de jouer à Resident Evil 7. Ah bah en VR ou Non, faut pas exagérer. Moi. Ouais, là ce serait pété. Hein. Mais très bon, très bon. Impeccable. Donc sur la gauche, et ensuite désastre. Oula, en fait tu suis pas la route en fait. Ouais d'accord, ok. On suit la route, ouais, t'as raison, ouais. Ça coupe sec quand même. Est-ce qu'on peut juste... passer vite, désastre. Non, eh oui. C'est très bien. Est-ce qu'on peut juste... passer par les oratoires à chaque fois. Ah oui, ok. Est-ce qu'on peut juste suivre la route? Ouais. Je sais que c'est con, okay. mais c'est là où il y a toujours le meilleur décor, donc... On suit là. Il va passer vite, désastre. Faut aller où? Est-ce que tous les jours, tu mets tes petits bonus de vitesse, désastre? Depuis qu'on joue ensemble, tu devrais avoir la vitesse max déjà. Ah d'ailleurs, j'ai atteint la vitesse 60, moi, ça y est, je suis max. Ah bien. Je suis max et vitesse, j'ai commencé à mettre en emplacement de sac. C'est pour ça que j'ai deux grosses couilles sur mon cheval. Mais en fait, même si tu... Oui, vas-y. Ce perso, quand je suis pas avec vous, je le joue pas, c'est pour ça que je le monte pas. Ah. Enfin, tu peux le log et puis faire... Oui, oui, c'est vrai. Tu le laisses dans une écurie, et voilà. Tout à fait. Je vais le faire. Oratoire. Oratoire, je le vois. Excellent, c'est plutôt cool. Si tu montes à 20, les deux autres trucs, ça change le look de temps. Oui, j'ai eu les grosses sacoches, je pense que je suis à 20 en sacoche. C'est l'endurance que j'ai pas EP. Parti là-bas, mais on le rattrapera de toute façon. Là, il y a un marchand, out of nowhere. Marchand de guilde, ouais, pour le plaisir. Vous voyez des bouquins de la guilde des mages au passage. Hein. Là, il y a un cheval mort, parce que, pour le plaisir. Ah bah, il y en a un là, justement. Où ça, où ça? Là où je suis. Oh, bien vu. Obédience, les Bretons. Oh putain, ça m'intéresse. Ah oui. Oui, en plus c'est... Oh non, en plus c'est du bon lore. Ah, c'est du bon lore. Ah, est-ce qu'on peut le lire celui-là? Ah, tu fais une pause pour les gens de ta VOD. Et ils pourront lire. Ah, bon d'accord. Bon, écoutez. Bam. Zbam. Zbam. Et voilà. Et c'est important. Ça aurait encore un rapport avec la quête qu'on fait. Putain, il y a un fantôme sur le bord de la route. Et... Genre un fantôme, il... Ouais, mais... T'as pas pris la voiture depuis longtemps, toi. Oui, non, mais... Ouais, non, mais... Non, mais il donne des quêtes. D'habitude, ils essaient de te tuer, tu vois. C'est pas pareil. Pourquoi un fantôme serait obligatoirement méchant? Bah parce que s'il était gentil, il va au ciel. Ma logique a l'air plutôt imparable, mon gars. Tu pars du principe que les fantômes... Je pars du principe catholique des... Tel que cela devrait être. Le gars. Le mec, la logique manichéenne en mode Star Wars, tu vois. Eh ben putain. Oh là là. Ne faisant pas partie de l'alliance de Dag Filante, C'est assez stressant de me balader au milieu de leur campement avec leur bannière, mais c'est joli. En plus, il y a des loups-garous, des crocodiles. Il y a un mec qui cavale, il voulait donner des quêtes, il a peur. Putain, ça suit toujours pas la route. Il y a un boss sur la route, on peut le saucer? On peut. Ouais. C'est quoi l'histoire de ces garous-là, d'ailleurs, vu qu'ils restent en forme loup-garou? Est-ce qu'on sait? Les loups-garous qui restent en forme loup-garou? Ouais. Alors il faut savoir que normalement un loup-garou peut rester en forme loup-garou indéfiniment, mais plus il le fait, moins il perd, enfin plus il va perdre de sa sanité. Et ceux qui sont perdus à Hircine, bah ce sont ça. Ils sont perdus à Hircine en fait. Vois ça comme des berserkers. Comme des berserkers, et considère-les comme des chiens qu'il faut abattre parce qu'ils ont la rage. On y va? Allez go. Salazar le loup! Oh merde! Et en effet, j'avais pas mon ulti. Hein. Ah voilà. J'ai attiré son attention, j'aurais pas dû. Putain, ton vétérinaire va avoir du boulot, mon minet. Ah, sur le lieutenant Bran. Allez, un de moins. Victoire! Yes. Parfait. Bah voilà. Facile. On peut repartir comme si de rien n'était. Super. Bah on a... Eh attends, il y a un livre des mages là. Ah, où ça l'épreuve de Boessia. Ah non, moi je l'ai déjà, je l'ai pas. Donc j'ai déjà dû l'avoir. J'ai eu le succès Fléau des loups-garous, ce qui m'embête un petit peu étant le garou. Mais... bah, écoute. Oh là 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 là! Hircine ne m'en voudra pas. De toute façon, j'ai décidé d'être un loup-garou vegan. Ah voilà. Oh là 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 là! Intéressant, il aurait été cool de le lire celui-là. Enfin bon. Du coup. Ah oui, ici c'est une famille maudite par un mec chelou. C'est ça. On se souvient qu'il y a une malédiction en fait qui pèse ici. Et coucou à tous ceux qui nous rejoignent. En tout cas, la contrée de la Glenumbrie, si c'est là, hein, le marais aux Harfreuses. Putain, la contrée de Filante, je me souvenais pas que c'était aussi... Bizarrement, je me dis que c'est l'ambiance de Daggerfall, quand tu te balades hors des villes et tout, tu vois, cette espèce de fumée, enfin pas de fumée, mais de brouillard constant et quoi que ce soit. Mais bizarrement, en 2018, ça rend assez creepy. Ah non, tu vas déjà pas vite. Ouais, mais c'est les mobs, ils m'ont tapé. Je suis tombé aussi. Pourquoi tu peux pas frapper sur lui? Ah merde, moi je me rends compte que je te suis pas depuis tout à l'heure, je suis Zigma en fait. Bon c'est pas grave, ça compte. ça compte. J'ai suivi la mauvaise voiture, ouais, j'ai suivi le mauvais punto. Attends, là il y a un village, putain mais c'est... Oh il y a des zombies! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Des loups-garous, des zombies, Daggerfall et tout? Oh putain mais les Bretons, il faut qu'ils rangent leur chambre. C'est quoi ça? Rangez votre région, putain. Et merci beaucoup, Kaval, pour les 50 mois. Mais il y a eu l'alerte, j'ai pas entendu l'alerte. 50 mois de sub, c'est pas mal. 50 mois. Et bim. Merci. Oh là là, des zombards et tout. Bon, j'imagine si tu règles le problème de l'endroit, ils disparaissent, mais quand même. Je crois pas. Oh bah d'accord. Ah non. Ah toi aussi. D'accord, ok, donc tu règles le problème, mais les zombards, ils disparaissent pas. C'est ça. Personne n'a nettoyé l'endroit. Où va le monde? Oui, non, mais c'est ça, hein. C'est ça, je veux dire, putain. Je veux dire, chez les Nordiques, il y a des drogueurs partout, je suis d'accord. Mais voilà. Même les enfants de 8 ans, ils les défoncent, si tu veux. Bon, c'est pas un problème, quoi. Vous avez découvert le bastion de la garde. Ça fait pas rêver depuis tout à l'heure, la zone, hein. Ouais, moi je voulais voyager pour voyager, tu vois, mais on dirait un endroit d'attaque zombie. Ah putain, si, là, il y a une crypte. Avec des ronces qui sortent du cimetière et tout, mais oh là 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 hein. Les dagues filantés, rangez votre région. J'ai le crâne psychique là qui a commencé à parler. Ah ouais. Oh c'est trop bien. Tu l'as eu comment? Bah quand tu fais la quête pour rentrer dans l'ordre psychique, t'as un crâne qui te parle et qui t'indique des endroits de brèches à refermer. Ah bah je l'ai pas celui-là, faudrait que je fasse. Et en plus c'est très sympa. Ouais, il est marrant. C'est très marrant. Ouais. Des zombies de partout. Voilà, on arrive à l'objectif. Mais on a combien de ces zombards? C'est pas vrai. Toute la région, c'est des zombards. Ouais, ouais, c'est une bonne zone pour farmer l'XP et pour farmer la guilde des guerriers ici. Wow. Ouais, c'est correct. Waouh. On peut rentrer dans le donjon, c'est ça? Ouais. Ah bah du coup on se fera le donjon, on ira chercher le... Ouais voilà. Le boss et le petit point de compétence. Tout à fait. Enfin, les classés. Le fort de Veikavo. Eh ben putain, on y est. Et je suis pas mécontent d'y être hein, parce que... Ah, je voulais découvrir la zone, mais Dag Filante, ça m'a pas fait rêver. Hein. Tu pensais que c'était plus beau que ça? Eh ben, oui. Enfin, c'est beau. C'est juste que c'est envahi par les zombards, quoi. Pas gay, quoi. Non, mais je veux dire, imagine la plus belle villa possible aux USA, en Californie. Genre une villa, le truc 800 mètres carrés, home cinéma intérieur, machin. Maintenant, imagine que c'est infesté par des mouches. Genre il y en a 5. Il y en a 5 par mètre carré. Style Désastre. Ah oui, pardon. Voilà. Forcément. L'habitude. Bon, bah cassons la gueule à tout ce qui existe, trouvons le fragment et tirons-nous. Non madame. Interdit madame, verboten qu'on a dit. Voilà. Par contre, ils ont bien Ah oui, par contre, c'est vraiment le style Daggerfall. Du jeu, j'entends. Ah, c'est... Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est bien foutu. Ah, t'es un loup-garou, vas-y, mange-les tous. Vas-y. Je t'en amène plein. Faut qu'on trouve. Vas-y. Faut que t'avances. Évince-toi, bute-les. Faut que je les mange à chaque fois, on est d'accord hein. Ouais. Et faut que t'attendes bien qu'il ait fini de manger, sinon ça remplit pas à fond. Et c'est quoi qui fait XP? C'est que je les tue ou c'est... Que tu les tues en forme de loup-garou, ça te fait augmenter ton loup-garou. C'est pas que je les mange, donc là, que je dis... que vous les tuez tous, ça me fait 0 XP. Ça me... Moi je dis c'est raciste. Tant que t'as tapé, c'est bon en fait, ça... et qu'il meurt, ça te compte. Okay. On va passer par là. Là il y a des gars, mais tout le monde s'en fout. On sait où est le fragment? Oui. Très bien, je te suis alors. Eh ben il y a beaucoup de loups-garous ici hein. Je peux pas manger, il y en a un autre qui le mange. Là. Bah chacun le sien, partage. Et ça à Murkmire ça sera modifié. Comment ça? Okay, dans quel sens? En fait, si un loup-garou mange un corps, un autre peut pas le manger, et à Murkmire, tout le monde pourra manger sur le même corps. Bon bah il t'apprend le partage. Accompli le fort de Kaivo. Quoi, c'était le boss? Apparemment c'était le boss. Vite, trouvez-moi des ennemis. Mais on l'a démonté. Et là il y a une gonzesse. Ah non, elle est d'accord, c'est un joueur. Il y en a plein ici. L'épée ébréchée d'Argar. Trouver l'assistant d'Ursashi. Ah! Il est pas loin l'assistant. Ah, tu l'as prise l'épée du coup? Ouais, j'ai pris l'épée. Ouais. Il est où l'assistant? Et là, il y a un papier. Ordre des Fureux Écarlates. Veikavo. Sur moi, Krayn. Je lis juste l'ordre. Hein. La pathétique garde de l'Union vient d'abandonner un nouveau fort au pillard. Ça s'appelle le fort de Veikavo et se dresse non loin de Croix-Salan. Vos ordres sont simples. Trouvez le fort et faites-en une base opérationnelle pour les Fureux Écarlates. Blablabla, blablabla, blablabla. Très bien. Bon, en clair, c'est des mecs qui sont venus, ils se sont installés dessus. Je peux pas le prendre. Ah, vite, il me faut des trucs à manger. Y'a plus rien. Là, il y en a en bas, mais... Vite! Ouais, je vais essayer de les... C'est bon? Ouais. Encore l'autre? C'est juste... Et t'as pu prendre l'épée du coup? L'autre? Je sais pas, j'ai plus le truc à faire donc je pense que ça doit être bon. Ouais, ça compte. Mange. C'est chaud là. Il y en a un autre plus loin là. Ah c'est bon, j'ai bien remonté là. Ah bah j'ai pas bien attendu jusqu'à la fin. Oh là là, vite! Là il y en a un autre là! Il faut que je les tape, si je les tape pas ça sert à rien quoi. Ah merde, pardon. Ah, là y'en a un! Mange! On mange. C'est bon? C'est bon, je suis pas mal. Ouais. Je frappe. Non, j'ai raté. Putain. Non, c'est rigolo en fait de farmer dans les donjons avec ça. Ouais, j'avoue, hein, c'est un bon combo. Je pique son bœuf et sa pomme de terre ainsi que sa boisson. Y a pas de respect. Ah, y a quelques zones dans le jeu où tu peux faire ça en boucle et en fait tu montes niveau 10 à une seule transformation. Et là j'ai pas l'impression d'avoir pris un level du tout, je pensais que le level 1 était rapide mais... Nécromancienne de sang grépine, là le fragment. Ouais. Oh, où ça, où ça? J'arrive. Derrière. Ah, j'ai buté, désolé. Oh. Là les yeux... Là on se sauce hein. Ah, là on s'est bien saucé là. Et je gagnais un point de compétence. Yay. Ok. On veut des ennemis. Oh non, ils sont. Ok, j'aggro. Ouais, j'ai aggro. C'est bien, je vais essayer de frapper tout le monde. Voilà. Mange. Fais-toi plaisir. Là, il y en a... Là, il y en a pour tout le monde, là. C'est bon, je suis de nouveau full. J'aimerais bien juste passer level 1, ça vous dérange pas. C'est pas trop long. Là y'en a un. Bah ouais, vas-y. Level 1 loup-garou, ça me le dit, hein, j'ai pas besoin d'attendre. Ça va bien me dire à un moment, vous êtes passé level 1 loup-garou. Regarde, PFK et monde loup-garou. Alors c'est dans quoi? C'est dans... K, monde. Monde. Cantropie. Loup-garou. Ouais, je suis... Ah, ça me dit level 1. Ouais, mais on manque de mobs, là. Et là j'en ramène ça un peu, mais... genre à 75 ou 80%, un truc comme ça. Par contre, ah, donc t'es bientôt niveau 3 du coup. Mais j'ai pas eu de nouveau skill, j'ai l'impression. Ou alors j'ai rêvé. En fait, faut les acheter, faut dépenser un point de skill. Ouais. Une chose que j'ai pas fait. Ça où ça ressort. Alors moi, ça me dit de ressortir à la Glenumbrie avec ce. Ouais, mais du coup, maintenant, il faut rendre tout ce qu'on a trouvé non, bah, dans le. Ah, attends, donc si j'ai bien compris, l'épée qu'on a récupérée, c'était l'arban de l'autre qui est mort. Voilà. Et la veste qu'on a volée, bah, c'était la veste que l'autre salope. Très bien. Voilà. Très bien. Mais oui, ça a l'air mignon le combo, c'est cool. Bah, coupe les sons, hein, Chris Badwolf, hein, sur les. Je sais que si tu regardes le multi-twitch, je peux pas mettre les sons actifs. Mais... Ah, le mec, il se prend pour Mozart, ça y est. Alors attends, faut que je vérifie que j'ai bien eu l'épée. C'est l'épée ébréchée d'Argar, c'est ça? Ouais. De toute façon, si je l'ai récupérée, tout le monde l'a eu. Et alors, laisse-moi. Ah oui, je peux prendre le bon. Quel bon? Bah, déverrouiller. Bah, j'ai déverrouillé le bon. Ah, et je peux améliorer la transformation en loup-garou. Oh. Alors, il y a deux possibilités. Il y en a une invoque également deux loups sanguinaires qui combattent à mes côtés, et l'autre augmente des dégâts de saignement de vos attaques légères. Oh. Alors, j'y connais rien en loup-garou. Les deux ont le même timer. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux pour une situation que l'autre? Genre, il y en a un PVP, un PVE? Pas spécialement, mais là, tu peux prendre celui que tu as envie. En fait, souvent, le mieux, c'est d'augmenter les saignements des attaques légères, parce que c'est ce que tu fais le plus souvent en loup-garou. Ouais. Après, bon, si t'as envie d'avoir deux petits loups qui te suivent, tu peux, enfin, ça va pas changer le monde. On me dit dans le chat qu'il y a un skill de loup-garou qui prolonge la transformation par loup-garou transformé dans le groupe. Ça, c'est cool, ça. Ouais, c'est un passif. Le pack. C'est ça, en fait, plus t'as de loup-garou et moins ça met de temps, moins la barre met de temps à se réduire. C'est stylé. Ah, par contre, je suis pas parti, je sais pas où vous êtes. Ah, mais vous avez pris le TP. Moi j'ai pris le TP, donc tu peux te TP sur moi, là. Soit TP sur moi, soit prendre l'oracle qui est juste en face. Enfin, l'oratoire, pardon. Décidément, le mot oratoire... Des conseils sur le chat sur l'évolution, s'il y a des gens qui ont vu des... Décidément. C'est sympa, les loups. En plus, les loups, ils reviennent tant que t'es en loup-garou, j'ai l'impression. Et est-ce que si les loups tuent et que t'as pas tapé, est-ce que ça considère comme un kill de loup-garou? Oui, parce que c'est ton pet, je suis sûr. Ouais. C'est toi, ouais. On lâche plus la morsure, moi c'est quelqu'un qui m'a mordu, je sais plus qui c'était. Ouais, c'est le mieux de se faire mordre par des vrais joueurs parce que la morsure, naturellement, il faut arriver à un certain moment, et il faut qu'il y ait des PNJ particuliers. Personnellement, je les ai jamais vus encore. Merci beaucoup, Zosilda. Moi je croyais que c'était un truc que t'achetais genre sur le store. De kebab. Non. Bah, je crois qu'il s'achète, mais... ouais. Il est dans le store, mais tu peux l'avoir gratuitement via des joueurs en fait. Personnellement, moi, vampire, loup-garou, j'aimerais bien en abstenir. Le vampire, je l'avais fait naturellement sans me faire mordre. Ah ouais. Parce que au début du jeu, il n'y en avait pas, quoi. Donc, t'avais de la chance, parce que, ouais, au début, non, en fait... pas eu de la chance, j'avais farmé comme un ouf. Ah voilà, t'avais farmé le... quand il... Oui. Parce que c'était à certains moments, il fallait se faire attaquer par les PNJ, et il y en a qui les butaient avant, juste pour vendre les morsures. Ah non, il y avait quasiment personne qui avait une morsure, à l'époque. Ils n'étaient pas encore dans la spéculation. Eh ben, c'est triste quand même, on en arrive même sur un MMO. Ils empêchent les joueurs de réussir leur quête juste pour pouvoir vendre derrière, quoi. Sérieux, moi je suis GM, je banne ça, hein. Je suis désolé. Mais... c'est de votre faute pour vouloir être une bande de dégénérés, suceurs de sang et furie en premier lieu. Du coup, le mec sans pitié, ça vous apprendra, tiens. On parle à Greta ? Allez. Allez, parlons à Greta. 3, 2, 1, clic. Un petit oiseau m'avait prévenu que vous approchiez et que vous aviez quelque chose qui nous ferait très plaisir à tous les deux. Mon petit oiseau ? C'est vrai. Vous avez trouvé ma veste ? Non, parce que mon petit oiseau pourrait nous faire très plaisir à tous les... Enfin bon. C'est à qui soit Désastre ou Bob ? Je sais plus. Aucune idée, mais Désastre pour le fun. Non, ça doit être Désastre. Ouais. Voici la veste élégante que vous... Parfait. Saviez-vous que cette veste appartient à un associé de Margus Darius ? Il doit y avoir un message dans la poche. Ah, le voici. Et cela confirme l'information que je comptais vous transmettre. Margus travaille avec un groupe appelé les Manteaux Noirs. Ils sont les Manteaux Noirs? Tout simplement le groupe de hors-la-loi le plus dangereux jamais sorti du Marais Noir. Ce groupe aurait été fondé il y a des années dans la prison de Rose Noire. Je ne sais pas pourquoi Margus et les Manteaux Noirs travaillent ensemble, mais cela n'augure rien de bon. Alors, moi ça me fait marrer parce que tout simplement le groupe de hors-la-loi le plus dangereux jamais sorti du Marais Noir. Les Argoniens, donc. Ça me paraît... dire que... ouais, sans offense, hein, mais bon... Eh ben écoute, au revoir. Du coup, est-ce qu'il faut qu'on aille parler à... au petit chat. Miss Monde, à chaton. Ouais. Hop là. Oh, pardon, je vais parler trop tôt. Ok, 3, 2, 1, kick. Votre quête a été couronnée de succès. Avez-vous trouvé mon assistant Argar? Calme tes moutons, chaton. Nous avons trouvé cette épée ébréchée près du cadavre de votre assistant. Je le déplore, mais c'est bel et bien l'épée d'Argar. Voilà les risques quand on traite avec des éléments criminels. Enfin, pas la peine de s'apitoyer. Vous m'avez fourni un certain service. Rappelez-moi donc ce que vous vouliez savoir. Tout ce que vous pourrez nous dire sur Margus Darius. J'ai entendu des rumeurs. Margus Darius cherche des reliques argoniennes puissantes, venues de l'époque de la grande civilisation argonienne, si j'ai bien compris. Margus possède un entrepôt caché pour ses reliques, mais je ne sais rien de plus. Ils arrêtent pas de dire ça, civilisation et argonien dans la même phrase. Moi j'y arrive pas. Ça te choque. Ah, j'y arrive pas. Salut M. J'y arrive pas, j'y arrive pas. C'est l'inverse du pléonasme. N'empêche, ça sonne bien, mais calme tes moutons, ça veut rien dire. Ah bah, c'était pour rimer avec chaton. Bah oui, j'ai vu ça. Mais tu sors ça, c'est classe, on entend dire, c'est classe. Mais en vrai, ça veut rien dire. Oui, mais c'est classe parce que je l'ai fait avec cette voix. Mais sinon, effectivement, voilà, t'as entièrement raison. Calme tes moutons, chaton. Non, mais voilà, quoi. Ah, putain. Cette technique de l'arnaque professionnelle qui sonne bien. La meilleure réplique que j'avais jamais entendue reste quand même dans, je sais pas, la véritable histoire du petit chaperon rouge avec le chien enquêteur qui regarde l'ours et qui fait du calme sac à miel. Genre ça, et ça de manière dismissive, et ça j'avais éclaté de rire, je me dis putain c'est gratuit ça. J'avais envie de la traiter de lapeuse de lait, mais je voulais pas paraître agressif. La diplomatie par Bob Lennon. Il suffit de froncer les sourcils. Après, il y a différents fronçages de sourcils selon la personne à qui tu t'adresses. Impeccable. Du coup... Allez, faut retourner à l'oratoire. Ouais, juste à l'oratoire, oui. Non. Le luxe. Petite téléportation. Non, mais c'est juste à couper, quoi. Écoute, hein. C'est comme appeler un Uber pour faire ses courses, t'es là... Oh. Vous pourriez m'emmener à la poste. Truc il a 50 mètres. Genre la distance chez moi, pharmacie, à l'époque où t'étais venu chez moi, Krayn. Le truc genre c'est la rue à côté, quoi. Excusez-moi. En tout cas, c'est confort, hein, je dois avouer. Ok, très bien. 3, 2, 1, clic. Oh, chouette, vous revoilà. Moi-même, je rentre tout juste de mes recherches. J'ai suivi une piste, mais elle a disparu. C'est très décevant. Alors dites-moi ce qui s'est passé dans ce refuge des hors-la-loi. Avez-vous pu apprendre quelque chose sur Margus Darius? Margus Darius travaille avec des gros bras du Marais Noir appelés les Manteaux Noirs. Les Manteaux Noirs? Ma sœur les a rencontrés à Tourbevase. Je dois prévenir Gilar. C'est l'un de nos agents. Un Argonien. Il cherche aussi Margus, mais vous avez plus de chance que lui. Qu'avez-vous appris d'autre? Margus et les Manteaux Noirs cherchent de puissantes reliques argoniennes. Ils ont un entrepôt caché. C'est troublant. Si nous n'agissons pas rapidement, ces antiquités disparaîtront et les Argoniens perdront encore un peu de leur histoire. Si seulement nous savions où se trouve cet entrepôt. Il est dans une caverne, le Creux Sans Soleil. Vous êtes tout à fait merveilleux, mon ami. Je sais exactement où cela se trouve. Permettez-moi de l'indiquer sur votre carte. Eh ben Dieu merci. Vous voulez bien régler le problème? J'enverrai volontiers Gilar, mais le temps presse. Pouvez-vous récupérer les reliques au Creux Sans Soleil? Je m'y rends ce pas. Non, attends, objection. Bon. Quoi? Bon, on n'avait pas le choix, sinon ça validait pas la quête. Non, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est objection, c'est ah super, le Robert de bandits et de hors-la-loi qui ont tout volé et qui sont remplis de gros bras assassins, meurtriers, esclavagistes et violeurs d'enfants. J'aurais bien envoyé mon ami, mais vous voulez bien régler le problème? Non, appelle la police. Ben, dude. Ah, elle a de la chance qu'on soit des psychopathes. C'est moi. Non mais elle a de la chance qu'on soit des psychopathes qui apprécient la souffrance de tout ce que l'on dit, tout ce que l'on juge injuste d'exister ou même de respirer. Mais si on était des gens gentils, hein, si on abhorrait la violence, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle serait bien baisée. Du coup, Désastre, est-ce que c'est aussi dans cette zone ou pas du tout? C'est dans cette zone, oui. Ok, parce que moi je vois pas du tout dans cette zone. Mais vous pouvez aller à côté si vous voulez. C'est l'oratoire juste au nord. L'oratoire juste au nord, ok. Alors... Vous pouvez TP sur moi si vous l'avez pas, mais logiquement on est passé devant tout à l'heure. Oui. Après Bob il a un peu papillonné. Est-ce qu'il l'a? Est-ce que tu l'as eu le TP? Oui, j'ai eu, mais... Et puis allez-y, j'ai réglé les problèmes à ma place. Fais les yeux, allez récupérer les puissants artefacts argoniens, oh là là. J'aurais bien été le faire moi-même, mais... Non mais aujourd'hui. Voilà, bah, Excuse-moi. C'est juste la manière dont elle était si, comment s'appelle, dismissive à propos à propos de tout ça, quoi. Tu sais, elle nous demande d'aller faire un génocide dans une caverne, et elle est en mode, vous voulez bien aller chercher du pain? On est important. On n'est pas important. Si c'est pas nous qui le prenons, il y a 2000 joueurs à côté qui le feront. Oui, voilà. Oui, mais elle prend quand même ça d'un ton un peu désinvolte. Moi, le génocide, je traite ça sérieusement. Enfin, oui, ça peut être interprété dans tous les sens. Mais tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Ça te fait le travail bien, tu fais le travail sérieusement. C'est pas un rien. Tu vois, quand tu butes des parjures, tu es procédurier. Moi, je préfère appeler ça réhabilitation. Oui, réhabilitation par réincarnation. J'aime bien ton projet. Enfin, partant du postulat que tous les parjures par défaut vénèrent de la magie d'Indrik, ça m'étonnerait pas que leur réincarnation ce soit juste un processus qui passe pas en fait. Mais bon, que veux-tu? Ça a un coup d'être con, hein. Allons-y. Pourquoi tu cours en zigzag comme ça? Parce que je suis déjà devant, donc c'est pour éviter d'aller trop vite. Putain. Le rouge garde qui se la pète avec son bonus naturel, avec son bonus naturel de vitesse. Bon, écoute, Désastre, quand on sera dans la flotte, tu me feras le plaisir de faire des zigzags autour de voilà. C'est lui? On casse la gueule. C'était pas lui. Mais il était sur le chemin. Elle. Mais t'as raison, c'est difficile à dire avec les Argoniens. Je continue à avoir un doute, hein, personnellement, avec Désastre. Ok. Bon, il y en a un. Ok, parlez à Gilar en étape optionnelle. Ah. Bonjour Gilar. Ah bah il est là. Et effectivement, c'est un lézard. Ah bah c'est bien. Ça va être à désastre de parler, un lézard qui parle à un lézard. Parle-lui en fourche-langue. Allez, vas-y, 3, 2, 1, clic. Répondez vite. Êtes-vous un manteau noir ou l'ami que Concordia envoie à mon aide? Je suis un ami de Concordia. J'ai récupéré ses antiquités pour le compte des conservateurs cyrodiliaques. On dirait que vous n'avez pas besoin de mon aide, finalement. Oh, je n'ai pas hâte de me battre contre ces manteaux noirs. Je dresse la crête de la bienvenue, nouvel ami de Gilar. Je suis ravi de vous avoir rencontré, vous pouvez me croire. Attends, déjà... Alors, je suis ravi de avoir vous rencontré, déjà d'une. Hein, déjà, faute de l'arbitre, hein, petit jugement là. Carton jaune. Et de deux, vous avez une crête de bienvenue. Putain, la physionomie argonienne est vraiment quelque chose qui n'est pas renseigné. Alors que tu penses que depuis le temps qu'on les esclavagise et qu'on les bute, il y en a bien quelqu'un qui aurait eu l'idée de l'ouvrir en deux pour savoir comment ça marche, non? Enfin, sans offense, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Vous avez une crête de bienvenue. Désastre. Depuis combien de temps travaillez-vous pour les conservateurs cyrodiliaques? J'accompagne Concordia et sa sœur depuis le début. J'ai quitté ma maison de Tourbevase pour les aider à récupérer le passé dérobé à mon peuple. Et pour participer à des aventures. Tout cela est passionnant. Retournez voir Concordia. Je vous rejoindrai sur place. Donc, quand on te fait la blague... Okay. Attends, quand on te fait la blague, c'est ta crête de bienvenue ou t'es juste simplement content de me voir? C'est les deux, en fait. Je le retrouve sur place. Bon. Retour à l'envoyeur. En TP ou quoi? Désastre, c'est toi qui est qui flotte. Je flotte? Ah. Oui, t'es amphibien tout ça. Teste si à pied. Y a pied. Ouais, c'est bon. C'est bon. Dieu merci, voilà. Tout va bien. Ok. Très bien, et ça là-bas. Oh là là. Et c'est moi qui me prends la boule de feu. J'ai rien fait. Eh, c'est pas de ma faute si les Argoniens sont racistes, hein. Et moi j'ai été enraciné dans l'eau. Ah, c'est une vraie technique, par contre, comme t'es Argonien, voilà. Comme t'es Argonien, c'est pas quelque chose qui t'a dérangé en fait. Les mecs ils ont les vrais strats, hein, ils tentent de noyer un Argonien. C'est-à-dire, la seule possibilité de noyer un Argonien que je connaisse, c'est de le noyer dans la lave. Après, bah, noyer le poisson dans l'eau. Ou dans l'alcool. Pas dit, hein. Pas dit. D'ailleurs, je me demande si un argonien, ça peut être ivre. Un argonien, pardon, ça peut être ivre. Il me semble pas, hein. Il me semble qu'ils ont un truc comme ça aussi. Hein. Ou alors, je me trompe de jeu, peut-être. Mais il me semble qu'ils réagissent pas au skouma ou à des trucs comme ça. Ils ont une résistance. En fait, ils ont une résistance au poison naturel qui se traduit aussi en termes de lore par une résistance à tout ce qui est alcool, spiritueux ou, ou tout ce que tu veux. C'est l'inverse de japonais. Tu me diras, oui. Japonais, tu lui susurres le mot cocaïne à l'oreille, ça y est, il a l'énergie pour 8 jours. En fait, ils ont un gène, je sais pas quoi, qui fait que... je crois qu'ils l'ont pas tous, par contre, mais c'est très répandu. Il y a deux types de japonais. Quasiment pas l'alcool. Ah ouais? Oui. Il y en a, tu leur donnes un verre, hop... terminé quoi. Ils s'endorment. Bon, après, si on n'avait pas ça, il y aurait 10 000 scénarios de doujin qui seraient impossibles. Donc quelque part, je suis reconnaissant. Impeccable. Du coup, je charge. Du coup, on a tout nettoyé et on va parler à Concordia. Elle va peut-être nous redonner le nom de sa sœur, ou alors peut-être que sa sœur sera dans le DLC. Probablement, à mon avis. J'aurais dû l'appeler Costa. Pourquoi Costa? Bon. C'est chez les Asiatiques de l'Est, pas que les Japonais, me dit-on sur le chat. Ah. Oh là là, il y a des fusions cheloues. Pendant un instant, je regardais le chat, j'ai retourné la tête vers vers le vers Tezo. Il a commencé à pleuvoir. Dans ma tête, j'ai eu le réflexe, mince, il pleut. Genre, en vrai, tu sais, je dis mince. Ah putain, effectivement. À côté de Concordia, il y a Gilar. Est-ce qu'on peut parler à Gilar? Tu veux parler à Gilar? Oui, parce qu'il n'est pas essentiel. Donc le dialogue. 3, 2, 1, kick. Mais je le vois pas. Vous avez fait vite. Ah, merde. Mais moi, ah, si, il est là. Bon, j'ai cliqué. Ok, vas-y. Ah oui. Vous avez fait vite, mais moins que Gilar, vous pouvez me croire. Je sais pas qui c'est. Ah, Désastre. Non, c'est Gilar, c'est Désastre. Vas-y, continue, Désastre. Il faut que je rapporte ces antiquités argoniennes. Vous devriez les montrer à Concordia. Vite, vite! Elle attend votre retour et veut savoir ce que vous avez trouvé au Creux Sans Soleil. Tous les Argoniens de Tourbevase s'intéressent-ils à l'histoire argonienne antique? Moins qu'on aimerait. La plupart des Argoniens de Tourbevase ne s'intéressent qu'au présent. Ils pensent que le passé est mort et enterré et qu'il vaut mieux l'oublier. Moi, j'ai toujours été fasciné par le passé. Voilà pourquoi j'accompagne Concordia. Bon. Okay. En tout cas, sa crête de bienvenue est très dressée. Hein. À mon avis, il fait du Argonian spreading. Voilà. Tout ceci n'est pas poli. Ok. Concordia, 3, 2, 1, kick. Dites-moi que votre excursion au Creux Sans Soleil a servi à quelque chose, mon ami. Quelques bonnes nouvelles me feraient du bien en ce moment. Bob? Nous avons récupéré ces antiquités dans le Creux Sans Soleil, mais aucune trace de Margus Darius. Voyons voir ce que vous avez là. Un charme argonien. Vous avez vu cette amulette? C'est une pierre de rivière. La Légion impériale les appelait des pièces de marécage. Et ça, c'est une tablette Xalto. Cela signifie littéralement secret sacré. Très intéressant. Cette espèce de tas de boue et ce caillou, cet objet a-t-il réellement une importance particulière? Une vieille légende parle d'un collier et d'une tablette, si je ne m'abuse. Retournez au refuge des hors-la-loi et parlez à Ishundir le contrebandier. C'est un expert en tradition argonienne. Demandez-lui ce qu'il sait sur les reliques. Et pendant ce temps, il y a un livre que je dois consulter. Très bien, nous allons menacer Ishundir une nouvelle fois. En fait, c'était pas une petite quête, hein. Je pensais qu'on allait faire ça, puis derrière faire Orsinium, mais... Ah, ouais, chaud, hein. Non, c'est long. D'accord. Ça passe par là ou... On va pouvoir la finir ce soir, quand même. Oh, ouais, on va pouvoir la finir, mais c'est quand même long. D'accord. Ouh, ça passe, mais pas beaucoup de points de vie. Hein. En fait, en allant vite, on met une heure, un peu plus d'une heure. Tout va bien, je suis large. Ouais, ça pique quand même. En allant vite, tu as dit quoi, Désastre? En allant vite, on met un peu plus d'une heure. Enfin, oh, met... C'est bien, moi je trouve qu'ils rajoutent des trucs comme ça. Bon, même si je t'avoue que là j'ai très envie de voir la zone des, des marées noires, mais ça va pas être possible, j'imagine. Ah, peut-être on va trouver l'entrée, quelque chose. On peut peut-être. Enfin, on verra, on verra. Attends, on pourrait peut-être éventuellement juste faire un tour dans celle qui est déjà débloquée dans tes eaux, juste ne serait-ce que pour voir la gueule générale. Mais si Désastre a les points de TP, parce que moi je l'ai pas personnellement. C'est à quel endroit? Tout en bas à droite, juste au sud de Morrowind. Au sud comment ça s'appelle? Voilà, le Marais Noir, c'est ce qui se situe en dessous de Fangeombre. Mais techniquement, Fangeombre fait partie du Marais Noir. Ouais, Fangeombre, JDTP, ouais. Voilà, bah voilà. Donc juste pour voir la gueule du truc général, il faut s'imaginer qu'au sud de Fangeombre, c'est pire que Fangeombre. Voilà, donc faut... Pas de mystère. Mais on devrait avoir un petit aperçu à un moment. Ouais, c'est là. Bah ouais, c'est là. Il est où ce con? Il était là, je crois. Ursashi. Je vous avais dit de ne pas faire affaire avec Margus Darius. Nous avons un meurtre. Bon, et ben. Peut-être une cause naturelle, hein. Oui, bah. Arrêt cardiaque sûrement. Attends, quand tu es voleur, meurtre c'est une cause naturelle déjà. Et ensuite de deux, c'est une enquête pour. Batman. Très bien. Du coup, on l'interroge? Oui. 3, 2, 1, clic. Vous! Tout ça, c'est votre faute. L'activité criminelle a toujours eu une part de risque, mais ce sont vos questions qui ont amené ce tas de crottins de Wamassu à notre porte. Pauvre Ishundir. Il ne méritait pas ça. Je n'ai fait que défendre la vie. C'est quoi Wamassu? De quoi Wamassu? C'est une créature, ça ressemble à quoi? Comme un gros iguane, je dirais. Ouais, c'est c'est un mélange entre une vache et un iguane. Voilà, c'est bleuté, je crois. C'est de la merde. D'accord. Que s'est-il passé ici? Je n'ai aucune preuve. Mais je suis certaine que Margus a envoyé un de ses sbires Manteaux Noirs pour faire taire Ishundir. Je le sens. Greta a détalé au premier signe de grabuge. Salut, et moi, je me suis cachée dans une caisse. Et Ishundir n'a pas eu cette chance. J'espérais qu'Ishundir pourrait me renseigner sur ces antiquités argoniennes. Hein. Ça fait un petit peu des antiquités, dites-vous. Faites voir. Je ne suis pas aussi experte qu'Ishundir, mais cette tablette raconte le secret d'une idole de cauchemar argonienne. Très rare, sans doute dangereuse. Pourquoi m'avez-vous forcé à toucher ces objets? Reprenez-les vite! Tu te lècheras plus tard, chaton. Tu feras ta toilette après. On a besoin de réponses. Une idole de cauchemar? Je ne comprends pas. Non, je refuse d'en parler. Je préfère garder mon sang à l'intérieur de mon corps. Mais ces objets indiquent d'autres reliques. Des reliques dont Margus aura besoin pour atteindre son objectif, quel qu'il soit. L'assassin Manteaux Noirs a peut-être laissé un indice qui vous serait utile. Bonne idée. Je vais jeter un œil sur les lieux. Bon bah... Bah y a des indices. Là y a un couteau à désosser. Ah, faut les prendre. Hein. Je dis ça, j'y vois rien avec ce casque. Là-bas il y a une note de Manteaux Noirs. Ah ouais, donc le mec laisse les preuves en fait. Vas-y, c'est à toi, Désastre. Ah bon? Vas-y. Grita a besoin d'une bonne leçon. Urzashi a besoin qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Et Ishundir a besoin d'un cercueil. Retournez aux ruines de Shidmoska quand ça sera fait. Nous aurons bientôt trouvé les objets que je cherche et j'ai besoin que les Manteaux Noirs soient là à ce moment. Il y a beaucoup de là. MD. R. Attends, t'as le lézard, il nous appelle. Il est où? Il nous appelle d'où? Là. De l'au-delà. Il est où, ouais? Ah oui, si. Ah ouais, il est en bas, ouais. Ah, vous voilà. Le contrebandier a pu vous apprendre quelque chose sur les antiquités que vous avez trouvées. Ah, vous voilà. Le contrebandier a pu vous apprendre quelque chose sur les antiquités que vous avez trouvées? Concordia semble convaincue qu'elles sont importantes. Je ne lis pas encore bien les émotions des peaux sèches, mais je crois qu'elle est soucieuse. Ishundir a été assassiné, mais j'ai appris que ces antiquités guident Margus vers un objectif plus important. Concordia a parlé de la tablette Xalto et d'une vieille légende. Ça me rappelle une histoire que ma mère d'œuf me racontait sur un crâne maudit. Enfin... nous verrons cela plus tard. Concordia m'a envoyé vous aider, juste avant de partir. Et où est-ce qu'elle est passée? Concordia possède un camp dans Fangeombre devant Havre Tempête. Elle est partie vérifier que tout allait bien et mener quelques recherches sur les objets que vous avez récupérés. Quant à nous, nous devons trouver Margus, vite, vite! L'assassin a laissé tomber un message. Il dit que Margus rassemble les Manteaux Noirs aux ruines de Shidmoska. Shidmoska? C'est à Fangeombre, vous pouvez me croire. Nous devons nous dépêcher si nous voulons arrêter Margus et les Manteaux Noirs. Je peux nous trouver un transport. Prévenez-moi quand vous serez prêt à partir. Du calme, sac à main, du calme. Il faut que j'enlève ce casque. Du coup, on est prêt. Il y a un autre affaire. Allons-y. On est prêt. Fangeombre. Ah bon ben, on va en Fangeombre. Bon mon gars, t'en fous. Ah oui, c'est ça. C'est là où tu voulais aller. Ouais. Du coup, on a gagné un temps fou. Mec sur le chat, je viens de comprendre que Bob parlait avec les mains devant la bouche pour simuler le masque. Bah oui. Et avoue que l'effet est formidable. Ouais, ça marche bien. Oui, ça marche bien. Ça tient moins chaud. En plus, attends, il pleut et tout, c'est drama. Mets une capuche. Ouais, je sais pas si j'ai un truc avec une capuche. Mais t'as bien un casque capuche ou quelque chose. Alors attends. Tac, tac. Ah moi je trouve. Ouais, chasseur de trésors. Ah oui, attends, tu viens de mettre pareil. Ah bah non, attends, vas-y, mets chasseur de trésors, au contraire. On change la même chose en même temps. Mais chasseur de trésors, moi j'ai des bonnets à l'infini. C'est classe ça. Pas mal, ouais. Si vous voulez, il y a une encre. Ouais, ça a l'air d'être la guerre, hein, j'entends ça. C'est vénère. Elle a popé devant nous. Putain. C'est pas pour rien. Elle est où, elle est où? Putain, allons-y. Déjà, tu vois, c'est pour ça que cet endroit est pas très accueillant. T'arrives, il y a une encre. Même pas de risque, pas de respect, pas de mystère, rien. C'est vraiment la guerre, les encres. Ouais, ah, ça bourre, ouais. Hein. Un zombie bien. Alors, qu'est-ce qu'un xylaï? Une forme de dédra mineure, ouais, voilà. Qui généralement sont... Bon, c'est brave. Oh là. Oh le beau. Oh polo. Ouais, c'est ça, bah continue de sodomiser les petites filles pour en faire des vampires. Il reste des trucs. Ah ouais. Ça fait bien monter la guilde des guerriers, ça aussi. Le plan est en place. Vous n'avez qu'une chaîne. Ah, mais y'a pas eu de voix, normalement y'a Molag Bal qui parle. Ah, c'est moi, il me parle, hein. Si, si, moi, il m'insulte depuis tout à l'heure. Moi, j'ai pas eu de voix. Après, une fois que t'as fini, tu peux te parler. Ouais, ouais, ouais. Bon, n'oubliez pas le coffre. Où est-il? C'est là. Aujourd'hui, il ne m'a pas transcendé. Ah, les bijoux, c'est bien à casser pour la joaillerie. Pas mal. Du coup, ça c'est fait. Attends, il y a le. J'aimerais bien prendre l'oratoire de Fangeombre. Ah, il y a un Wamasu justement là. Ouais, voilà, il y en a dans la. Ah, bah voilà, exactement, très bien. C'est donc ça. Et vous avez parlé à Gilar du coup? Voilà. Non. Ah. Il est où, Gilar? Bah, il est juste là en fait, où on est arrivé. Ah oui, oui, c'est là. Faut regarder le Wamasu. Ah, attendez, j'ai pas fini de choisir mon casque par contre. Parce que c'était le masque à ça, c'est sympa, mais c'est pas vraiment. C'est pas vraiment confort. Du coup, tu fais comment? Tu mets ta main devant la bouche quand tu parles avec le casque? Ah oui, alors quand tu mets la main, alors, tu fais un cône devant ta bouche avec tes deux mains, c'est-à-dire tu les mets devant comme si t'allais éternuer en fait. En gros, tu parles comme ça. Exactement. Ah. Et si jamais tu parles avec un masque, attends. Et si jamais tu parles avec un masque et pas un casque, tu mets carrément la main sur la bouche comme si tu t'auto-kidnappais. Et du coup, tu parles comme ça en fait. Pas mal. Voilà. Le secret de tournage. Non mais c'est des vrais conseils, hein, c'est réel. C'est pas... Ils font comme ça, hein. Ils font comme ça, y'a pas de mystère. Après, tu peux faire de la post-prod, c'est sûr, mais c'est plus marrant. On parle à Gilo. Allez. Attends, je suis en train de mettre un bonnet. Voilà. J'adore ces phrases. Attends, je suis en train de mettre un bonnet. Voilà, c'est bon, j'ai le bon bonnet, là. Là, je pense que je suis bien. Là, je suis parfait. Voilà. Là, c'est le nordique dans les terres trop loin pour lui. Ok, on est bien. 3, 2, 1, clic. Les ruines sont devant nous. Je vous attends ici pour protéger le bateau. Il y a toutes sortes de créatures horribles dans le marais et certaines mangent les bateaux. Vous pouvez me croire? C'est qui les astres? Ah non, c'est à toi, Krayn. C'est à moi? Ouais. Avant que je n'entre dans les ruines, parlez-moi de la tablette Xalto et de la légende dont vous avez parlé. Eh bien, Xalto signifie secret sacré. Chaque tablette contient son propre mystère. Je pense que celle-ci est liée à la légende de Belacar. C'était un sorcier argonien de l'Antiquité. Il terrorisait presque tout le marais noir, d'après ce que l'on raconte. Qu'est-ce un sorcier de l'Antiquité vient faire dans tout ça? Ce n'est pas le sorcier, mais la relique qu'il a laissée derrière lui. La légende veut que Belacar ait utilisé son immense énergie arcanique pour imprégner son crâne d'une malédiction puissante lorsqu'il est mort. Ce processus aurait mué le crâne en or massif. Stylé! Très stylé! Faut le dire. J'avoue. Vous pensez que c'est cela qu'ils vont chercher dans les ruines? Cela paraît peu probable. D'après l'histoire qu'on m'a rapportée, le crâne était caché sur une île au large du Marais Noir. Margus envoie sans doute les Manteaux Noirs chercher d'autres indices pour le trouver. Faites attention à vous, mon ami. Stylé. Très bien. entrer dans les ruines de Shedmos. Très bien, très bien. Bon, bah pas mal. Ils sont juste à côté. Attends, juste à côté, oui, mais il y a un oratoire qui est juste à 300 mètres au-dessus de nous. Ouais, ce serait bien d'aller le chercher. Même pas, je vais aller le chercher. Hein. Putain, c'est surprenant qu'il y ait des routes en fait. Ah d'accord, il y a des routes, mais il y a des lamias sur la route. Hein. C'est pas très safe, ouais. Ah, ah, oh putain, il y a un coffre là. Barre-toi. Oh la vache, c'est quoi ces barres de vie qu'elles ont les vaches? C'est loin sous tout seul, eh ouais. Il a pas mal de vie. Non, ça se fait, ça se fait. On a un alite et une lamie. Ça se fait. Le coffre, le coffre. Niveau maître, oh là 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 là. Faisons preuve de skill. Et voilà. Qu'est-ce que tu as eu comme récompense magnifique? Aucune idée, parce que j'ai pas les trucs qui s'affichent en bas à droite, donc... Ah. Un chapeau en soie d'araignée. Ouais non, c'est bugué. C'est pas très grave. Mais du coup, je suis content d'avoir ouvert le truc. Et du coup, il y a l'oratoire qui est juste là. Avec des as, bien sûr. Il se fait attaquer par ces crocodiles. C'est mes cousins. C'est ça, c'est ça. Impeccable, l'oratoire de Laura Yassel, très bien. Et ben j'ai pas besoin de plus, on peut aller dans le. On peut aller dans le donjon. Mais enfin voilà, de ce que t'en vois mon cher Krayn, ça c'est le marais noir. Hein. Tu vois ces grands arbres, oui. Voilà, c'est ça. Non mais j'avais fait la zone il y a longtemps, je m'en souvenais plus. Et ben voilà. Du coup la maison elle est un peu dans ce style là. D'accord. Ah donc c'est. Ouais, aztèque. Très bien. Sympa. Et il y a un truc ultra sympa. Ah, c'est un donjon public en plus. Ouais. De nouveau devoir. Putain, j'arrive pas. Attends, j'ai presque mon loup-garou, je l'ai pas. Bah, c'est une antre. Je me fais attaquer par des Pokémon. Ah, c'est une antre. Ouais. Attends. Non, oui, c'est différent. Je me fais attaquer par des waifus. D'accord. C'est quoi, des lamières? Oui, oui. Ah. Ok, c'est bon, je suis dedans. C'est bon. Ah, moi ça charge. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on est bien. Il est possible que ce chargement soit plus long que ce qu'il ne devrait. Non, c'est bon. Tout va bien. Je vais essayer de trouver deux mobs pour... Ah mais non, c'est des gentils, ça. Ouais. Ah oui, c'est des joueurs, moi je voulais les frapper. Ah. Et bah c'est joli. Tu es en train de charger ? Moi, non, moi, bon, je suis dedans, je suis rentré dans la première salle, il n'y a pas d'ennemis. Les gens ont l'air d'avoir nettoyé la zone. Ouais. Il y a un petit campement, donc ça veut dire que le mec qu'on cherche est sans doute là. Tu le crois? Bah, sans doute. Hein. J'avance au pif. Mais il n'y a plus de mobs, ils ont tout tué les gens. Ouais. Il y a sans doute un cristal cependant, garde l'œil. Il y a des mobs là. Ouh, il y en a trois. Il n'y en a pas trois. Ah, ok. Derrière. Ah. Bah, ça fait plaisir de buter des Argoniens un peu. Sans offense hein. C'est vrai. Non ça change, ça change. Et oui il balance des cocktails molotov. Bah y'a bien un ou deux impériaux qui essaient de nous faire chier mais... Oh ça y est je peux me transformer, attendez j'arrive. Ah bien. Une de mon level 3. Bah attends que y ait des mobs. Vas-y y'en a 3 là. Enfin, si les gens se ruent pas dessus. Ils se sont rués dessus. C'est bon, rush, rush, y'en a en face. Il y avait l'éclat à côté, mais on ira le prendre après. On va le manger. Ah, loup-garou level 3. Voilà. Félicitations, là il y a un coffre. Là il y a le boss en face. Ah, vas-y, le boss, moi j'y vais. Vas-y. Ah, j'ai jamais essayé mon bon, j'aurais dû essayer. Ah il est pas mal en plus hein. Ah je peux pas, faut être obligatoirement en combat. Mais est-ce que tu as bindé le... Ouais c'est dedans. Et voilà. Mange, 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 mange. Ah j'ai ouvert un truc qu'il faut pas. Je mange, je mange, je mange. 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 C'est bon, je suis nouveau full. Là y'en a d'autres. Tout ça. Là. C'est bon, il a fondu lui. Okay. C'est dégueulasse. Vous voulez l'éclat? Il y a encore un mob ici. Ouais. Je suis full, hein, donc. Très bien. Je vais juste voir s'il n'y a pas un nouveau skill. Là, les mobs sont revenus. Passif. Je sais pas ce que ça fait. Déverrouiller. Hop. On avance. Là, il y a plein de mobs. Viens, viens, viens. Oh, j'arrive. Qui va être bien pour toi, Krayn. Je crois qu'il y a un passif qui augmente ton temps en loup-garou quand tu tapes. Genre, toutes les 5 secondes, tu peux augmenter de 4 secondes. Ça évolue à la vitesse de la lumière, les skills de loup-garou. Ouais, ça, les premiers monnaies. Impeccable. Tu peux prendre les classes sous cette forme? Oui. Là, les ennemis ender pop. Ah, super. Donc, du coup, où se trouve la suite? Et eh bien, où on était, là où on a tué le boss. Mais on peut rejoindre en allant tout droit, là. Ouais. Ah non! Hop. Ça, on se fait les mobs et. Krayn, il. Ouais, j'arrive, j'arrive. Et du coup, il marche pas ton bon? Bon, je sais pas, non. Ah si, ça y est, attends, fais voir. Ah, faut que je trouve le bouton par contre. Ah voilà, c'est ça. Alors, ils ont la manie, mais visiblement, dans Murkmire de mettre des mobs qui immobilisent avec leurs attaques et c'est. Ultra pénible. Bah tu peux le break de toute façon ce talent du donc. Pourquoi il a fait ouh le ouais, il a... J'ai fait un bruit de loup-garou. C'était stylé. Ah bah oui. Ah, mais merde, l'Irian est revenu du coup. Bon c'est bon. Bon on l'a elle a été molestée. Alors c'est ça l'idole? Ouais. Et ben c'est moche hein. Putain. Bon bah prenons le machin. Ah, comment je... Moi quand je prends l'idole je mets un grand coup. Tu l'as éclaté l'idole. Du coup faut ressortir. Bon, là on se casse hein. Ouais. Il y a une sortie ici. Attends il y a un livre là, page de journal argonien. Ça va, ça va, ça va. D'accord on s'en fout. Ah mais même quand il veut ouvrir les portes il défonce les portes. Il a pas le temps le loup-garou. C'est fini. Ah, alors, enfin. Fais voir juste par curiosité. Oh, je suis dois être à un mob ou deux mobs du 4. Ah, désolé. Non, mais j'ai pas regardé avant, j'aurais dû. Oh, ça monte vite, hein. Ça ouais, ça vite, se fait, hein. On sort, hein. Je... Oui. Ça va encore prendre des points de skill, tout ça. Alors, voilà. De skill, il oh, bon, j'ai balancé mon ultra, je sais pas pourquoi, mais. Ouais, j'ai vu une Nova tomber. C'est ça, c'est ça. Dégâts aux autres ennemis dans la zone. Bondir depuis plus de 10 mètres augmente la durée de votre transformation en loup-garou. Ah, c'est mieux ça, non? Il y en a un qui fait plus mal, un qui augmente la durée. On va augmenter la durée, non? Ouais, tu peux prendre la durée. Après, le truc, c'est que comme je t'ai dit, après tu vas avoir le passif toutes les 4 secondes. Ça va toutes les 5 secondes, ça va te rajouter 4 secondes. Je comprends, enfin, mais ta vie, je conseillerais la durée, parce que plus de temps loup-garou égale plus de dégâts sur le long terme en loup-garou. Ouais, bah à mon avis, je fais moins de dégâts en loup-garou que en loup-garou. D'accord, d'accord. Bon bah, mais c'est fun. Ouais, mais quand même. Alors là, je bute juste un Lamia, voilà, histoire de désexualiser le concept. Voilà, avant que vous vous excitiez trop. Hein. Ça a juste des nichons. Sinon, c'est de la merde. Voilà. Étape optionnelle, utiliser le bateau de J. Dire ces lamis ne sont pas des waifus. Les lamis ne sont pas vos amis. Voilà. L'ami de quelqu'un d'autre. Ouais, mais les amis des serpents, voilà, c'est ça. C'est l'ami de nos ennemis, quoi. Hop là. Bon. Qui sont ces gens? Encore des joueurs. Et là il y a le bateau de Gilar, on peut parler à Gilar. On parle à Gilar? Si tu veux. 3, 2, 1, kick. Vous avez trouvé quelque chose? et vous êtes revenu en vie. Vous continuez de m'étonner, mon ami. Montez à bord et je vous conduis au camp de Concordia près de Fort Tempête. Mais fort aimable. Eh ben, allons-y. Dans la pirogue, à 6. Hop. Voilà. Les loups peuvent prendre l'aggro et font plus de dégâts que le saignement supplémentaire. Et comme ça, tu auras un splendide pelage blanc. Ah, c'est vrai que ça me transforme en loup-garou blanc, du coup. Sérieux? Stylé. Je suis devant Concordia, ok. Bon. On reprend, Ouais. Certes pas. Attends, c'est qui ce mec juste là? Ah non, c'est des vrais joueurs. Ah putain, mais comme ils prennent des positions de PNJ, c'est compliqué parfois. Regardons ça, ok. Allons-y, parlons à Concordia. 3, 2, 1, clic. Enfin. Vous n'imaginez pas comme je m'inquiétais pour Gilar et vous. Oh. Quand on m'a parlé du meurtre dans le refuge des hors-la-loi, je vous imaginais déjà, mon agent et vous, étendus dans un fossé. J'imagine que vous n'avez pas découvert les plans de Margus. Eh ben, fallait peut-être s'inquiéter avant, hein, au lieu de faire « Vous pouvez vous en occuper hein ?» C'est à qui la justification? Pas à qui c'est du tout. Aucune idée. Aucune idée. Allez, on va dire c'est à moi. Au hasard, quand on ne sait pas, c'est que c'est à moi. Le contrebandier m'a dit que la tablette Xalto révèle le secret d'une idole de cauchemar argonien. Cela correspond à ce que j'ai appris. Et je suis sûre que c'est lié à la légende de Belacar. Mais que vous est-il arrivé à Gilar et vous une fois que vous avez quitté le repère des hors-la-loi? Vous avez pu suivre Margus? Non, mais un indice nous a conduit aux ruines de Chibmosca. C'est là que j'ai récupéré cette idole de cauchemar. Elle est un peu abîmée, mais ça c'est Krayn. Quelle magnifique spécimen. Elle est griffée. Mais vous voyez cette ouverture dans le dos? C'est une cavité, mais la statue ne contient plus rien. On dirait que Margus Darius garde un coup d'avance sur nous. Maudit soit-il. Alors quel est le sens de tout ceci? Que cherche Margus Darius exactement? La conclusion s'impose. Margus cherche le crâne doré de Belacar, et le contenu de cette idole pourrait bien l'y mener tout droit. Je m'en inquiéterai plus tard. Pour le moment, les conservateurs cyrodiliaques apprécient votre aide. Acceptez ceci avec ma reconnaissance. 600 balles, eh ben... Oui. Allez, remettons-nous au travail. Nous devons comprendre comment empêcher Margus Darius de trouver le crâne doré de Belacar avant nous. La survie des conservateurs cyrodiliaques en dépend. Sans parler de Tourbevase, voire de tout le Marais Noir. Parlez-moi encore du crâne doré de Belacar. Pourquoi est-il si important? Cela dépend des sources, mais toutes les légendes indiquent que le crâne contient une magie puissante, sans parler d'une malédiction qui pourrait détruire Tourbevase. Hey, je frissonne à l'idée qu'une personne comme Margus ou les Manteaux Noirs puisse mettre la main dessus. Ouais, bon, bah faudra pas me laisser y toucher, quoi. Mais sinon, oui. Non, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est quoi ce bouton? Oups. Ah non, c'est pas oups, c'est oups. Voilà. Comment empêcher Margus de trouver ce maudit crâne? Nous devons suivre la piste. Quoique Margus ait trouvé dans l'idole, il aura besoin d'experts argoniens pour le comprendre. Parlez à Gilar. Il connaît quelques argoniens cultivés dans les parages. Margus contactera sans doute les mêmes. Je vais m'adresser à Gilar pour voir quelles informations nous pourrons trouver. Gilar est sur les quais, il travaille à son bateau. Il devrait pouvoir vous indiquer les argoniens les plus susceptibles de savoir ce qui intéresse Margus. Allez les voir, et demandez-leur de quoi Margus leur a parlé. Je ne comprends pas, pourquoi dois-je trouver ces argoniens? Margus recherche des antiquités argoniennes, mais il n'y connaît pas grand-chose. Il aura besoin d'aide pour comprendre ce qu'il trouvera dans l'idole. Pour cela, il se tournera vers les argoniens les plus cultivés qu'il trouvera. Très bien, parlez-moi encore du crâne doré de Belacar. Je viens de relire toute l'histoire dans les légendes du Marais Noir. Oui. Ce crâne est une relique fabuleuse qui contiendrait le pouvoir du sorcier argonien Belacar. D'après le livre, le crâne est imprégné d'énergie arcanique et porte une terrible malédiction. Pourquoi rechercher un crâne maudit? Les conservateurs cyrodiliaques veulent trouver le crâne pour le rapporter au Marais Noir, pour en faire par exemple la pièce maîtresse de notre musée. Mais c'est complètement... Je soupçonne Margus de vouloir utiliser son pouvoir dans un rituel arcanique. Mais... Quel genre de rituel arcanique? C'est un crâne maudit. Et Belacar était calé en magie noire. Alors le rituel ne sera sans doute pas positif. La légende veut que cette malédiction sonne le glas de Tourbevase. C'est qui, Margus Darius? Je pense qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques. Les vraies questions, hein. Au fait, comment tu t'appelles? Vous savez qui je suis? Quelle heure il est? On est en quelle année déjà? C'est quoi ce pays? C'est quoi mon nom? C'est ça, c'est ça. Rafraîchissez-moi la mémoire au sujet de votre organisation. Non mais non, 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 mais non. Non, on va pas lui demander ça, si. Non. Très bien, on se casse. Ouais, c'était pour la blague. Bon. Dieu merci. Non, parce qu'elle est, elle est mignonne, l'Impériale. Je l'ai fait en speed, les dialogues. Très bien. Ouais, moi aussi, ça m'a fait rire. En fait, tu demandes les trucs qu'ils t'ont dit il y a 2 minutes. Ouais, mais comme c'est une nouvelle quête, les gens peuvent reprendre là et se dire ah bah je me souviens plus de ce que c'est. Bien sûr, bien sûr. On est au nord de Fangeombre là toujours. Juste à côté de Fort Tempête. Ville impériale ou ville argonienne? Fort Tempête. Bonne question. Je crois que... Non, non, c'est Elfe Noir. Ah, normal. Oui, regarde le symbole sur la porte par exemple. Tiens. C'est complètement Elfe Noir ça, ou alors je m'y connais pas. En même temps on est juste en dessous de Long-Sanglot et de Morrowind. Je rappelle que tu viens de parier 10 000 $ et que tu avais tort. Non mais oui, non mais quand même hein, voilà, à un moment, hein, si tu vas à une svatiska, tu vas pas te poser des questions. Tu vas te dire, tiens, ça sent le nazi ici, tu vois, bon. Après c'est un symbole bouddhiste, mais s'il y a le cercle, s'il y a la bande rouge avec le cercle blanc, tu fais, ah oui non quand même là. À un moment tu vas commencer à douter, tu vois. Non, c'est Elfe Noir et ça a l'air d'être construit sur des ruines aléides. Donc, ouais, tu sais les ruines qu'on trouve en Cyrodiil dans Oblivion à Donf. Les ruines des anciens elfes. Yep. Bon. Sinon, où est-ce qu'on est censé aller? Ah, Livre de Magie, si ça vous intéresse. Juste à côté. Hérésie moderne. Oh, 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 où ça? Où je suis. Étude de l'adoration des Dédras. Oh, 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 oui. J'arrive. Quitte pas le bouquin, quitte pas le bouquin. Ouais, moi il a disparu, mais je suis devant. Non, attends, t'es là. Oui, c'est la quête d'intro du futur DLC. Oh, alors. Ouais, de Aderus, c'est ça. Étude de l'adoration des Dédras. Blablabla. Désastre, la guilde des mages, il s'en fout. Oh. Très bien. Alors, il faut parler à Gilar. Gilar, il est où? Il est là, à côté de son bateau. Ok. Ce sera 3, 2, 1, clic. Le crâne maudit me terrifie, vous pouvez me croire. Concordia a d'autres choses à nous confier? Rien de plus, sac à main. Elle veut que nous allions parler à des Argoniens de la région qui pourraient s'y connaître en antiquité de Tourbevase. J'aurais dû y penser. Les Manteaux Noirs doivent s'en prendre à tous ceux qu'ils estiment capables de déchiffrer les indices menant au crâne maudit. Je connais 5 ou 6 Argoniens dont ce serait le cas, rien qu'ici à Fangeombre. Mollo, peau de croco, comment allons-nous trouver ces Argoniens pour que nous puissions leur poser des questions? Tenez. Allez voir les Argoniens de cette liste et je me chargerai des autres. Retrouvez-moi ici quand vous aurez terminé, nous comparerons nos résultats. Mais faites attention, si les Manteaux Noirs les ont trouvés, ils doivent les surveiller. Au revoir. Bon. Oula, pas l'air très net cette personne. Parlez à Taxotl, parlez à Dusty, parlez à Twitch. Ah, c'est super loin là. Est-ce qu'on peut se séparer? Ah ouais, se balader. On peut quoi? On peut pas, je crois. Ah, on est obligé de le faire tous les 3. Non, parce que tu sais, ça aurait été cool qu'on soit tous les 3 à 3 endroits différents et tu sais qu'on les active. Du coup, on va débloquer les TP, tout ça, non? Je sais pas. Tu veux te TP à côté qu'on se TP sur toi, Désastre? On peut déjà celui de droite, et après on peut aller à pied aux 2 autres. J'ai pas les TP. Ouais. Il y a 2 TP que j'ai pas. On y va, non? Bon, moi je suis ok pour me balader. Hein, donc. Ouais, allez, cataclope, allons-y. Allons-y. Tournons, demi-tour. Passer par la ville là, voilà, très bien. Voilà, puis à droite. Voilà. Catacombe, profitons de l'ambiance, profitons du décor. Alors ce sera la prochaine à droite au croisement. Et à gauche il y a un oratoire. Ah, à gauche. T'es sûr? Ouais. Ah oui, exact. Très bien. Parce qu'en fait, à droite, en passant par le milieu, il n'y a pas de droite. Ah. D'accord. Bien vu. Ça fait flipper, ça. Mais voilà, il faut savoir que... drogues. Oui, ce sont des drogues. Et t'en trouves en Vardenfell aussi, à Morrowind. Ils sont pas agressifs. Ça dépend. Si t'es dans la flotte, si. Mais sinon, non. Oui, dans Morrowind. Bien sûr, normalement. Le truc c'est que voilà, tu peux reconnaître que c'est une région qui est, je vais pas dire similaire à Seidanin, mais tu vois bien cette ambiance, tu vois, c'est moins champignacre que Morrowind à proprement parler, mais sinon on est clairement dans une optique ouais, dans une optique invivable quoi. Invivable. Beaucoup plus jungle, je trouve. C'est même pas une jungle, c'est un marais quoi. Ah ouais, un marais jungle. Une jungle mignonnée. Si on prend tout à gauche, il y a un oratoire là, vers l'est. En passant dans les. À moins que tu aies peur de. Bon, c'est pas très bien. Les poils de ma queue ont rapporté à manger. Bon, moi j'aime bien les oratoires. Allons-y, allons-y. Tout à l'est, donc tu as dit. Hein. Ouais. De nuit, par contre, j'avoue que le marais noir en bien. Oh, il y a un coffre. Tout gagné. Oui, ça va, c'était pas loin en plus. Oui, il y a des crocodiles. Merde alors. Voilà. Tout va bien. Alors il est en haut, il faut arriver à monter. Comment? C'est bon, normalement là tu l'as découvert. Ouais, il est pas pour monter. Non. Ah s'il est blanc quand tu le regardes, c'est bon. Ah c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a une petite ville juste en bas à gauche de chez nous, enfin à bas à droite de chez nous, le hameau abandonné. C'est quelque chose? Oui, oui, parce que. On peut visiter, hein. Tu sais, parfois ce sont des villes qui sont fonctionnelles, mais parfois c'est des villes en fait où. Ah oui, mais oui, oui, mais c'est une ville argonienne. Ah, c'est intéressant à visiter. Ah, c'est regarde, il y a même un mec qui est mort devant, c'est stylé. Mais voilà, ça c'est un hameau argonien, hein. Donc littéralement un tas de merde avec des fenêtres. Voilà, faut le dire. Et beaucoup de crocos visiblement. Ouais, on peut couper, hein, puis on peut se barrer. Ah bah non, on peut pas sortir. Ah, excusez-moi. Non, il faut sortir. Tu crois qu'il y a aucune sortie? Ben, ça a pas l'air, hein. Ouais, ça sent pas bon. Il y a un truc là en face. Bah, on te suit, mais. Il y a un chemin. Un chemin qui mène hors du village. Là, sur la droite. Sûrement pour la map après. Je vais me compter, hein. Ah, là, il y a peut-être moyen de gruger un peu, ouais. De grugiller. Ouais, ça grugit, ouais, ça grugit. C'est bon. Oh, et un bateau. Il est à qui ce bateau? Le gracieux dominateur. Mais... Ah, j'avoue, il est classe. Moi, je m'approche, hein, c'est la curiosité. Après, en plus, il y a une route, ça nous permet de couper. Il y a un camp derrière. Et bon. Là, on est où sur la map, là? Okay. Attends, et c'est un camp à qui? Recrue du domaine. C'est encore à nous? Ça le mérite. Recrue du domaine? Aldmeri? Non, je sais pas. Mais oui, en plus! Ah ouais, ça le mérite. Mais oui! Pourquoi ils nous attaquent? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là 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 là! Ah, peut-être parce que c'est une zone de quête, de pas du domaine. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est ça. Et là, il y a un truc souterrain, la cachette de Sandwich. Là, il y a une Nianro. Vous êtes allé où là? Moi au sud. Hein. Non, on est juste à côté. Ah. Ils osent taper un œil de lave. Ok, c'est où Bob? Je me défends contre une guêpe. Oh là là. Ça a pas l'air comme ça, mais comme la guêpe elle fait la taille de mon torse parce qu'on est chez les putains d'Argoniens. Forcément c'est pas les mêmes enjeux, tu vois. Tu vois, c'est pas une serviette et un journal ne suffit pas, tu vois. La pantoufle est insuffisante. Il faut une épée à deux mains pour affronter les guêpes comme ça. C'est l'Australie. Une bombe insecticide, c'est une vraie bombe. Voilà, c'est ça, c'est une bombe insecticide mais une TNT. C'est carrément impeccable. Voilà. Ici donc apparemment il y a un camp d'abattoir de cristal rempli d'ennemis bien évidemment. Ce serait trop con de rester cohérent dans son propre jeu. Du coup, le bourbier est tamisé. Il y a un éclat céleste sur ma position. Sur ta position? Ou ça, ou ça? Là-bas. Nice. Je crois que je suis à 2 sur 3. Ah, quoique, non, j'avais peut-être eu mon point de skill tout à l'heure. Je dois être à 1 sur 3 d'accord. Cool. C'est ça. Parfait. Et il y a un petit bouquin de la guilde des magiciens, Esprit des Dédras. Oh, oh, oh. Je les ai déjà lus ceux-là, mais ils sont plutôt pas mal. Ce que vous devez penser de nous, mort, défaite et terreur. Ce que nous pensons des humains. Votre chair est tendre et la chasse divertissante. L'homme est mortel et donc voué à la disparition et l'échec. Ah, ils sont saltis les Dédras. Ils sont saltis hein, que leur canne. Ils n'ont pas respecté les différentes variétés d'Argoniens. Je sais pas ce que ça veut dire par là. Oui. Non. En effet, je les ai pas respectés. Je les respecte pas si tu veux. Mais, voilà, voilà. Je suis plus intéressé par les variations cagites que les variations argoniennes. Mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Certains qui ont des plumes, d'autres qui n'en ont pas. Non, je crois que j'ai eu le même message et ça disait tu pourrais demander à Bob ce qu'il pense du fait qu'il n'ait pas respecté le lore sur les différentes variétés d'armes. Ah oui, c'est que... Ah, c'était que Bob qui avait pas respecté. Ah non, d'accord, ils l'ont pas respecté. Alors c'est vrai que moi de connaissance, il y a plusieurs différents types de cagites. D'argoniens, pardon. Mais tout comme ils n'ont pas respecté le fait qu'il y ait différents types de cagites. Genre une vingtaine. Il y a quand même des gens qui vont demander sur plusieurs chats de dire des messages à Bob. Ah bah mes excuses. Oh là là. En même temps, ça me rend viril, hein. Mon taux de dédain pour mon public est total. Du coup, ils ont soif, tu vois. Je parle mal. On parle à Taxalt. Allez. Oui. 3, 2, 1, clic. Pitié, je vous ai dit tout ce que je savais sur la gravure que vous m'avez montrée. Vous pouvez me laisser partir. Ah, j'ai fait ce que vous vouliez. À qui? À moi? Ah ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Je ne suis pas un garde noir. J'ai besoin que vous me répétiez ce que vous leur avez dit. Vous n'êtes pas... Oh non. S'ils vous voient me parler, vous devez partir tout de suite. Je ne veux plus jamais entendre parler de Margus Darius ou du crâne de Belacar. Si vous ne m'aidez pas, ils finiront par mettre la main sur ce crâne. Raison de plus pour m'enfuir le plus loin possible. Je sais à quel point ces reliques argoniennes maudites peuvent être puissantes. Si seulement j'avais assez d'or pour le voyage, mes pauvres pieds ne pourront pas me porter aussi loin. Alors j'adore sa voix, je tiens à le dire. Bah attends, attends, moi je l'aurais lâché, lâchons-lui du pognon, on va dire... tu vas voir quand elle va te demander 100 000 là. Oh. Vous devez bien pouvoir me dire quelque chose. Ils m'ont montré une gravure qui contenait d'antiques symboles argoniens. Je savais en lire certains. Ils décrivaient un rituel pour transformer des cylindres de méditation en clés. Une contribution à mes fonds de voyage pourrait m'aider à retrouver la mémoire. Ouais, bon, moi ça me fait marrer qu'elle porte plus de cuir que d'écailles, hein. Enfin bon. Du coup, Est-ce que cela suffirait à vous rendre la mémoire? 270. 300 balles, allez. Merci de votre soutien. Alors écoutez bien. Elle a pris 1000 là. Merci pour le don. Les cylindres de méditation sont cachés sur une île appelée Norgzell, mais je ne sais pas où elle se trouve. Ensuite, les Manteaux Noirs préparent un navire sur la rivière près des tombes profondes pour aller les chercher. Bien. Bon bah elle a été utile. Elle a été utile. Est-ce que quelqu'un veut bien l'exécuter, super, en utilisant la capacité de la guilde? Non, on peut pas, je crois. C'est un PNJ de 4, donc je pense pas. Oui, mais Krayn, ce que tu comprends pas, c'est elle a été utile. Le mot important dans la phrase, c'est terminé. Été, voilà, c'est ça, c'est ça. Elle ne l'est plus. C'est le passé qui est important. Alors, je me fais agresser, mais pas désarçonner. On s'en fout. Là, il y a une quête, mais on s'en pète. Là, il y a un... Oh non, je me suis fait immobiliser. Escalier. Ah, chiant, hein. Oh non, il me réimmobilise. Il m'enchaîne les flèches qui immobilisent. C'est trop relou. Et là, il y a un oratoire. Bon. Merci. laboratoire du bourbier tamisé. Au sud, il y a un... comment ça s'appelle? Une ancre. Vers laquelle je me dirige. Viril. Vas-y. Fais bien les ancres. Et il a l'air... oui, mais il n'y a pas de... C'est énorme. Il a l'air éteint. Bah c'est bizarre ça. Il y avait des joueurs qui l'ont fait, ça veut dire? Ouais, bah, certainement. Mais à personne. Normalement, elle commence quand on arrive. Bon bah, tant pis. Bon, c'est-à-dire, le pays des Argoniens est tellement pourri... De FF. Le pays des Argoniens est tellement pourri, même leurs artefacts d'Edric invoqués par des dieux hors de ce plan, ils marchent pas, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc, tu dis putain... Oh non. Ouais, t'as vu, tu t'enfonces avec ton cheval, tu t'es désarçonné direct. Hein. Ouais. Il n'y a pas de tapier ici. Hein. Non, c'est un bourbier. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Du mutinus élégance. Oh. Ah putain, il y a du matos de craft ici. Ah, si vous avez des choses à désenchanter, allons-y. Je regarde s'il n'y a pas un petit, petit bouquin de la guilde des mages qui traîne, mais non. Hop. Moi j'en profite, hein, écoute. Au niveau de la place, 124 sur 132, on est bien. Ça mériterait presque d'ouvrir une petite caisse. Ah oui, on peut. Y a pas de forge par contre. Ah si, juste à côté, très bien. On est d'accord qu'il faut désenchanter avec le personnage crafter. Ah oui, oui. Pas les traits sur tout le monde. Hein. Non. Ça c'est pratique d'avoir un personnage du coup. Genre qu'un seul. Oui. Ouais voilà, tu gagnes un temps fou. Bah, surtout que tu peux tout faire avec en vrai. Je crois que t'as assez de points de compétence. Si tu fais... Oui oui. Vétria elle a 1 million de points de compétence. Je crois que j'ai tout fait moi de mon côté. Tout désenchanté, je suis à peu près propre. C'est l'heure des caisses? Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a un atelier de tannage ou de couture? Bah, à l'entrée. Ouais, il me semble que j'ai déjà fait, j'ai un doute, je vérifie. Ouais, c'est bon, les caisses, allez, F3. F3. Les caisses! Bonjour. Les caisses! Vous êtes prêts, on en ouvre combien? 2. Allez. Pour être quand même. Allez, 3! Pas trop coupé. Allez, si tu veux. Allez, une! C'est parti, première! Allez, chaton, sauce-moi, boule de poil! J'ai mélangé, allez, fais-moi rêver, fais-moi rêver. Oh, une carte supplémentaire, c'est une carte quoi? Rouge! Oh, c'est une monture. Ok, me file pas la seule monture que j'ai du truc. Moi, j'ai eu une violette. Moi, j'ai eu le mendiant du festival. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, l'ours! Oh, j'ai eu! Yes, yes, yes. Bravo! Ah, je voulais l'ours, c'est parfait. Félicitations, félicitations. Ah, le nounours! Félicitations. Okay. J'ai un tatouage corporel que j'avais déjà. Dommage. Moi j'ai eu mendiant du festival, mais j'ai aussi le pouvoir de donner des bonbons, donc je mendie mais je fais semblant. Deuxième caisse. Allez chaton. Êtes-vous prêt à... Que de la merde. Allons-y. Une violette et une dorée. Et un chat que j'avais déjà. Ouais, un chien que j'avais déjà. Il y a vraiment quelqu'un qui... Un parchemin d'expérience. Et la dorée. Ah, j'avais déjà aussi. Moi, un memento que j'avais déjà. Ah, dommage. Ah, le parchemin d'expérience, j'avoue, il en fallait un, ouais. Krayn. Il en fallait un. Il en fallait un, oui. C'était garanti. Et après l'ours. Hein. Allez, troisième caisse. On va en faire une troisième. Ah, bah, oh, allez. Chaton sauce. Une violette. Chaton sauce. Oh, une légendaire. Oh oui. Les bois frontaux du grand cerf. Actif. Vous allez voir. Oh, j'ai encore eu la garde d'abat en doré. Oh, vas-y, c'est la troisième. J'ai une ours polaire en monture. Et un tatouage utérien frontal. Très bien. C'est bon, ça, l'ours polaire. Sur le principe, j'ai quand même eu en 3 caisses 2 dorés, 2 violettes, une... Ouais, j'avoue, t'as... J'avoue, hein. Bon, t'as le out, hein. Ouais. Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'as fait? Non, non, mais... 10, 20... C'est-à-dire tu peux pas tester mes accessoires de tête là. C'est le troisième que j'ai, Fox Minoso. Et Choupi Mimi qui nous dit j'étais en train de me dire que j'aimais beaucoup trop ces lives. Alors voilà, soutien. Merci beaucoup Choupi Mimi, c'est trop. Merci beaucoup. Alors, on vend des trucs. Voilà, parfait. C'est-à-dire tu peux pas tester là, j'ai un truc, c'est merveilleux. Là je me lie à la culture de désastre. Là c'est quand même fantastique. T'es un goire ? Non non non. Ah. Garde ma gueule. D'ailleurs, j'ai... Incroyable. Il fait partie de la famille désormais. Ah, ça y est, j'ai la crête de bienvenue. C'est le Lennon des bois. Il y a lui que j'ai eu tout à l'heure, qui est mignon, là, qui me suit, le petit... Ah oui, c'est cute. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon araignée, moi, attends. Je vais sortir l'araignée. Pas de raison. Et donc, la nouvelle monture... Ah bah, je l'ai déjà. Voilà. Ouais, et donc, c'est quoi ta monture, Désastre? C'est celle-ci, regarde. Ah, nice. Joli. Ouais. Il est beau. Belle ours, belle ours. Baston d'ours. C'est bien, ça me fait deux montures ours. Stylé, stylé. Regarde, Krayn. Ça en fait 3, c'est ça. Regarde sur ma gueule. Attends. Les petites cornes. Ah, trop stylé. Trop stylé. Magnifique. Alors là... Ah, voilà, c'est oui. Le casque à coup de boule. Moi, j'ai tout gagné. Du coup, en haut à gauche de nous, il y a une tombe profonde de vampires. Je propose de passer à travers, puis d'aller voir le deuxième gars qu'on est censé torturer, interroger. Je me fais attaquer par des feux follets. Et pourquoi j'ai moi aussi, je peux pas monter un monture. Il y a un mec qui s'appelle Baiser ici. Comment ça? J'invente rien. Oh, il y a une pierre sur notre gauche. Plein sud. Plein sud? Ouais. Ah oui, une pierre. C'est la pierre de l'Atronac. Ça fait quoi l'Atronac? Augmente la régène de magie. Oh bah oui, forcément. Ça va pas mettre très vite. Tout à fait. Fort heureusement, le marais ici est assez, assez peu plein pour qu'on puisse passer au milieu. Oui, ça va, ouais. Plutôt tranquille. Ouais, plutôt pas mal. Par contre, là, c'est profond. Et pour passer, ça nous amène à un campement. Et un campement qui nous est normalement allié, mais hostile. Ouais. Bon, bah très bien. C'est une bonne façon de passer le campement. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Par contre, l'oratoire d'Ismir, juste au nord. Ouais. Très bien, donc cette bouse. On monte, on monte, on monte. Voilà, on y est, impeccable. Et donc à partir de là, il y a un boss à notre droite et Dusgit à notre gauche. Que fait-on? Oh, Dusgit. On a assez perdu de temps comme ça, allons-y. C'était donc une question rhétorique. Je me rends compte que j'ai demandé l'avis de personne, hein, en mode allons-y. Voilà, très bien. Elle est là, Dusgit. Alors, où c'est? Ouais, tourne à gauche à la route. Ah, c'est bon, tu suis. Krayn? On dirait que Krayn, il pue. Oh, on a perdu Krayn? Krayn? Ah, on dirait, ouais. Ah, merde! Bon, bah... Bon. Bon. Moi, j'ai plus de caisse à ouvrir. Moi, non, enfin, moi j'en ai encore quelques-unes, mais je les garde. Du coup, bon, bah, slash site. Hein. Allez. Site 4, et puis tu profites du feu. Ouch. Il nous faudrait une petite tonnelle pour la pluie, là, mais bon. Voilà. Non, sinon il n'y a pas l'ambiance, tu vois. C'est Argonien. Ouais, c'est vrai. C'est Argonien. C'est The Elder Scrolls 6 Argonien, hein, qui sortira jamais. Non, parce qu'ils se sont dit, bon, bah, c'est plus difficile de vendre les Argoniens que de vendre les Rouge Gardes. Ce que je peux comprendre. Ah, il est déco du jeu, mais il n'est pas déco de Discord, c'est bizarre. C'est bizarre, hein. On me dit que ça bug chez Krayn. Ah, donc à mon avis, il s'est tapé un petit crash. Ouais. Petit crash log du plaisir. C'est pour ça. Bon, écoutez, du coup, on peut y retourner ce qu'on voulait. Allez, go. Okay. 3, 2, 1, kick. Si vous êtes encore un de ces maudits Manteaux Noirs, et c'est bien la bonne manière de prononcer leur nom, pas Manteaux Noirs, comme ils le prétendent. Enfin, ma réponse n'a pas changé. J'ai déjà déchiffré tout ce que je pouvais sur cette gravure. Maintenant, laissez-moi tranquille. Bah, pour le coup, j'avais pas fait moi la dernière fois. Vas-y. Je ne suis pas un garde noir. J'essaie de les empêcher de trouver le crâne maudit. C'est courageux de votre part. Peu oseraient s'opposer aux Manteaux Noirs. On y prend plaisir. Il va falloir faire vite. J'ai déjà interprété la portion de la gravure relative au rituel. Leur chef Margus sait comment récupérer le crâne maudit. Et comment va-t-il s'y prendre? En effectuant le rituel exactement comme la gravure l'indique. Je l'ai prévenu que ce serait dangereux. Un seul faux pas et le sort le dévorera. Bien sûr, il a besoin d'objets rituels pour concentrer le sort. Je n'ai pas pu déchiffrer cette section-là de la gravure, cela dit. Ah, que pouvez-vous me dire d'autre pour nous aider à l'arrêter? Écoutez, j'ai une famille. Si les Manteaux Noirs soupçonnent que je vous ai dit tout cela, ils la feront disparaître. Non, non. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce sujet. Donc là, je recule et je fais un signe de tête à Krayn. Si vous m'aidez aux arrêter, même si ça ne veut rien dire, vous n'aurez plus à vous soucier pour votre famille. Cela se tient. J'ai entendu les Manteaux Noirs discuter entre eux. Ils ont évoqué une expédition pour récupérer des objets rituels. Leur navire serait amarré près des tombes profondes, le long de la rivière. S'ils les trouvent et libèrent la malédiction, Tourbevase est perdu. Oh non, pas Tourbevase. Bon. Sinon, que dit le journal? Alors. Je veux bien un truc comme ça, tu sais, les PNJ qui parlent, il y a des trucs super importants. Puis au loin, t'entends une petite voix à chaque fois, quelqu'un qui dit oh, on s'en fout de Tourbevase. C'est ça, c'est ça. Une grosse perte. Nique Tourbevase. C'est le mec au fond comme ça. Putain. Au sud-ouest, il y a un éclat. Le feu. Les gens qui vénèrent en mode le feu. Oh merde, il y a des crocodiles. Oh merde. Qu'est-ce que. T'es juste venu faire coucou, j'avais tapé, il est reparti. Bah oui, bah nique, bah oui, voilà. Bien, c'est sympa, je vais me faire des copains et tout. Nique bien les chaussures qui lui servent de mère. Voilà, c'est tout. Moi j'en fais une ceinture, puis on n'en parle plus. Du coup, attends, il reste un Argonien à aller voir au nord de notre position. Mais, à l'est de notre position, se trouve un boss. Qu'on avait outrepassé sur l'allée, mais qu'on peut bien se taper sur le retour. Éclat, là. Quel éclat? Quel éclat? Sud-ouest. En bas à gauche. Je vois logiquement. Là où on est. Là où on est. Ah. J'arrive. Hein, Ah oui, tout en haut du temple Inca. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est un scénario maillard. Hein. Impeccable. Cool. On fait le boss de zone du coup. Il est où le boss? Oui, ça fait faire mythe. Ah, quoi que surtout. Il est à l'est. Attends, mais c'est quoi? Ah, lequel? À l'est, et après on peut rusher plein nord. Voilà. C'est ça. Ok. Bah, il était apparu. À l'est, bon, il est là. La caverne des Gracines. Donc j'imagine que c'est un gros crocodile à la con. Très probablement. Crâne des Gracines. Esclavagiste. Bon bah on a tout gagné. Allez, c'est ici. Aucune idée. Non, c'est quoi ça? Ah non, ça n'a rien à voir. Ah, il y a un livre. Ah, un livre? Oui, à côté de l'esclave. Combien de sauver? Vous avez tué ces idiots à la peau sèche, m'enchante les écailles. Mais de rien, un plaisir. J'ai fait ça pour le livre. Cool. Oh. 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 Oh, 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 est-ce que je peux le lire? Il 2 pages, et c'est important, ça parle du lore argonien. Vas-y. Parti sur le boss là, déjà c'est en bas. Non, je suis juste là. Je suis juste à l'endroit. Je peux lire le bouquin, bouquin. Bah on est devant le boss, donc si personne le tape... Bon d'accord. Il est en haut du coup le boss? Ou t'es passé dans la caverne? Ouais, il est dans la caverne. Bon, personne l'a attaqué pour le moment, donc tu peux commencer à lire. Il est où, Non, c'est trop tard, j'ai fermé le bouquin, vous vouliez taper le boss, donc... Ah. Tant pis. C'était Contes et légendes argoniennes. Ça parlait du Hist, en fait, surtout. Ah. Et le Hist, c'est beaucoup mieux que le jeu vous l'explique que moi je le fasse, parce que... déjà, je fais pas les consciences collectives. Et ensuite, le Hist, c'est un disque dur... C'est un cloud. Voilà. Ouais. Le Hist, c'est un cloud issu probablement de Citis, à mon avis. Ou alors c'est la même chose, mais... Ouh, d'où j'ai su. Oh. Mais c'est un Daedros. Mais c'est un Daedros. Mais il est gros en plus. Oh le bon. Ça fait très très mal, hein. Oh Polo. Ouh. Ah non, oula. C'est l'heure de passer à l'arc. Et de rester de façon oh, totalement safe loin. Oh putain. On l'a eu. Parfait. Oh putain. Il était solide lui. D'où Jésus. Oh level up. Félicitations. Ah. Et on était bien 15 sur son cul. Hein. Et c'était clairement pas un crocodile ou un argonien ou quoi que ça. C'était un Daedros. Ou un Daedros. Je crois ouais, c'est un peu un mélange entre un crocodile et un argonien. Oui mais vénère. C'est disons que lui, lui sa crête de bienvenue elle était dressée si tu veux. C'est pas. Donc qu'est-ce que t'as demandé? Non non j'allais dire c'est quoi ces jetons de changement de tenue que t'as au level 40 mais j'ai vu c'était marqué en fait dans le. Oui c'est pour le système de tenue. En fait ça fait tu peux faire une tenue personnalisée gratuitement. C'est ça ouais. Je vais vite faire regarder. Du coup, si les gens peuvent faire la recherche sur le chat et me clarifier si le Hist c'est bien un aspect de Citis ou même Citis ou une interprétation de Citis et si ça fonctionne comme je l'ai dit, c'est-à-dire si ça fonctionne comme un cloud à esprit qui sert aussi à la fois de hive mind et qui comment dire, ça overwrite la volonté des Argoniens présents. C'est-à-dire ça la supplante pas, mais ils sont d'accord avec, tu vois. Si un Argonien est loin du Hist, il va se sentir mal, il va se sentir seul. Et l'amélioration comme avatar pour voler. Oui, oui, Désastre. Excellente comparaison. Excellente comparaison, Désastre. Non, non, bien joué. Avatar. Je m'y connais un petit peu en Hist. Non mais là, Avatar et le Hist, c'est du génie. C'est du génie. Tu disais quoi, Krayn? Entre grêle infini et tir de barrage pour l'augmentation de volée. Grêle infini. Ah, en fait, tu prends le barrage. Tu prends celui qui dure le plus longtemps, en fait. Ouais. Enfin, dans les rotations de DPS, tu prends le truc qui dure le plus longtemps, comme ça, t'as moins à le relancer et ça, ça va plus dans le cycle, quoi. D'accord, ok. Donc, c'est grêle infini. Je te fais confiance. J'ai pris l'autre. Non, c'est pas vrai. Alors, armure moyenne. Ah, c'est bien ce que je pensais. Quelqu'un me dit, Azrael me dit, oui, le Hist est bel et bien un aspect de Citis et il est à la fois un cloud pour toutes les âmes des Saxils et le résultat de l'agglutination de ces dernières en une seule entité. Tout à fait. Et les Saxils, ce sont des âmes qui continuent à exister à travers les Kalpas, ou du moins leur mémoire. Est-ce que t'as compris la moindre chose de ce que j'ai raconté, Krayn, ou pas du tout? Ah là, j'écoutais pas, moi je faisais mon level up. Très bien, bon bah félicitations. Félicitations. On a trouvé Picha. Ah d'accord, moi j'étais encore en bas. J'arrive. Non, t'as le temps. Il y a des mobs qui traînent un peu, on tape dessus, ça se passe bien. Alors, oui, brave gens, ça lag sur le live, mais c'est pas de ma faute, c'est XSplit. Moi j'ai du 60 FPS, je suis bien. Donc regardez la VOD, bien évidemment, disponible sur Bob Lennon. Voilà. Et c'est la monture avec la tête en moins là qui fait des fois des haha. Probablement. Désastre. Alors là, j'ai jamais fait gaffe, c'est possible. Moi, ça fait 2 fois que j'entends haha. Mais genre. Ah ouais. Possible. La citrouille peut-être. C'est pas moi. Peut-être ouais. Quand t'appuies sur espace. Non. Ah peut-être quand j'appuie sur espace. Ou alors c'est le sprint. Ouais je sais pas. Ça t'es d'endroit où t'as pied il y a 2 secondes et après t'as pas de pied. Tu remontes, tu descends, tu remontes. Fais voir. Non, le sprint. Je sais pas comment j'ai fait à A. Ok, en tout cas je suis devant. Picha. C'est dommage qu'il n'y ait pas moyen de faire un feu de camp dans le jeu. Ouais. On attend quoi en fait? Je ne sais pas. Bob. Perdu, Bob. Oui, pardon, excusez-moi. Non, je lisais le chat et ça parlait des Argoniens, c'est pour ça. D'accord. Donc 3, 2, 1, clic. Oui, oui, je suis encore là. Où voulez-vous que j'aille, vu que vous ne me quittez jamais du regard? On dirait des chouettes cornues qui regardent une branche pleine de limaces. Ouais, dis ça à cause de tes cornes. Quelle antiquité argonienne voulez-vous que j'examine cette fois? Bah ça va, j'essaie de m'intégrer, moi je mets des cornes sur le front, c'est voilà quoi. Un effort. Bon, logiquement, c'est à moi après Bob, mais il y a une... Vas-y, vas-y, il y a eu un trou, vas-y, désastre. Je ne suis... Ah, vas-y, alors. Ah, vas-y, on reprend comme si. D'accord, je ne suis pas un manteau noir, mais j'ai besoin de savoir ce que vous leur avez dit. Pas un garde noir. Alors pourquoi devrais-je vous dire quoi que ce soit? À moins que vous ne soyez l'une des épines à leurs pieds, dont le chef se plaignait. C'est le cas? Êtes-vous une épine aux pieds des manteaux noirs? Ah, c'est vrai que c'est la voix de Titeuf. Je travaille avec les conservateurs cyrodiliaques, si c'est votre question. Alors je vais vous répéter ce que j'ai dit au chef. La gravure qu'ils ont trouvée dans l'idole de cauchemar décrit un rituel. Mais je n'ai rien pu déchiffrer à part l'emplacement sacré où il faut le mener. Norgzell. En argonien antique, cela signifie le lieu interdit. Vous n'avez rien pu comprendre d'autre à propos du rituel? Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que le rituel donne accès à l'endroit où est caché le crâne doré de Belacar. Et une fois que Margus obtiendra le crâne maudit, il pourra déchirer. D'après les légendes. Au revoir. Ok. Du coup, bah, faut revenir tout en haut. Faut retourner tout en haut. Bon, bah, alors, est-ce qu'on a un TP à débloquer dans le coin ou pas? Formidable. Oui. On y arrive, on y arrive. Alors du coup. Vas-y. Le TP où ça? Nord. Ouch. Sud-est. Sud-est, très bien. En dessous de l'arbre. Je me prends des pichtres. Il y avait des as qui se faisaient taper. Je descends d'une monture pour le taper. Et Désastre il est parti, il m'a abandonné tout seul. La base. Sud-est tu dis, je le vois pas. Il est bientôt là. Tu vas voir. Ouais, t'as un add-on. Ah ouais, je le vois, ouais. C'est ça? Oui. Oh là 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 là. Je le vois, je le vois, je le vois. Tricheur. Tricheur, Richard, Dixit, le gars qui se transforme en loup-garou et... Ouais, c'est clair. Ah oui, il y avait massé. Et le gars qui chope 3 légendaires et 2 épiques en 3 caisses. Ouais, mais je les avais déjà. Ok, très bien. Bassin d'incubation. Du coup, on se TP? Ouais. On se TP où? Tout au nord. Très bien. À Havre Tempête. En tout cas, c'est sympa la mécanique de loup-garou, hein. J'aime bien. Oui, ça a l'air formidable. Excusez-moi. Je suis pas convaincu de l'utilité. Ah, j'aime bien. Ça cogne vraiment fort le loup-garou ou pas? Ouais, en PvP c'est quand même assez puissant. Hein. Ah, ça pique. Puis il y a des sets particuliers qui font qu'en PvE ça peut être utilisé, enfin que c'est super fort, mais bon, il y en a très peu qui le jouent quand même. D'accord. Très bien. Nous y revoici donc. Nous y revoici donc. Donc on va pas du tout dans cette ville et on va dehors. Okay. Ouais, c'est toujours au bateau. Quel bateau? Complètement de l'autre côté. Ah oui, au nord. Oui, oui, le bateau de Gilar. Oui, on retourne voir Gilar, d'accord, tout va bien. Attends, c'est Gilar ou Gilar? Gilo. Gilo. Gilo? Oui. Non, c'est Gilar. Non, mais Gilar. Voilà, ils se foutent de la gueule aussi. Ok, très bien. Très bien, c'est Gilo. C'est Gilo, on lui parle. Mais il faut lui faire la voix d'argonien, tu vois. C'est plutôt c'est Gilo. C'était Jennifer Lopez dans ouais, voilà, ouais. Ok, ok. 3, 2, 1, clic. La vie est très différente de celle de Tourbevase. Je n'avais jamais compris à quel point la majorité des Argoniens vit dans le malheur. Et maintenant, les Manteaux Noirs empirent la situation. Vous avez pu aborder ceux que j'avais mentionnés? Oui, les Manteaux Noirs les ont forcés à déchiffrer une gravure que Margus a trouvée dans l'idole de cauchemar. Les Argoniens auxquels j'ai parlé m'ont dit la même chose. Apparemment, la gravure décrit une sorte de rituel avec lequel Margus pourra trouver ou récupérer le crâne maudit. Et que vous a-t-on dit de plus sur ce sujet? Le rituel emploie des cylindres de méditation et doit être mené sur une île appelée Norgzell. Intéressant, très intéressant. Ces mots signifient le lieu interdit dans la langue de Tourbevase. J'ai aussi appris que les Manteaux Noirs préparent une expédition pour trouver cette île afin que Margus puisse mener le rituel. Les Argoniens auxquels j'ai parlé m'ont également prévenu. Nous devons trouver ce navire. L'un des Argoniens m'a dit que 3 Manteaux Noirs seulement connaissent la destination et ne possèdent chacun qu'un tiers de la carte. Ah ! Ils doivent travailler ensemble pour atteindre le navire. Trouvez-en 2, je me charge du 3e. Oh, bon, au moins il fait un tiers du boulot, c'est pas rien. Ouais. Ah, et à l'autre bout de la putain de planète. Et l'autre est dans un donjon. Après, on peut se TP à l'oratoire de Loriazel. Dieu merci. Et l'autre, hein. Il est où? Il est où l'autre? Dans un donjon. Le donjon ah, oui. De Gandramen. Bon, on peut se TP à l'oratoire de Loriazel, ça m'a l'air bien. On peut même se séparer. Non. Moi, j'aime bien. Moi, je veux pas me séparer. CRP. On est en live tous ensemble. D'accord. CRP, ça force les gens à regarder double contenu. Et puis la quête avance 2 fois plus vite. On gagne un temps fou. Enfin. Et puis, soyons sincères, ils pourront rien nous envoyer que... Ah non, j'ai rien dit. Ok, le mec, c'est quand même un boss. Ouais, j'avoue que tout seul ou à 2, ce serait peut-être pas passé. Hein. Ah, puis c'est dans un donjon, on veut tous faire la guerre. Par contre, la musique est jolie. Hein. Jolie, mais flippante. Flippante? Bah c'est pas la joie si tu veux hein, c'est pas. Campement des esclavagistes. Ah. Avec beaucoup notamment d'esclaves. Le collier de rubis, cool. Un livre. Non, pas de liberté pour eux. Ah. Rentre à ça. Oh non! Rendra ça, rends-nous ça! Mais je l'ai pas fait psychologiquement, j'étais en train de lire un bouquin. Ces esclaves sont à nous! Enfin, ils sont à la liberté! Oh, et puis merde, qui j'essaie de tromper! Ces esclaves sont à nous! Et voilà! Libérons tous ces lézards. Level up. GG. Hop. Il y en a d'autres? Bah maintenant c'est le donjon. Bah oui mais je veux dire, il y a d'autres esclaves? Bah vous avez libéré les esclaves ou je suis le seul à aller sur les esclaves et faire secourir? Ah. C'est le seul. Mais vous avez eu le petit. Bon, je rappelle, c'est moi le génocidaire, hein. Mais je libère les esclaves. Alors je génocide, mais je libère. Ah, attends, je vois plus le fragment de carte, donc vous l'avez ramassé, ça a validé pour tout le monde. J'espère. Je sais pas. Enfin, moi je l'ai pris en tout cas. Ouais. Il y a un livre de la Guilde des Mages ici, je sais pas si vous l'avez eu. Oui, je l'ai pris. Oui, celui-là on l'a. Non, oui, là il y a plus rien, donc ça doit être bon. Bon, on va partir du principe que c'est bon. Hein. Une fois qu'on sera tous partis, je pourrais voir sur la map s'il me marque encore quelque chose. Non, il m'a marqué. Ça devrait être bon. Aïe. Oh, et moi je me fais des arses. Ah ah ah. Y'a pas de justice. Ça apprendra ton cheval à être un freluquet. Un ours. Ça lui apprendra. Bah, écoute. L'insulte ultime, tu sais. Avec la facilité que j'aurais à te désarçonner en lui pissant dessus, pourquoi pas, hein. Je parle mal. Ok. T'es déjà rentré? Ouais, dedans, hein, histoire de se mettre à couvert de toutes les mouches qui font. J'essaye de passer. Parce que j'ai récupéré mon loup-garou pour pouvoir passer mon petit level 4. Ah oui, c'est vrai que ce serait bien. Et tu voudrais qu'on te mette en tête de pointe? Que je passe devant, c'est ça? Ouais, bah oui. Comme ça, tu seras moins à courir après tous les mobs en mode attendez. Et puis on te laisse avancer, tu vois. Pour voir où est mon compteur, je vais avancer. Après, tu peux l'afficher dans les paramètres si tu veux, le pourcentage, je crois. Et donc des ruines aléides. Ah. Donc ça veut dire que les aléides, en tant que civilisation, à un moment ils se sont dit, voilà le Marais Noir, ce serait intéressant de s'y installer. Putain, les aléides quand même ils étaient safe. Hein. Ah non, je l'ai pas encore. Et tu peux, Krayn, tu peux afficher tout le temps ta barre de skill aussi si tu veux. Bah justement c'est bien qu'elle s'enlève des fois je trouve. Ah, il me manque quasi rien, genre 3 mobs et c'est bon. Comme si quelqu'un l'avait gratté avec un outil spécial. Il y a l'éclat ici. T'as déjà trouvé l'éclat? Bah elle est à l'entrée. Ah mince, je les appelle. Attendez, ouais. Je développe mon skill, ça y est. Il y a une fille qui s'appelle Zahra. Enfin, c'est un chat, mais. Je reviens. Elle nous offre une caisse et je pense que je vais pas la refuser. Bibliothèque aléide. Elle est où l'éclat? Ici, là. Où ça? Ah oui. Oh, comment je l'ai zappé. Mais vous parlez... Laisse-moi prendre mon éclat tranquille. Vous parlez... Non. Oh, en plus pour reset. C'était tellement gratuit. Énervant, ça. J'avoue. Bon voilà, l'éclat est pris et j'ai le loup-garou qui est dispo. Parfait. Attendez, il y a une quête là, juste là. Mais on va pas prendre la quête. Bah c'est forcément dans le donjon, c'est de l'XP gratos, ah oui, c'est pas... Ouais. On crache pas dessus, non? D'habitude on les fait. Vas-y. Pour ça, ok. Oui, non, t'as raison. 3, 2, 1, clic. Par l'ombre de Rajin, Zahra vous a pris pour un nouveau monstre qui venait. Ne prenez pas Zahra par surprise. Oh, j'adore les Kajites et les Argoniens qui parlent de même à la troisième personne. C'est tellement adorable. T'as juste envie de lui tirer les oreilles et faire bouti, bouti, bou. Pardon. Que faites-vous? Zahra vous interroge, vous le rôdeur qui tente de s'approcher discrètement. La prochaine fois, présentez-vous. Zahra aurait pu vous déchiqueter de ses griffes si elle l'avait voulu. Qu'auriez-vous fait alors? J'écoute. Je vous ai pris pour l'un d'eux. Qu'aurais-je fait? Je te ressaisis par la peau du cou entre mon pouce et mon index. L'un d'eux. Cet endroit regorge de serviteurs des seigneurs de la Fange, abandonnés là lorsqu'ils créèrent la couronne d'ascension. Zahra est venue pour cela, sans s'attendre à une telle résistance. Vous voulez bien m'aider, n'est-ce pas? Zahra vous récompensera largement. Pourquoi pas, mais attention, pas de coups fourrés. J'ai une gourde d'eau et je n'hésiterai pas à m'en servir. Ne faites pas de bruit. Les sbires des seigneurs de la Fange servent leur maître avec zèle. Ils pourraient nous rattraper en un battement de queue. Bon. Eh ben, c'est tout. Allons-y, hein. De toute façon, on va pas... Hop. Très bien. Je pense que tu peux te transformer, Krayn. Ah, il va y avoir pas mal de monde. Ah, super. Donc, on suit Krayn et on le... Attends, Krayn, t'es le loup blanc, c'est ça? Ouais, ok. Ouais. Ok. On le suit... On le laisse aggro, on le laisse attaquer, on bute ce qui touche et puis on le laisse manger. Ah bah apparemment il y a des... Ils sont tous morts. Ah. Ouais, quelqu'un là, c'est quoi? C'est un joueur ça? Ouais, au milieu là. Ah, c'est bon. Il y en a même deux. Ah, il y en a un deuxième. Ouais bah du coup je dis que je fais ça et les gens ils font pareil. Ah. Ah, voilà, ils se disent pas, je peux aller dans un autre donjon, je peux... Ok, c'est par où? On suit, on suit. Il y a des mecs à gauche si jamais, trop tard. Donc. Ah oui, jusque là tout va bien. Un autre. D'accord, ok. Nourris-toi. Nourris-toi, chaton. Fais-toi plaisir. Voilà. Je vous laisse voir pour les quêtes. Hein. Là, je me concentre sur. Oui, bien sûr, bien sûr. Putain, il y a des livres partout. Bah, il y en a même pas qui est là. Ah, putain. Bon, c'est pas grave. Je rappelle, il faut que Krayn ait un hit. Guild des guerriers niveau 5, ça n'a rien à voir. Avec le plaisir quand même. Attends, mais moi je suis inscrit à la guilde des guerriers, je gagne pas de level? Ça va venir, ça va venir. Si, si, tu le vois en bas à droite, à chaque fois tu prends de l'XP là. Ouais, j'ai mort vivant. Ouais, mais je le vois pas, donc. Bon, culturel. Bon, attends, guilde des guerriers. Oh, je suis level 6. Ouais, non, si, si. Ouais. Faut monter là? Je pense qu'il faut monter. Allez, vite. Là, le banc là. Ça te fait gagner. Ah oui, le banc, j'ai oublié. Ah, vas-y là. Comment on fait ? Donc là. Ok, c'est bon, ouais, je gagne de l'XP, c'est bien. Le banc. Voilà. Hop. Mob. Je crois que c'est le bon. Trop près. Ah, encore. Ok, je te suis. Ok. Joli. Ok. Là-bas. On est pas mal. On est pas mal. Hein. Et on est pas mal. Il y a une petite araignée. Voilà. Écoute, là il y en a plein. Yeah, je peux pas sauter. Je peux pas sauter. Si, c'est bon. Du coup, j'ai pas pu en taper un, c'est pas grave. Bon, t'as les deux. Il est pas encore mort. Ah, c'est bon. Nickel. Donjon. Ok. Là il y en a. Allez, saute. Il arrive pas. Si, il a réussi à la fin. Après, des fois, si tu sprints, t'as peut-être plus de vigueur pour sauter, des fois. Ah, c'est peut-être ça, oui. Non, voilà, il voulait juste pas. Sinon, on fait des attaques lourdes, et comme ça, ça te remet de la vigueur. Mange-les. J'ai pas mangé. Attention au piège là. Ah non. Bon, de toute façon... Oh là là. Ennemi là-bas, vite. Attends, je vais sauter. Je peux pas. Vite. Oh non. Mange. Mange. Il veut pas manger. Il mange. Tout va bien. C'est bon, on est reparti. C'est bon, ça te donne quoi, 10 secondes? Je sais pas, mais... Bon. Par contre, le jump, je suis full et il veut pas faire le jump, quoi. C'était boss, ça? Aucune idée. Ouais, c'était. C'était... Le seigneur de la fange est mort dans son caca. Ok, je suis quasi full. Là, par contre, j'espère que t'es content, hein, parce qu'il y avait des étagères de livres sur tout le donjon, hein. Putain. Ah d'accord, je viens de comprendre. T'es ralenti magiquement. C'est parce que tu sprintais, du coup tu pouvais pas le lancer, c'est ça? Non, c'est compliqué. Okay. Bon, mes skills sont sur un joystick et en fait le joystick était mal orienté. Ah. Faut prendre ça. Attends une seconde, tout doux. Parlons à chaton, vous êtes prêts? Ouais, c'est Zahra. 3... Ah merde, t'es obligé. 3, 2, 1, clic. Zahra était inquiète, mais nous avons réussi. À nous la couronne d'ascension. Attention chaton, avec tes oreilles ça rentre pas. C'était à qui? Et maintenant? Très bien. Attention, y a rien. Hein. Allez à Alten Corrimon pour la faire examiner. Zahra a déjà eu affaire au capitaine Un œil par le passé. Elle est rusée, mais Zahra sait comment s'y prendre. Prenez votre récompense. Vous resterez gravé dans les mémoires, car Zahra comptera cette histoire. Soyez-en sûrs. Cool. Oh non. Et donc, si je vais voir mes skills... Alors c'est dans... Quoi, c'est dans le monde? Ouais, c'est dans le monde. Ah oh, mais il me refait pareil, je suis quasiment level 5. En même temps, si à chaque transfo tu gagnes un level, ça va, hein. Alors... ça va, ça va. Qu'est-ce que ça fait, rage santé lunaire? Parce que vous infligez des dégâts, la durée de la transformation en loup-garou augmente de 2 secondes. Cet effet ne peut avoir lieu qu'une fois toutes les 5 secondes. Oh, c'est bien. C'est fumé. C'est complètement pété, j'espère que tu t'en rends compte. Invoque la bénédiction de chasseur pour vous soigner de 42% de votre santé maximale. C'est fumé. Mais attends, il y a quelqu'un qui a deux loups, il est blanc, mais ses loups ils ont une autre couleur. C'est parce qu'il est joueur 2, casse pas les couilles. Impeccable. Bon, bah plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bon, du coup, j'ai pas trop suivi. Enfin, là, la quête qu'on a fait, oui. C'est bon, on a vu les... Oui, parler à Concordia Mercurius, c'est bon. Ouais, j'ai récupéré le fragment. Ah, tu l'avais pas? Non, non, mais le fragment pour la quête. Et oui, et tout à l'heure, je sais pas pourquoi ça l'a pas pris. D'accord. Donc on peut sortir. Stylé. Stylé. Ah ouais, non, j'avoue, avec ce passif, déjà, ça va changer la donne. Hein. Ah, t'as pris lequel, du coup? Bah, celui qui rajoute 2 secondes toutes les 5 secondes. Ah ouais, voilà. Après, ça passe à 4. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et du coup, en faisant ça et en se nourrissant, il y a moyen d'être très longtemps en loup-garou. Ah, ça doit être rigolo. J'aime bien. Du coup, faut remonter en haut de la map. Bah, du coup, on va sur le côté, là, l'oratoire. Ah ouais. Ah oui, il a encore fait le... ouais, par contre... Alors, on devrait pouvoir rejoindre la route par là. Ah, vous êtes parti? Ah oui. Ah bon, bah, moi j'étais occupé. On t'a laissé jongler. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je me suis fait avoir. Du coup... Hop. 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 Après, tu peux nous rattraper en payant un TP. Oh. Ça a bien se passer, ça a bien se passer. Où est-ce qu'on... Où est-ce qu'on cherche à aller? En haut. Au nord encore, comme tout à l'heure. Oh, bah d'accord, allez, 100 balles. Hop. Ou sinon tu t'épais sur moi, j'y suis déjà. Oh bah formidable. C'est gratuit. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire dans la quête? Il me semble que c'est bientôt terminé. Bah il me semble qu'une fois qu'on aura les 2 fragments, enfin les 3 fragments de la carte, on saura où ça se passe, on y va, on fait... Halte là, mon gaillard, ce que vous faites a l'air hautement illégal. Exécutez la totalité de la population argonienne, mais ils sont dignes d'être nos esclaves, pas exterminés. Et là, on lui coupe la tête, et puis good end, et puis on rentre chez nous, on baise nos femmes, et puis voilà quoi, c'est... Fin. The end. Ah, c'est ça, le mec, t'es kéké. En mode Demolition Man. En mode Telvanni. Voilà. Technique Telvanni numéro 5. C'est quoi cette maison? La maison de Tarvinil. Déverrouillée, simple. Ou sinon, tu viens parler au PNJ devant lequel on attend depuis tout à l'heure. Ah, je suis désolé, la curiosité... Parce qu'il est déjà minuit 40 et on n'a pas fini la quête. La curiosité de savoir à quoi ressemble l'intérieur d'une maison elfe noire dans un environnement argonien. Arrêtez d'agir comme un imbécile. Ok, ça ressemble juste à une maison elfe noire, très bien. Ma curiosité est satisfaite. Très bien. Oh là là, elle nous montre le boule. Adorable. On va pas se plaindre, hein. Un peu surprovocante. Oh non, bah, on va pas se plaindre. Ok. Ce qu'on voulait. Allez. 3, 2, 1, clic. Gilar m'a informé de ce que les Argoniens vous ont révélé. Il m'a aussi donné une partie d'une carte. Avez-vous trouvé les 2 autres morceaux? Je vais retrouver ces fragments de cartes. Laissez-moi regarder. Je suis assez doué pour ce genre de puzzle. Ça va là. Ça, ici. Ah, il y a 3 morceaux en même temps. La carte est finie. Mais sans point de départ, nous pourrions être n'importe où dans le sud de Fangeombre. J'aimerais avoir davantage de temps. Mais qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Eh bien, d'après ce que les Argoniens vous ont dit, Margus connaît le rituel. C'est où trouver les rituels de méditation et connaît l'emplacement de l'île interdite. Nous manquons de temps. Vous devez utiliser cette carte pour trouver le navire des Manteaux Noirs. Hmm. L'un des Argoniens a dit que le navire était ancré près des tombes profondes. Cela rétrécit la zone à fouiller. Oh! Trouvez ce navire et arrêtez Margus avant qu'il n'y accomplisse son rituel et libère la malédiction. J'aimerais que nul ne détruise Tourbevase. Oui, enfin, Tourbevase serait le dernier de tes inquiétudes, hein. La moitié de cette région a failli être ensevelie sous la cendre à cause de l'explosion que Vivec a empêchée. Vous vous souvenez, la lune, tout ça? Donc, j'ai envie de dire, oui, c'est pas... Bon. On va se taper à l'oratoire du bourbier tamisé. Ouais. Go. À tes souhaits. En bas. J'y suis, si tu veux te taper... Après, ça va plus vite de le faire... Sinon, il a un chargement. Ah là, ouais, c'est vrai. Pourquoi il a un chargement? Bah, des fois c'est court, des fois c'est. Ah, c'est le mystère. Je suis TP à l'oratoire qui était en face. Par respect de contradiction. Double stream, il faut aller voir les deux épisodes maintenant, c'est obligé. Regarde, j'appâte le chaland qui regarde tes épisodes. Waouh, je vois des trucs exceptionnels. Genre, il y a des souches d'arbres et tout. Une VOD aussi, Désastre? Mais ouais, je pense que à partir de Murkmire, je les mettrai aussi. Ah bon, bah faut triplement appâter le chaland. Ouais. Ah, bouquin de la guilde des mages ici, Bob, si tu veux. Dommage. Les portes d'oblivion, tu veux pas? Ah bah il est juste à côté. Ah, quelle chance. Ah, dans le camp là. C'est les portes d'oblivion, deuxième partie. Les portes d'oblivion, tome 2. Oh, et c'est une histoire de Divatsphere. Et guilde des mages rang 4. Ça monte, tout ça. Je sais pas s'il y a des trucs à prendre en guilde des ou guilde des mages, il n'y a aucun passif qui peuvent être intéressant. Ouais, seulement si c'est très spécifique, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Ouais, c'était. Ouais, il y a des trucs intéressants, mais ouais. Ça a l'air extrêmement spécifique, hein, mais personnellement je trouve pas que ce soit... Si c'est juste... le truc c'est que ça demande d'avoir tel ou tel skill dans la barre. Bien sûr. Et ce qui est bien, c'est de voir quels sont les... Justement les passifs que tu peux gratter à droite à gauche, qui sont des... Même si c'est des bonus spécifiques que tu peux prendre. Et bien sûr, mais t'as pas besoin de faire ça si tu veux juste t'amuser sur tes os. Moi je veux m'amuser, je veux bien dépenser mes points. Oui, voilà. Alors Gilar. Par exemple, pour un vigueur, l'ultime de la guilde des guerriers est pas mal. Ok. 3, 2, 1, kick. Bien, vous êtes là. On dirait que Margus est déjà parti pour l'île, mais les Manteaux Noirs s'apprêtent à lui envoyer des renforts. Nous devons nous embarquer clandestinement dans le navire pour rejoindre Norgzell. Désastre. Mais... Ah pardon. Non, c'est à moi. Pardon, mais je... ouais, arrête. Mais nous ne savons pas où se trouve l'île. Non, mais le pilote du navire le sait. Il suffira d'embarquer et de le convaincre de nous aider. Je doute que les Manteaux Noirs inspirent beaucoup de loyauté à leurs subalternes. D'accord. Allons convaincre le pilote de nous mener à Norgzell. Bon. Acquisitionner le navire des Manteaux Noirs. C'est lequel? Juste là. Ah bah d'accord, très bien. Il est là. Ok, bon bah 3, 2, 1, clic. Ne me faites pas de mal. Je ferai tout ce que vous voulez. Désastre. Très bien, pouvez-vous nous amener à l'île de Norgzell? Vous voulez aller où? Vous savez que cette île est interdite, j'espère. Oh, ça va mal se terminer. Vos armes sont convaincantes, cela dit. Mais sachez que ça grouille de Manteaux Noirs. Je suis prêt à partir. Bon, bah très bien. Merci. Les alertes ne marchent plus depuis que j'ai eu ma coupure d'électricité, hein, je vous préviens, c'est dans les choux. Hein. Ah, j'avoue. Donc, mais merci beaucoup, Moraz. Mais si, je suis désolé si jamais j'ai loupé des alertes, mais merci beaucoup, Moraz. Et bim. 3, 2, 1, clic. Clic. Juste pour te faire chier. Juste pour te faire chier. L'île interdite. Nous devons trouver Margus et les Manteaux Noirs. Ça a l'air joli, en effet. Eh ben c'est sympa tout rond ici, allons-y. J'aime bien le petit soleil là, tout ça, non, on est bien. Et je pense que c'est une... Enfin, ça sera comme ça à Murkmire, parce que j'avais jamais vu cette zone avant. C'est chouette. Inspecter les sites de fouilles des Manteaux Noirs. Bon, bah on y va et on bute tout ce qui bouge. C'est ça. C'est parti. Boum. Bon, effectivement. Alors là, il y a les nouvelles. Oui. Il y a les nouvelles plantes de Murkmire, là, comme ça, des plantes carnivores, quand on passe à côté, en fait, ça fait du poison ou. Bon, bref, c'est de la merde, c'est bien. Oui. Pas compris. Eh bon. Accompli, inspecter les sites. Putrescence démarrée. Oh, un zombie. Un zombie argonien maya inca, sublime. Enfin, je dis sublime, mais casse les couilles, mais sublime, tu vois. Ah là là. Comment c'est faufilé entre les crocodiles. Ah bah moi je me les bourre les crocodiles. Il y a un âge mota là, il rigole pas là. Ah oui. T'as 3 en plus, mais... Ouais. Voilà. Un Wamasu juste à côté. Fusil AP au Wamasu. Oh le Hmota. Et vous avez pas 1v1 Hmota? Bon, je sais pas, il est là dans son élément naturel. Mais il est tellement classe. Il est heureux. Bon. Bon, allez foutre la paix, vous avez raison. Allons-y. Boum. La gifle. Sympa ce gros temple, hein. Allez, tac, tac, tac. C'est normal, hein. Voilà. Bah y'en a un juste là. D'accord. On lui va mettre un petit peu de kinyuku dans la gueule. Voilà, qu'est-ce que tu... Ah oui. Ah ok, très bien. Attends, il y a un papier. Où ça? Instruction des Manteaux Noirs, 3. On aura des 2. Très bien. J'attends impatiemment votre retour au Xanmi antique. Rassemblez les 4 cylindres de méditation et rapportez-les-moi ici. Rappelez-vous, ces antiquités argoniennes sont essentielles pour le rituel que je dois mener. Et lorsque je commencerai le rituel, veillez à ce que tous les Manteaux Noirs restent hors de la chambre. Toute interruption pourrait perturber le rituel et libérer la malédiction de Belacar de manière anticipée. Et ce serait grave. Marius, machin truc. Très bien. Donc effectivement... Effectivement. Et pourquoi il veut détruire le Tourbenoir? Enfin, non. C'est pas pourquoi il veut détruire... Ça, je comprends pourquoi il veut le faire. Parce qu'il est très très méchant. Mais dans quel but? Non, c'est pas une question de méchanceté. C'est pas une méchanceté. Krayn. Quand l'exterminateur, il vient... Est-ce qu'il est méchant ou il fait juste son travail? Je dirais même, est-ce qu'il est méchant ou il fait juste son devoir? On peut parler à Billy si vous voulez. De... Allons-y. Pas grand-chose. Oh, il fait le rituel derrière, regarde, il danse. Oh là 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 là. C'est stylé. Ok, il fait la Macarena. Ok, 3, 2, 1, clic. Vous voyez ces piédestaux? La manière dont les cylindres pris dans les reliquaires y sont posés? Margus s'en sert pour concentrer son rituel. Vous pourriez peut-être l'interrompre en tournant les cylindres pour qu'il rentre dans les piédestaux? Bon. Eh ben il faut interrompre Margus de Game One. Enfin de Game One. Là, prévoyez la crème solaire et tout. Hein. Facile. Les roulades, les roulades. Bah, il y a toi. Oui. Hop, molester, ensuite. Bam. Tac. Les gifles sont réelles. Ok, qui d'autre? Là, un zombie de la nuée, super, un zombie argonien, il manquait plus que ça. Top sexy. Ah oui, ça... Putain, ils sortent de la flotte. Eh ben. Belle saloperie. Oh, Xayul le Destructeur. Alors ça, c'est même pas un Dédros. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est sans doute un type d'Argonien. Putain. Ouais, c'est un Argonien, ouais. On dirait un peu Godzilla. Non, c'est un Argonien, c'est un Argonien. Maintenant que j'y pense, j'avais lu qu'il y avait des types comme ça. C'est comme les Khajiits. Bon, après, ça nous a pas empêché de le molester, si tu veux, mais... Oui, t'es voilà. Gentil. Montre sur le lézard où est-ce que le méchant humain t'a touché. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit restez à l'écart. Maintenant. Il est explosé. Oh le con. Ha. Mais c'était qui? C'était pas Margus? Si, c'était Margus, le débile. Oh bah vas-y, on n'a pas fait tout ça pour le voir mourir en 2 secondes en regardant. Eh bah il est con, il est con. Est-ce que c'est de sa faute? Bon, la réponse est oui, mais... Extraire le cylindre. Désastre. Les 4 éléments. Le feu, le carré dedans le carré, le rond dedans le rond. Regardez. Tuer ces monstres donne accès au cylindre du rituel. Le triangle dedans le triangle, le jaune dedans le jaune, le rouge dedans le rouge. Allez-y. Le zombie dedans la masse. Attends, je vais me transformer. Ah, il y en a quelques. Le rouge garde dedans le loup-garou, les méchants dedans le loup-garou. Action. Chaque cylindre que vous retirez arrête une autre partie du rituel. Ah bah, je crois. Voilà, level 5. Vas-y, désastre. Le cylindre dedans le cylindre. Il y a des mobs, il y a des mobs. Mais vire le cylindre. Non, non, on peut pas, il faut tuer tous les mobs. Mais vire-le quand même. Qu'est-ce que c'est cette inefficacité? Voilà, bam. Enfin. Ça a marché. Encore un cylindre et le reste de l'énergie devrait se dissiper. Il y a un gros boss après ou pas? Il paraît. Très bien. Non, pour savoir si je lâche mon ultra maintenant ou... Garde-le. Vas-y, 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 le rond dedans le rond. Non, putain, il y en a... Ah. Ah, il y en a beaucoup sur la fin. C'est bon, le rond dedans le rond, le carré dedans le carré. Vas-y. Cool. Cette chambre là, éliminez le gardien et prenez le crâne. D'où Jésus. Yeah. Nique-toi. Voilà. Fais voir, attends, le prends pas. Laisse-nous le regarder d'abord. Ah ouais, je... Oh là 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 là. Effectivement, c'est difficile de se demander s'il a été manufacturé ou si c'est bel et bien le crâne du grand mage qui serait changé en or, hein, parce que tu te dis... C'est bien fait. Hein. Ouais. Tu te dis, c'est pas improbable en fait. Tu vois que dans le monde des Elder Scrolls, un mec il est son crâne. Je suis désolé pour ta transfo en loup, hein, mais là il n'y a plus de mobs, c'est fini. Ah non, c'est très bien. Très bien. Voilà, reviens parmi nous. Et je dis donc voilà quoi. Donc tu te dis, est-ce que c'est manufacturé ou est-ce que c'est vraiment le crâne du sorcier? Oh là là, il est beau. Ah, il est beau. Bon, qui le touche? Vas-y, désastre, c'est un argonien. Allez. Prends des risques inconsidérés. Et merde, c'était un mur porteur. Non, c'est bon, tout va bien, tout va bien. C'est juste la porte de sortie. C'est ça. Barrez-vous. C'est level 6 pour mordre les autres, apparemment, on me dit sur le chat. Sûrement, faut voir dans tes passifs. Tu ne sais plus. Tu peux te soigner d'être loup-garou? Oui, faut l'enlever, ouais. Faut aller voir un prélat de la guilde des mages. Ah, intéressant. Ah bah je t'achèterai peut-être alors. C'est vraiment très sympa. Aïe. Et en vrai là on fait les quêtes tout ça, mais je me vois bien farmer pendant 2 heures dans un donjon. Attends. Juste pour monter les levels. Gilar d'abord. Si tu veux je te montrerai une zone. 3, 2, 1, clic. Allez-y, vite, je vous retrouve sur le bateau. Bon d'accord. Il mange une pomme, il est détendu, hein, sa malédiction et tout. Ok. 3, 2, 1, clic. Que se passe-t-il? Vous voulez que je vous ramène à Fangeombre maintenant? Bon bah, on se casse. Allez. Lorsque j'aurai regagné Fangeombre, je pense que je mettrai le bateau sur la terre, mais bon. Destination la plus éloignée possible de Tourbevase et des Manteaux Noirs. Je me demande ce qu'il y a après le bord de la carte, à l'ouest du couchant. Bon, on est prêt à rentrer. On est prêt, ouais, cassons-nous, ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. On t'a dit qu'on voulait se barrer, on n'a pas le temps. Couchant, alors il y a quoi au bord de la carte à l'ouest du couchant? Alors l'ouest, c'est à gauche. À gauche du couchant, c'est pas la Piandonnée. Non, attends, j'ai de la merde. Non, Yokuda. C'est pas là où se trouve Yokuda, à gauche du couchant? Ou ex-Yokuda, si c'est toujours encore... Bah, à gauche du couchant, c'est comme la Terre, il n'y a rien, tu tombes. Non, ah non, 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 ah, oui, non, mais, oui, non, mais bien sûr, mais... Non, 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 il y a un continent, hein. Tout comme il y a un continent au nord de Bordel-Ciel. Ouais, c'est Yokuda. Ouais, c'est ça, c'est Yokuda. Donc, les Yokudans, c'est de là que viennent les premiers Rouge-Gardes. Même s'ils ont été transportés par le Kalpa précédent, mais bon. Tiens, on me demande, est-ce qu'un zombie argonien est toujours connecté au Hist? Ah bah non, il est mort. Il est mort. Et puis un zombie... Oh, non, attends. Mort vivant. Il faudrait revenir aux explications que je vous avais faites d'Agoture à l'époque pour vous expliquer le principe d'un zombie, voilà, en fait. Et pourquoi Dagoture était une abomination comparée aux zombies normaux, aux gens qui dorment normaux ou aux gens qui sont éveillés dans Mundus. Mais... ouais. On va outrepasser ça. Non, ça me prendrait un petit quart d'heure et il faut que je relise mes notes parce que c'est voilà. Mais par contre, un argonien vampire sera toujours connecté. Logiquement, oui, sauf qu'un argonien vampire sera l'esclave de quel sera l'esclave de ah, celui qui fait les encres et qui est chiant. Molag Bal. Merci. Molag Bal. Voilà, parce que techniquement, les loups-garous sont à Hircine, ceux qu'ils sont à Hircine, et les vampires sont à Molag Bal, ceux qu'ils sont à Molag Bal. Le premier. Mais tu peux être vampire et détester Molag Bal. Oui, mais c'est difficile pour la bonne simple raison que Molag Bal contrôle ton essence. C'est comme Molag Bal, c'est méga Dracula si tu veux. Voilà. Et tu peux pas ne pas obéir à méga Dracula quand t'es vampire. C'est comme ça. Les premiers vampires ont été créé par littéralement Molag Bal qui viole avec son sexe des gens lors d'un rituel. Voilà. C'est des proto-vampires. D'ailleurs, Serana, dans Skyrim, fait partie de ces gens-là. Elle et sa mère. Elles se sont fait défoncer par Molag Bal. Mais tu me diras, c'est un thème très courant dans les Elder Scrolls. Hein. Vivec a eu du sexe avec Molag Bal. Il a eu du sexe avec Molag Bal tellement fort, il a fait 50 enfants, il en a buté 49. Voilà. Avec la bite de Molag Bal, qu'il a transformée en lance. Donc à un moment... C'est qui le 50e ? Celui qui a réussi de fuir, c'était celui qui bougeait comme... tu sais, il y a plein de trucs, il y a celui qui bouge comme les épices, celui qui bouge comme le son, celui qui bouge comme les feuilles. Il y avait un truc de merde, et en fait, il y en a un, c'est celui qui bouge comme quelque chose, et Vivec l'a pas chopé encore. Mais ah, dans son bouquin, il dit encore, yet. Il précise qu'un jour, Vivec, il va y aller, il va le démonter. Tu vois. Après, Vivec, il a eu du sexe avec tout le monde, donc ça compte pas, c'est vrai. Enfin, et les enfants, ils sont obligatoirement corrompus ou je sais pas. Bah, c'est les fils à Molag Bal, alors Vivec, pas Vivec, à un moment, il faut s'en débarrasser vite si tu veux. Eh oui, mais c'est les enfants, ils sont pas forcément comme le papa. Ah, mon gars, on parle d'un principe donjon et dragon, c'est-à-dire il y a des choses qui naissent qui sont fondamentalement mauvaises. C'est-à-dire il n'y a pas de l'alignement réel, tu vois, il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de quoi que ce soit. Il peut, si tu veux. Mais là, non. Surtout qu'en plus, les enfants de Molag Bal et Vivec étaient des concepts d'Edric. Donc, s'il y a un mec inné et que son concept, c'est le mensonge, il va difficilement être honnête, le gars. Au moins, il aura l'honnêteté de te mentir. Parce que dire, c'est pas... Non, mais tu vois, à un moment, voilà, quoi. C'est pour ça, donc... Bon. Voilà. On lui va aller. On parle à Concordia. Et Vivec, c'est le premier truc qu'il a fait une fois qu'il a enfanté ses gosses. Il a dit à Molag Bal, il a dit je suis désolé, mais je les laisse vivre pendant une semaine où on fait la fête pour fêter leur naissance, et après je les bute tous. Et Molag Bal, il était là, ouais mais j'ai vachement mal aux couilles quand même, parce que tu m'as pris ma bite. Donc ça c'est autre chose. Oh, mon pet, il mange les petits oiseaux qui sautent dans les airs et il les défonce. Ah. Eh ben, pas très sympa, il est bien éduqué. Donc, 3, 2, 1, clic. Contente de vous revoir, mon ami. Gilar et vous, avez-vous rempli la mission? Avez-vous pu arrêter Margus? Et le crâne maudit? Vous l'avez? Dites-moi, pouvons-nous oublier cette menace qui planait sur Tourbevase? Je sais plus mon nom. Désastre, non? Allez Bob, c'est la fin. Nous avons trouvé Margus dans un Xanmir sur l'île de Norgzell. Le rituel l'a dévoré. C'est regrettable. Mais les Argoniens nous avaient prévenus que le rituel était dangereux. Au moins, les conservateurs cyrodiliaques n'auront plus à s'inquiéter de Margus Darius. Mais avez-vous arrêté le rituel? Margus n'a pas libéré la malédiction, n'est-ce pas? Désastre ne pense pas que la malédiction ait été libérée. Mais Krayn, en revanche, a pu trouver l'emplacement du crâne. Si la malédiction de Belacar avait été libérée, nous serions sans doute au courant. En tout cas, ma sœur Famia m'aurait prévenue. Je suis sûre qu'elle le remarquerait si Tourbevase était ravagée autour d'elle. Vous avez vu le crâne? Il est vraiment en or massif. Qui c'est qu'a le crâne? C'est Désastre. Ouais, c'est Désastre. Bah je t'en prie. Voici le crâne doré. Vous devriez le garder pour le protéger. Bien joué, mon ami. Je vais l'envoyer à ma sœur, à Tourbevase. Elle saura le protéger. Si vous passez dans la région, Famia serait ravie de vous rencontrer. Et les conservateurs cyrodiliaques ont toujours besoin d'aide. Pour le moment, acceptez ceci, avec mes remerciements. Hey, merci. Un marqueur funéraire de Tourbevase, accomplir. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Memento. D'accord. Pas le memento. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ah! Ah! Vous arrivez juste à temps. Vous pourriez donner un coup de main. On est employé du mois de Concordia. Voilà. Ah, et il y a Gilar qui nous offre des quêtes journalières. Voilà, du coup là on a terminé la quête prologue en fait. Là c'est juste les quêtes journal. Ouais, on s'en fout. Sans intérêt. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Bon bah nickel. Pour conclure tout ça, il faudrait ouvrir des caisses. Pour conclure tout ça, je propose d'ouvrir des caisses, mais je propose de se retéléporter à Orsinium dans la même taverne dans laquelle on a commencé. Ah ouais, ça serait drôle, vas-y. En mode fin d'épisode, début d'épisode, voilà. Genre, c'est épisode filler de Naruto. Eh ben dis donc, il nous en est arrivé des choses aujourd'hui. Oui, mais j'ai quand même l'impression d'avoir perdu mon temps. Voilà quoi, c'est l'épisode Pokémon. Voilà, Sacha était dans la forêt. On n'a pas vu Sacha, c'était un épisode sur la Team Rocket. Et à la fin, t'as Sacha. C'est quoi le nom de la zone d'Orsinium déjà? Vrodgar. Enfin, il faut le dire avec la voix des orques. Vrodgar. C'est simple, il suffit de mettre les dents de devant, enfin les dents du bas devant. Genre, tu sais, tu avances la mâchoire comme ça. Et puis tu. Ouais, c'est vrai. Et tu parles simplement comme ça. C'est compliqué en premier lieu, mais tu peux faire une véritable voix d'orque. C'est juste une question de... Non, c'est classe. Et enfin... l'orque sous son casque. Mais là, c'est méta. Là, c'est méta. Là, c'est méta, c'est méta. Alors, elle est où la taverne? Elle est... oui, bonne question. C'est celle où on a la quête, en fait, c'est ça? Oui. Merde, tant que vous étiez là-bas à la base. Je suis à haute voix. Qu'est-ce que je fous à haute voix? Ah là là. Non, j'ai été mal téléporté, c'est ma faute. J'ai dû misclick, j'ai dû faire n'importe quoi. Bah installez-vous, j'arrive. Est-ce qu'il y aura encore le clodo? La ponce vorace. Starkfield. Ah, il a pas bougé, c'est son QG. En fait, il a quelqu'un qui les alerte en haut. Ils arrivent, reprenez vos places. Je crois vraiment qu'ils sont toute la journée là, mais non. Ils ont des gens qui les préviennent. C'est vrai, t'as raison, c'est plus que ça. Putain, mais on a... Moi j'ai réellement une quête ici. Vendez la shop. Ah oui, parce qu'on avait trouvé tous les objets. Ouais, on avait fait plein de quêtes en fait. Non, c'est vraiment l'épisode. C'était vraiment l'épisode entre deux, si tu veux. Ouais, c'est l'épisode 0, tu sais, hors série. C'est ça, l'épisode sur la Team Rocket. Déguisement, et puis pensez à remettre vos tenues, hein, histoire d'être cohérent. Mais tu sais, moi je garde quand même le casque, enfin tu sais, les cornes. Moi je garde la capuche. C'est ça, c'est ça. Les gars qui ramènent les souvenirs, tu sais. Bon bah on reprend le boulot, mais... on est bien. Apparence... déguisement... Ouais, c'était ça ma tenue à la base, mais j'ai enlevé le casque. Voilà. Familier le nounours. Très bien. Ah. Il est où mon nounours? Il est là. Ok. Il va s'asseoir, moi, qu'est-ce qui se passe? pas s'asseoir. Très bien. Hop. Il est classe à la fin. Et voilà. Bien. Eh ben putain, grosse quête quand même. Hein. Oui. Grosse quête. Moi qui pensais qu'on allait faire ça avant d'aller à Orsinium, bah en fait... Ouais, voilà, ça arrive beaucoup trop. Alors je tiens à dire que le mec qui est avec nous, qui s'appelle Alof Norfroy, a un putain de style. Il est formidable. André Dulac qui se pose, c'est stylé. Ah, t'es bien fier, pimpant et fringant dans ton armure orc, enfin d'Edric orc si tu veux. Ouais, mon armure aux bonnes couleurs quand même. Oui, bah oui, mais c'est fringant, on non, est bien. C'est classe. On est bien, on est bien, on est posé. Et il y a toujours le clodo, il a pas bougé, Tatius Doneticus, hein. Le mec, il est toujours là. Ouais. Elle m'a quitté. Voilà, c'est le gars, il a pas bougé, hein. Il a pas bougé. Il tient le banc. Ah c'est ça, il est dans la dépression le mec, hein. Toujours la même cagoule. Ah bon, ça révoque aussi à la classe derrière. Ah, moi par contre le PNJ Kakuga, très stylé. Ouais j'avoue ça révoque, ouais. Ah bah c'est pas le perso, de Baldur's Gate si hein. Si c'est pour ça, ça qu'il ressemble, c'est ça. Ouais. Je trouve qu'Alof a quand même un style qui est pur, pur stylé, il faut l'avouer. Bon, ah non, ça va, on, la classe. On ouvre des caisses. Allez, hey. F3. F3. Je vous souhaite la bienvenue et je prie que... Ah, bon, le Kajit il est posé n'importe quoi. Ouais, moi aussi, c'est adorable, c'est pas grave. Go. Allez, chaton. Allez, c'est parti. Sauce-nous. Oh, il les jette de dos, chaton. Alors, j'ai rien de... J'ai absolument rien. Une violette. Je vous invite à réessayer. J'ai absolument rien, donc j'en rouvre une tout de suite, moi. Ah, lanterne, j'avais déjà. Tu rouvres direct? Bah, j'en rouvre une tout de suite parce que j'avais rien du tout. Et pareil, la deuxième, j'ai rien du tout. Rien du tout, c'est la pauvreté. Ah, bleu. Lancer un œuf pourri que j'avais pas. Rien du tout, c'est la troisième cave que j'ouvre où j'ai même pas une bleue, une jaune, rien. C'est la pauvreté. Non, une bleue, si, c'est obligé. Rien du tout. Ah, il a une supplémentaire. Ah, oh, ah ben, violette. Il y a deux violettes, une bleue, je crois. Vous pourrez échanger ces précieuses gemmes contre d'intéressants. Alors, cicatrice faciale de griffe de loup-garou. Ah merci Spooky. Parchemin d'expérience et robe de sorcière de Glen Moril. Bah elle brille même pas. Il m'en a donné une cinquième mais elle est même pas brillante. J'en ai 5 non brillantes, c'est bugué en fait. Non je pense que ça sera bien. Enfin tu... Oh là la personnalité zombie. Mais on me le rend. Oh nice. Enfin, je l'avais déjà. Ah la 5ème. Ah non c'est... Ouais. Je l'avais déjà, je suis baisé. Ah mince. Moi je l'ai pas. Bon il me reste 6 caisses d'Halo Jack moi. Ah, j'ai eu la tunique du temple de la cité impériale. C'est le la tenue qu'avait la fille. Et on l'a tous, donc c'est super, on pourra s'habiller avec ça si tu veux. Ah, formidable. Ok, bah. On l'a ? Oui, au moins je l'ai. C'est Spoking. Ah, vas-y. Je vais ouvrir ma dernière caisse, ça sera fait. Vas-y. La dernière. Allez, fais-moi rêver pour la dernière caisse. Un parchemin d'expérience. Légendaire. Alors un tatouage que j'avais déjà et un parchemin d'expérience. Voilà. C'était une belle dernière caisse. Et voilà. Moi je suis en train de flamber toutes mes caisses. J'ai ma couronne. Hein. Ça y est. Une récompense bonus. Ah t'as eu un truc? Une émote, mais que j'ai déjà. Réparation à couronne et des marques corporelles. Ah non c'est la misère. Il me reste 3 caisses. J'ai flambé une dizaine de caisses là et j'ai rien eu. Ah une violette. Que se passe-t-il? Ah est-ce qu'on peut espérer? Un parchemin à couronne, il reste 2 caisses, allons-y. Rien du tout. Apparemment j'ai tout révélé dans ce DLC, hein, parce qu'il me donne que des choses que j'ai déjà en fait. Et un masque de chat, ouais j'ai vraiment tout. Hein. Dans le sens où j'ai rien gagné en fait. Je suis dans le dégoûté. Mais c'est pas grave, parce qu'avec ça quand même, même si je suis... Quand même plein de montures hein, qu'on n'a pas. C'est ça, c'est ça. Même si je suis salty, il y a des tas de choses que je peux convertir. Ah, si je le chope pas à la fin, je prendrai le zombie à 100. La démarche zombie, que j'ai pas. Voilà, je peux convertir tout ceci en gemmes. Et je rappelle, pour 5 gemmes, tu peux acheter un livre d'expérience pour cheval. Ce qui est pas rien. Ou non, c'est 4 gemmes. C'est pas 5, c'est 4 gemmes. Donc ça peut aller vite, tu vois, une centaine de gemmes et boum, t'as gagné plein de levels. Ah, il y a plein de trucs là, encore qu'on n'a pas. Ouais, mais c'est les trucs pas rares, quoi, on les a tous ou presque. Ah, encore, non, il y a même des marques. 2-3 trucs que j'ai pas eu. Voilà. Tu vas voir ce que c'est là. Oh, j'ai tué le clodo. Ah bah écoute, c'est la vie, hein. Oh. C'est la vie, hein. Ça change rien, hein. Ça change rien. Au final, mettre son clone. C'est ça, c'est ça. On a commencé dans ce bar, alors... on va finir dans ce bar, mais un peu plus ridicule que quand on était parti, grâce au, bonus de tête. Oh, ça fait badass hein, d'avoir des petites cicatrices sur le visage, là. Ouais, les cicatrices, elles sont pas mal. Elles sont assez bien faites. Et donc le nouveau déguisement, c'est robe de sorcière. Ah bah oui hein. Stylé ouais, ouais. Tu deviens un perso de Jojo au fond à droite hein. Avec la capuche j'avoue Ah j'avoue c'est presque insensible. Et avec les petites cicatrices hein. J'avoue hein. Cicatrices sur le visage là. J'avoue j'avoue. Tu es le mec qui a bourlingué tu vois qui... qui s'est retrouvé tout nu après une soirée où il n'avait pas prévu. C'est ça, c'est ça. Et qui a piqué les premières fringues qu'il a trouvées. Hein. C'est beau. Moi, ça me fait penser à ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein. On aime. Hein. Putain. Qualitatif. Bon, eh ben écoutez, je pense qu'on est, plutôt bien. On peut s'arrêter là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben ouais. Formidable. Oui, bon épisode que cela. Hein. On a bien filé, on a bien fait la merde, on a bien foutu le merdier. Allez les gens, instruments de musique, slash flûte, slash tambour, on aime ça. Allons-y. Saussons-nous. Il y a quoi comme... Par la flûte, ouais, voilà, les autres vous pouvez applaudir ou faire du bruit. Voilà. Il y a quoi? Il y a la flûte, le drum, le flûte et le luth. Voilà, très bien. Voilà. Comment il fait pour souffler dedans, Désastre? Encore une fois, il a pas de lèvres, ça passe pas. C'est des années d'expérience. Pour toi, ça n'a pas de sens parce que voilà, tu vois ça de ta vision de. C'est pas une question de vision d'humain, c'est une question physique. À un moment... sauf que les Argoniens, ils disent « Ah, ces humains qui comprennent rien ». Oui, mais voilà. Est-ce que t'as déjà vu un lézard gonfler un ballon? Bah, j'ai jamais vu de lézard en full armure, j'ai jamais vu de lézard... Tu vois, il y a plein de trucs que j'ai pas vu faire des lézards, en vrai. Hein. C'est valide, et bah écoute, c'est propre. Dans tous les cas, on vous remercie d'avoir regardé ces VOD, on vous fait des gros bisous, on vous invite à aller voir celle des autres aussi, ça fait toujours plaisir, on vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'aventures de Teso, et promis, ce coup-ci, on avance Orsinium ou d'autres... C'est dans 2 semaines. Ah bon bah... Mais on peut, hein, si tu veux. Et dans 2 semaines, Murkmire sera sorti. Mais merde. Putain, ça sort plus vite qu'on le finit. Casser les couilles. On mettra Orsinium de côté, on ira faire en priorité la nouvelle zone. Ah, mais j'aime bien les orques. Bon bah d'accord, mais dans ce cas-là, on aura le droit à un instant fashion. Voilà, on aura pas ça. Toujours. Ah, toujours. Vous me faites plaisir. Voilà, c'est valide. Le contrat est signé, la négociation est terminée, les pactes sont pactisés. On vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine. Allez, zou. Ciao, ciao. Allez, des bisous tout le monde. Oh. Ciao, ciao.